bonjour à tous et bonjour à toutes. Merci de nous retrouver pour ces championnats d'Europe de course d'orientation, à nouveau de la course d'orientation sur 8 Mont-Blanc et 100% outdoor, avec en compagnie de Mathieu Puech. Bonjour. Salut à tous. Salut. Comment vas-tu? Ça va bien, merci. On se retrouve à nouveau pour une compétition de ces championnats d'Europe avec 3 jours qui nous attendent en forêt. On s'est quitté sur une course urbaine et là, on rentre finalement, je dirais, dans le cœur de la course d'orientation, la forêt. Oui, ce qui est notre discipline favorite, en tout cas traditionnelle. Hein. On est quand même des coureurs de la forêt à la base, même si on essaye de sortir un peu du bois pour envahir un peu les villes et se faire connaître. Mais effectivement, on a quand même un attachement tous, je pense, à ces disciplines de forêt qu'on va suivre pendant 3 jours de compétition que j'espère vont être passionnantes. Ouais. Mais ça, c'est sûr, on espère tous. Alors, on a 3 jours de compétition, donc on va commencer aujourd'hui avec un format longue distance. On va avoir le temps de revenir, bien sûr, qu'est-ce que c'est que ce format longue distance. Un format moyenne distance qu'on aura samedi, et puis le format relais que vous connaissez un petit peu plus aussi, format en équipe. On rentre, Mathieu, dans un bloc de forêt pour une année complète avec l'objectif numéro 1, ça sera les championnats du monde en 2023 qui auront lieu en Suisse. Donc finalement, voilà, on revient pour une année en plein milieu de la forêt, notre cœur du sport à la base. Donc c'est une préparation, il a fallu changer sa préparation entre le format urbain et le format forêt pour les athlètes. Ouais, on a des compétitions là qui sont enchaînées assez rapidement. Hein. On avait le championnat du monde totalement urbain qui a eu lieu il n'y a pas si longtemps. Donc, c'était la compétition phare de l'année pour la plupart des coureurs. Donc ils se sont préparés vraiment spécifiquement pour ça. Et là, ils ont dû enchaîner très rapidement, basculer sur du format donc forêt. Et forcément, ça s'est pas fait. Facilement pour tous. Enfin, il y en a qui vont être plus en difficulté parce qu'ils l'ont moins préparé cette année, d'autant que on reparlera des terrains, mais c'est des terrains assez spécifiques. Donc voilà, et puis entre-temps, il y a aussi eu d'autres compétitions. Ça a été un été très chargé pour certains. On va voir que si tout le monde a bien encaissé cet enchaînement de compétitions. Hein. On peut rappeler, il y avait le World Games, qui était aux États-Unis, donc en plus avec un long déplacement. Ensuite, il y a eu des compétitions un peu par étapes, comme souvent c'est le cas l'été. Donc on peut citer le Ohringen, qui est la plus grosse course par étapes. 5 jours en Suède, avec un plateau très dense. Un peu moins dense, du coup, vu l'enchaînement des compétitions. Mais quand même, certains coureurs ont fait le choix quand même d'aller courir là-bas, alors que les compétitions s'enchaînent. Donc comment est-ce que ces coureurs-là auront récupéré pour ces championnats d'Europe? C'est un peu une partie de la question dont on va avoir la réponse déjà aujourd'hui, hein, sur une longue distance, où il vaut mieux être en forme. Effectivement, la vraie question, ça va être la récupération entre ces derniers championnats du monde. Vous avez pu voir sur les différents réseaux sociaux l'entraîneur de l'équipe de France, Charlie Boischu, qui nous expliquait que, pour certains, ça avait été compliqué, voire même ils ne peuvent pas courir. Et bien sûr, on pense à Lucas Basset et Isia Basset, nos têtes d'affiche de l'équipe de France, qui malheureusement ne pourront pas s'aligner sur ces championnats d'Europe. Ouais, nos deux leaders. Alors forcément, l'équipe est un peu orpheline de leur absence. C'est des absences de poids pour nous, c'est sûr. Alors voilà, on n'a pas le choix. Ils sont arrivés pendant le championnat du monde déjà, il y avait des petits pépins. Et puis, ça ne s'est pas amélioré pendant le championnat. Derrière, difficile. L'enchaînement, comme j'ai dit, était dense. Il n'y a pas eu assez de temps, en fait, pour se remettre de ces pépins physiques-là. Et résultat des courses, ils ne peuvent pas être avec le reste de l'équipe en ce moment. Et donc, l'équipe a été rajeunie. L'entraîneur a fait entrer dans l'équipe des petits jeunes. Donc c'est intéressant aussi, hein, mais c'est sûr que pour l'optique des résultats, on sait qu'on va forcément devoir viser un cran un petit peu en dessous. Ouais. Alors ces championnats d'Europe, Mathieu, donc on l'a dit, ils sont composés de 3 courses avec aujourd'hui la longue distance. On va avoir le temps de rentrer dans le détail de la course du jour dans quelques instants puisque nous avons 2 invités exceptionnels, des membres de l'équipe de France qui seront avec nous pour parler de ces terrains, comme tu le dis, et de cette course. Mais après, il y aura aussi donc une moyenne distance et un relais. Demain, le jour et en sachant que ça a déjà commencé hier avec une course de qualification, il y aura un jour demain de récupération. Donc finalement, c'est un bloc de 3 courses qui est très intense au championnat du monde. Il y avait une journée de récupération entre chaque course. Il n'y en aura pas entre samedi et dimanche. Oui, certes, mais ça reste quand même gérable pour les athlètes.
Ils ont une journée de récupération après la longue, ce qui est relativement classique. Du coup, ensuite, l'enchaînement middle relais, moyenne distance et relais, donc c'est un enchaînement qui se fait habituellement aussi en championnat du monde. Et bon, au final, on a quand même seulement 4 jours de compétition par rapport au championnat du monde ou au championnat d'Europe ancienne génération, qui était beaucoup plus dense. Donc bon, sur l'enchaînement, voilà, avec quand même cette question sur la fatigue générale de certains, bon, je pense que normalement l'enchaînement, il est quand même gérable. Avec une densité qui sera forcément absolue, puisque les quotas pour ces championnats d'Europe sont augmentés par rapport aux championnats du monde. Donc on se retrouve avec des nations qui auront même 8 athlètes. En fonction des blessés, etc. Mais en tout cas, on peut aller jusqu'à 8 athlètes. Pour l'équipe de France, ça sera 6 garçons, on l'a dit, et 9 garçons, pardon, et 6 filles par jour, aujourd'hui en tout cas sur la longue distance. Donc voilà, on attend une énorme densité et on va pouvoir détailler Oui, ça juste après. je pense que c'est un point intéressant. Effectivement, les championnats d'Europe sont connus pour être des courses beaucoup plus denses parce que les quotas par nation sont plus élevés. Et qui veut dire plus élevé veut dire plus de Suédois, plus de Norvégiens, plus de Finlandais, Des plus de Suisses. Suisses, etc. Et du coup, oui, on a jusqu'à 10-12 athlètes pour ces grosses nations-là. Et bien forcément, si vous voulez faire un top 10 et que d'un coup, on a deux fois plus d'athlètes de nations fortes, et ben, le haut niveau est beaucoup plus difficile à aller chercher. Ouais. On tourne une toute petite page de promotion pour nos événements qui auront lieu cet été et on se retrouve en plateau avec nos deux membres de l'équipe de France, Vincent Coupa et Cécile Folzer. On se retrouve sur le plateau télé de 8 Mont-Blanc et 100% Outdoor pour ces championnats d'Europe de course d'orientation. Et vous le voyez avec nous, deux invités, Cécile Folzer, Vincent Coupa, bonjour. 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 Merci de nous retrouver sur le plateau télé pour parler un petit peu de ces championnats d'Europe de course d'orientation. Cécile, je te laisse te présenter, membre de l'équipe de France. On te connaît puisque l'année dernière, tu étais déjà venue sur le plateau avec nous. Exactement. Du coup, je suis membre de l'équipe de France depuis 2016. Donc, j'ai fait mon premier championnat du monde junior en Suisse cette année-là. Et depuis, j'ai fait d'autres compétitions internationales, dont le championnat du monde senior qui était en Norvège en 2019. Voilà.
Tu vas pouvoir nous éclairer et nous guider lors de cette course aujourd'hui sur cette longue distance sur la course Dames, où tu seras bien sûr notre invité. Et puis Vincent Coupa avec nous. Vincent, c'est la première fois que tu nous retrouves sur le plateau. Ça fait vraiment plaisir de te voir. Je te laisse te présenter. Donc ben Vincent Coupa, moi je suis membre de l'équipe de France depuis 2003. Donc voilà, un petit peu plus d'ancienneté de mon côté. Je suis de Besançon. Peut-être que ça entend un petit peu l'accent. Et puis voilà, je suis au club d'orientation de Team Besançon du coup. Effectivement, qu'on salue et on sait qu'il nous regarde le club d'orientation de Team Besançon. Alors, on avait vraiment très envie de vous avoir avec nous sur le plateau pour parler aujourd'hui de cette avant-course. C'est des terrains que Vincent, toi, tu connais, puisque en 2017, il y avait un championnat du monde là-bas en Estonie. Parle-nous un petit peu des terrains et puis après, Cécile, tu nous parleras un petit peu des clés qu'il faut avoir sur une longue distance. Eh ben, c'est des terrains qui vont être un peu particuliers. Là, on est sur des terrains relativement plats avec du micro-relief. Et après, il y a beaucoup de choses qui jouent au niveau de la végétation qui est très dense, surtout à cette période de l'année où on va retrouver beaucoup de feuilles et de branchages qui nous gênent au niveau de la visibilité. Et au niveau de la courabilité aussi, elle ne va pas être très très bonne. Le sol est souvent encombré, pas mal de troncs au sol, d'arbres, de branches aussi. Voilà, donc c'est des terrains plutôt sales, qui ne sont pas forcément très rapides, on n'a pas une visibilité très très bonne. Alors des terrains sales, on s'entend évidemment, hein, c'est voilà, de la végétation basse, tu l'as bien dit. On reviendra là-dessus tout à l'heure, tu suivras avec nous la course homme sur ces championnats d'Europe. Une longue distance, Cécile, qu'est-ce que c'est concrètement? Alors donne-nous un petit peu les temps de course, les temps de gagne, et puis surtout quelles sont les clés pour réussir? Eh ben, la longue distance, comme son nom l'indique, c'est la longue course de course d'orientation qu'on a. C'est la plus longue en termes de format. Au niveau des temps de gagne, chez les dames, ça tourne souvent plutôt autour d'1h20 et les hommes un peu plus longs. Voilà. Et après, au niveau des clés sur une longue distance, c'est vraiment... Il y a le physique qui rentre en compte encore plus que sur les autres formats parce qu'il faut, voilà, il faut savoir rester dans la course aussi bien physiquement que techniquement sur toute la durée. Donc c'est le double challenge de voilà, de pas perdre le contact avec son orientation et de rester dans le rythme de la course. Donc on part à un bon rythme, mais l'idée, c'est quand même de garder ce rythme-là jusqu'à la fin, même si c'est dur, même si on est fatigué mentalement et physiquement. Mathieu, toi, tu connais évidemment bien Cécile et Vincent parce que tu es, on le rappelle, membre du staff de l'équipe de France. Hein. Tu participes à de nombreux entraînements, de nombreux stages. Comment on se prépare à ce type de compétition, ces championnats d'Europe? Qu'est-ce que vous, membre de l'équipe de France, staff, vous amenez en termes de type d'entraînement, je dirais? Ouais, alors il y a plusieurs problématiques, évidemment. Globalement, l'idée, déjà, nous, c'est de les préparer à affronter les challenges qui vont avoir en course, notamment vis-à-vis des terrains. Donc, selon où seront les championnats du monde, on essaie de trouver des terrains qui vont ressembler le plus possible, voire aller sur place aussi souvent que possible, pour que les coureurs prennent l'habitude d'orienter sur ces types de terrains, parce que d'une forêt à l'autre, on a quand même des caractéristiques qui obligent à adapter la technique, adapter la manière de courir. Enfin, c'est vraiment très très spécifique, ça fait quand même une grosse grosse part de différence entre les nations qui peuvent se permettre de bien préparer les compétitions comme ça en allant sur le terrain, et celles qui découvrent le terrain le jour J, voilà, les athlètes prennent la carte, il n'a jamais couru avant. Là, c'est compliqué. Donc, c'est une des problématiques en course d'orientation qui fait qu'on est obligé de beaucoup voyager dans l'année pour aller sur les terrains similaires, voire vraiment les terrains proches de la compétition, quoi. Alors, on en reparlera justement de la préparation qui a fallu précisément, parce qu'en plus, il y a d'autres membres de l'équipe de France que vous connaissez bien, donc vous allez pouvoir nous apporter pendant la retransmission des clés. Vincent, on avait aussi une petite surprise pour toi. Alors, ça va apparaître sur les écrans. On l'a pas dit encore, mais tu as eu une médaille en championnat du monde. C'est quand même pas rien, c'était en 2015. Raconte-nous un petit peu, c'était en relais, hein, donc médaille au championnat du monde. On a essayé de reprendre tous les moments où on te voit à la caméra sur ce relais. Raconte-nous un petit peu, parce que toi, tu as vécu évidemment le très haut niveau aussi, et notamment une médaille en championnat. Ouais, alors c'était un championnat du monde un peu particulier, parce qu'à la base, j'étais censé ne courir que le format sprint. Donc je n'avais une préparation que pour le format urbain, et suite à une blessure de Philippe Adamski,
je me suis retrouvé à faire toutes les courses. Donc aussi bien le relais, sur lequel on a eu la médaille, que la moyenne distance à la longue distance. Et bon, alors ça s'était très très bien passé, j'avais des bonnes sensations et voilà, j'ai réussi à rentrer dans l'équipe. Et avec une équipe qu'on n'attendait peut-être pas beaucoup faire une médaille, on avait quand même réussi à décrocher une médaille avec du coup Lucas Basset et Frédéric Tranchant. Alors effectivement, toi tu rentres sixième, on venait juste de le voir, tu rentres sixième de ce premier relais. Après Lucas Basset qui rentrait troisième et qui lançait Fred, je te laisse commenter. L'attente derrière pendant son relais de en gros une grosse trentaine de minutes avec Lucas à attendre puis à voir que Frédéric arrivait encore à tenir la position et le petit stress et puis voilà jusqu'à la ligne d'arrivée où on peut souffler un coup et puis profiter de cette médaille qui était quand même c'était un petit peu inespéré, ouais, encore plus inespéré pour moi qui n'était pas censé du tout courir ce format-là. Vas-y Mathieu. Ouais. Ouais, non, je dis juste, je peux pas m'empêcher de pas réagir en revoyant les images, j'en ai un peu la chair de poule, c'était vraiment vraiment parce que c'était voilà, comme le dit bien Vincent, on avait nos meilleurs athlètes de l'époque qui n'étaient pas dans ce relais-là, donc c'était un peu, c'était clairement des outsiders, mais les voir comme ça monter sur le podium, c'était incroyable pour toute la délégation, et j'imagine pour tous ceux qui avaient pu suivre la course en direct. C'est vrai qu'il manquait du coup Philippe Adamski qui était blessé, il y avait Thierry Jean-Jacques aussi qui courait le championnat du monde et qui avait décidé de faire l'impasse sur le relais, donc du coup les deux meilleurs de l'époque étaient à côté, et nous on avait quand même réussi à monter sur ce podium. Et ça avait lancé une série, lancé plus ou moins parce qu'il y avait déjà eu des médailles avant, mais en tout cas voilà, ça perpétuait un peu la tradition des médailles en relais qu'on a eu après pendant des années jusqu'à la série qui s'est arrêtée il n'y a pas si longtemps, mais qui était à chaque année un peu incroyable et voilà, qui nous ravit à chaque fois qu'on revoit ces images en tout cas. On le sait du coup, avec grâce à ces images et puis ce que vous êtes en train de dire, l'équipe de France, on est très attendu, on est connu, on est reconnu maintenant pour le format forêt. D'où ça vient? Pourquoi on en est là aujourd'hui? Quelles ont été toutes ces années? Toi, Vincent, depuis 2003, tu dis en équipe de France, Cécile un petit peu moins, mais voilà, qu'est-ce qui a travaillé? Qu'est-ce que vous avez pu travailler et mettre comme ça en avant pour arriver à un niveau comme ça, autant de stabilité en forêt? Je pense que c'est toute une structuration qui s'est faite au niveau de la fédération avec des entraîneurs, avec des groupes qui se sont formés aussi avec le Pôle France qui s'est monté sur Saint-Étienne, qui a permis de créer un groupe d'entraînement où il y a eu de l'émulation, et puis de voir qu'il y a aussi des athlètes qui ont porté, comme Thierry Georgiou notamment, qui a tiré l'équipe de France vers le haut, a permis de mettre un certain niveau, un certain standard dans l'équipe de France, que derrière, après, tous les autres essayent de suivre. Et puis, voilà, ça a pu faire monter un peu la sauce. Et puis, maintenant, on est reconnu comme une nation forte et dans les top 6, dans le top 6 des nations mondiales. Cécile, on va parler aussi, parce que juste après, on va basculer sur la course dame. Et on est vraiment ravis que tu puisses nous accompagner sur cette course. Aujourd'hui, il y a 6 membres de l'équipe de France qui sont là-bas en Estonie, avec pour certaines aussi une première participation sur un championnat. Toi, tu en as déjà fait, des championnats du monde, tu nous l'as dit. Comment on aborde comme ça une compétition internationale aussi importante, avec une vraie densité, puisqu'on l'a dit, les quotas sont augmentés sur un championnat d'Europe? Déjà, comme tu l'as dit, là, ce championnat d'Europe, il vient juste après le championnat du monde qui était en sprint. Donc c'est vrai que cette année, l'équipe féminine, on n'est pas nombreuses en fait, et il n'y en a pas beaucoup qui se sont spécialement préparées pour ce championnat d'Europe. Alors forcément, on fait toujours un petit peu de forêt toute l'année pour continuer à avoir nos routines, etc. Mais là, spécifiquement pour ce championnat d'Europe, je sais que parmi les filles, il y en a quelques-unes qui ont essayé de s'entraîner sur des terrains qui étaient un peu similaires à l'Estonie, mais il n'y en a aucune qui a été là-bas. Après, l'idéal, forcément, c'est d'aller sur le terrain, de se rendre compte des problématiques du terrain et puis de faire des entraînements qui vont être similaires à la moyenne distance, à la longue distance, au relais. Chose qu'on fait habituellement pour ces grosses compétitions, mais cette année, c'était pas possible dans le calendrier. On rentre sur, on l'a dit, un bloc d'un an de forêt qui nous attend en compétition internationale avec une Coupe du Monde en Suisse à l'automne. Et puis en 2023, il y aura une Coupe du Monde et les championnats du monde en Suisse. Comment vous allez aborder la suite sur cette prochaine année de votre carrière internationale? Vincent, tu veux commencer? Moi, c'est un peu plus délicat. Alors, c'est plutôt la fin pour moi, plutôt la fin de ma carrière, on va dire. J'ai du mal à me projeter maintenant sur l'avenir. Je sens aussi que c'est de plus en plus difficile de garder un niveau d'investissement et de motivation par rapport à ce que j'étais capable de faire il y a encore 5 ans.
Donc voilà, c'est plus compliqué aujourd'hui de se projeter sur les prochaines G-séances. Voilà, c'est pas, on va dire que c'est plutôt, il y a la place à d'autres personnes en équipe de France et je vois que ça va suivre. Je précise que vous êtes tous les deux professionnels à côté, hein. Vous avez un emploi évidemment et du coup c'est pas forcément évident de s'entraîner comme vous le dites sur du très haut niveau. Cécile, pour toi, comment ça va se passer? Comment tu vois les choses? Alors moi, j'ai l'avantage de faire un métier qui est souple et du coup qui me laisse la possibilité de pouvoir m'entraîner comme j'ai envie. Après, comme tu l'as dit, le haut niveau, c'est quand même beaucoup d'investissement et c'est quelque chose qu'il faut vraiment avoir envie de faire, sinon il ne faut pas le faire. Et là, cette année, je me suis beaucoup investie pour essayer d'avoir une sélection au championnat du monde de sprint. C'est pas passé trop loin, mais c'était encore pas suffisant. Donc pour l'année prochaine, je pense que je vais remettre le couvert et retourner en forêt et essayer de m'investir pour pouvoir être de la partie en forêt. Alors c'est tout ce qu'on te souhaite et Vincent évidemment on te garde toujours avec nous puis on se retrouvera à Risoul de toute façon cet été déjà sur les championnats de France puisque on sait que vous avez une grosse équipe sur ce championnat de France de relais. On tourne une toute petite page de spot sur la CO et puis on se retrouve d'abord avec Cécile pour suivre la course dame juste après. Merci de nous avoir retrouvés sur le plateau. On se retrouve sur le plateau de 8 Mont-Blanc avec Mathieu toujours pour ces championnats d'Europe de coordination. Allez, on est à moins de 5 minutes maintenant de basculer en Estonie et de retrouver là-bas les athlètes. On va avoir un direct avec notre envoyé spécial qui est Christophe Roturier. Christophe, est-ce que tu m'entends? Oui, je t'entends très bien, Robin. Parfait. Salut Christophe. Alors, raconte-nous un petit peu quelle est l'ambiance sur place et puis est-ce qu'il y a déjà un peu des spectateurs qui sont arrivés? Oui, tout à fait. L'ambiance, c'est celle d'une compétition internationale avec les supporters. Alors, je fais partager cette ambiance à les supporters qui sont massés près de la ligne d'arrivée. Ça vous permet de voir ce couloir qui commence par un petit pont qui passe au-dessus. Je vous le fais en sens inverse, qui passe au-dessus du départ des concurrents. Vous avez là une concurrence suisse qui va partir et qui passe en dessous tout ce pont qui mène les coureurs ensuite à l'arrivée. Alors on est en Estonie. L'Estonie, pour vous situer en termes de géographie, on est à un point qui est au-dessus, le point le plus au nord de l'Écosse. Donc tout ça pour vous dire que le temps est bon, il fait plein soleil, mais c'est pas la canicule ici, quoi. Il fait un temps, j'ai envie de dire un temps de mois de mai en France, soleil. Quand on court, il fait un peu chaud. J'en parle d'expérience, je suis revenu de ma course, là, il fait vraiment chaud quand on est en course. Quelques nouvelles de l'équipe de France, j'ai eu la chance de croiser notre DTN, Marie-Violaine Palco, et qui m'a dit que l'équipe allait bien, avec toutefois quand même petite inquiétude sur quel allait être le type de terrain, proposé par les traceurs comparativement à ce qu'ils ont pu avoir hier. Voilà, mais globalement, tout le monde est en forme et puis j'ai vu les départs, les premiers départs d'Axel, Axel Panier, Lucille Clouard, on a vu Chloé Dudoignon, on a vu Florence Hanauer, un départ très fort de Raphaël aussi qui a tenu la tête aux intermédiaires pendant tout un moment, beaucoup parlé de lui sur l'aréna,
Et puis on a vu aussi Antoine, donc des débuts de course très très intéressants. Je dois avouer que je n'ai pas repris le contact avec la course pour l'instant, suite à, avant de prendre ce direct. Alors parle-nous justement, on sait que tu fais en parallèle les courses spectateurs, parle-nous un petit peu de la forêt, parce que là tu es en plein dedans. Qu'est-ce que, comment c'est ces courses, je pense qu'on peut dire que le terrain d'aujourd'hui n'a rien à voir avec celui d'hier. En revanche, je comprends les quelques difficultés qu'on pouvait avoir des concurrents hier. Le terrain est quand même très, très, très vert. Et même si ça paraît facile à naviguer en termes de relief, le fait d'avoir une visibilité très réduite complique l'exécution de l'itinéraire plus que le choix. Voilà. Mais aujourd'hui, je crois qu'on a un terrain qui est beaucoup plus dégagé. C'est ce qui a été précisé pendant le briefing. Donc probablement des vitesses de course plus élevées. Et puis des talents qui vont pouvoir s'exprimer à plein sur cette longue distance. Eh bien écoute, on va suivre ça, Christophe. Merci pour cette introduction là-bas en Estonie. On te retrouve dès que tu as du monde, et de toute façon on se retrouve en fin de course pour avoir quelques interviews, et notamment des interviews équipe de France. Ok, très bien, je vous fais signe. Merci Christophe. Super. Il n'y a pas de quoi. Voilà, c'était donc Christophe Roturier, notre envoyé spécial. Mathieu, c'est intéressant quand même d'avoir ces infos de la forêt. Alors, on va avoir dans quelques minutes, dans quelques secondes, le début du direct qui commence. Mais voilà, précisons que la forêt, ça va être vraiment l'élément clé aujourd'hui, puisque c'est un terrain assez particulier. Ouais, on va voir ça en vidéo, j'espère. Et puis avec les cartes qui vont... Qu'on va pouvoir disséquer tout au long de cette longue distance. Mais effectivement, c'est des terrains qui sont très particuliers. Donc, comme l'a dit rapidement Vincent, c'est des terrains qui sont très plats, avec des formations de micro-reliefs par endroits, qui sont relativement techniques. Et par-dessus ça, on amène de la végétation, parfois très dense. On a des fois un mur de rideaux de feuilles, de branches devant soi. Alors c'est pas forcément toujours très compliqué à traverser, sauf évidemment qu'on a des zones plus vraiment denses en végétation, mais même la forêt normale, la forêt blanche sur la carte, est souvent assez dense en feuilles, et du coup on a une visibilité réduite, et qui dit visibilité réduite dit difficulté accrue au niveau de la technique d'orientation. Parce qu'on ne voit pas les éléments au loin, parce qu'on a du mal à tenir la direction à la boussole, et tout ça fait qu'on a des coureurs qui vont se retrouver à faire des erreurs parfois assez importantes, des erreurs de parallèle, notamment quand on ne tient pas la direction, qu'on se retrouve sur les éléments à côté de ceux sur lesquels on pensait être. Enfin bref, tout ça on va le voir, et parfois sur la carte avec le GPS on se demande un peu mais comment ça se fait que le coureur n'arrive pas à se recaler et tout ça. Ben voilà, il faut se remettre dans le contexte et imaginer que ces coureurs là, autour d'eux ils ont un mur de feuillage, et qui fait que c'est compliqué d'être en permanence en contact avec le terrain, de savoir où on est exactement sur la carte, etc. Alors, vous avez vu une petite vidéo de promotion pour le lancement de ces championnats d'Europe avec Visit to Estonia, qui est le partenaire principal de ces championnats d'Europe. Et donc, on se retrouve maintenant sur l'Arena, et on retrouve avec nous Cécile Folzer, on l'avait dit, notre consultante privilégiée pour cette course d'âme. Merci Cécile de nous retrouver à nouveau. On va pouvoir suivre cette course longue distance. Alors, on va avoir dans quelques instants la carte qui va nous être présentée. Alors, je sais que tu l'as déjà bien regardée. Tu as bien regardé les parcours avec attention. Tu vas pouvoir nous détailler un petit peu ça. Et puis, je vais vous laisser échanger avec Mathieu. Vous allez nous parler de vos choix d'itinéraire. Je sais que voilà, la course, on le dit, est déjà partie depuis un certain nombre d'heures, avec des premiers départs ce matin. Et donc, ça vous a déjà permis d'analyser un petit peu. En effet, on a déjà eu le temps de regarder le tracé, les différents choix d'itinéraire possibles, et on a surtout eu le temps de voir ce que les premiers coureurs ont déjà fait comme choix et comme parcours, parce qu'il y a déjà plusieurs coureurs qui sont arrivés maintenant. Oui, on a vu donc la distance, 12,9 km, donc ça c'est pour les filles. Le voilà, le parcours. Voilà, on voit le parcours avec un premier poste assez proche qui a fait déjà des dégâts. On verra, je sais pas si chez les meilleures filles. Mais on va voir les images de ce qui s'est déjà passé. On va voir un petit replay effectivement de ce qui s'est passé déjà sur la première heure de course. Un premier long choix, pour aller chercher le poste 2.
Et ensuite, donc, vous voyez bien ces zones-là, blanches, avec pas mal de courbes de niveau, hein, donc les lignes de couleur marron, la bistre. Ça, c'est des zones qui sont relativement difficiles techniquement, surtout quand la végétation est plus dense, avec donc une visibilité réduite. Ensuite, là, on tombe sur le premier vrai long choix. Donc une sacrée tirée qui n'y a même pas à l'écran, donc le poste 4-5. En fait, la problématique principale du traceur, c'était comment les coureurs vont pouvoir passer cette rivière principale qui traverse le terrain. Et bon, là, c'était une petite surprise parce que la rivière n'est pas indiquée comme interdite à franchir. Donc en fait, les coureurs ont le choix. Soit ils vont chercher des points de passage donc, qui sont marqués avec le petit symbole de violine. Soit et ben, ils font le choix d'aller tout droit et d'essayer de traverser la rivière où ça passe quoi. Et les coureurs ne savent pas à l'avance comment ça va être sur le terrain. Une zone très humide, hein, Mathieu et Cécile, hein, précisez-nous, hein, parce qu'on voit beaucoup de bleu, donc on est d'accord que ça correspond bien à tous ces marécages qui sont là-bas sur le terrain. Du coup, ouais, tu l'as bien dit, la rivière elle n'est pas interdite à franchir. Mais sur les symboles de la carte, elle est écrite comme infranchissable parce qu'elle est bordée de ces petits traits noirs qu'on voit de chaque côté. Oui, du coup, c'est la problématique pour le coureur qui part. Tout à fait, c'est la caractéristique. C'est la différence entre infranchissable et interdit de franchir. Là, elle est notée comme infranchissable par le cartographe, mais en fait, elle n'est pas interdite à franchir. Et comme en plus, en ce moment, les terrains sont relativement secs, parce qu'on a quand même une sécheresse globale un peu partout en Europe, en fait, y a pas tant d'eau que ça dans la rivière. Et visiblement, la rivière, elle passe. Elle est marquée infranchissable, mais elle n'est pas interdite à franchir et les coureurs s'en privent pas. Alors, on nous propose là des choix itinéraires pour 1-2 et essayer de nous préciser qu'est-ce qui, à votre avis, peut être le plus intéressant. A priori, de ce qu'on a vu depuis ce matin, ce serait plutôt le choix rouge, celui du milieu qu'on a vu, qui était le plus rapide. Ouais, 4-5, un vrai grand choix là. En règle générale, il va falloir privilégier les parties qui courent bien, donc les parties où il y a surtout du blanc. Et sachant que la rivière n'est pas un réel obstacle, il n'y a pas vraiment de raison non plus de se déporter très très loin du trait rouge. Donc souvent, le trait rouge reste quand même une option assez efficace pour peu qu'on arrive à trouver des zones qui courent bien, donc à blanches. Donc pareil sur le choix 4-5, le meilleur choix est probablement de rester relativement proche du trait rouge, donc par le choix qui était juste à droite de la ligne droite. La liste de départ, hein, donc 9h57 et 30 secondes, c'était le premier départ. Vous avez vu Lucille Clouard qui est partie à 10h17 et 30 secondes. On parlera tout à l'heure de Lucille Clouard dans quelques instants, pas tout de suite. Chloé Dudagnon qui est partie à 10h51.30. Et puis ensuite, on va voir le reste de l'équipe de France. Cécile, parle-nous un petit peu justement de cette équipe avec Juliette Basset qui est partie déjà aussi. Et bien donc du coup, oui, l'équipe, le premier départ, Lucille, ensuite Chloé, Juliette, Maëlle, Florence et Cécile, du coup Calendry qui ne prend pas le départ de cette longue. Donc les cinq filles qui ont couru, c'est nos Françaises qui sont bonnes en forêt. Il n'y a pas de souci là-dessus. Après, c'est un terrain qui est vraiment exigeant et comme je l'ai dit tout à l'heure en introduction, elles n'ont pas eu l'opportunité d'aller se préparer sur ces terrains-là. Donc, on a pu voir qu'il y a eu quand même quelques difficultés du côté des Françaises, plus dans l'exécution des choix d'itinéraire que, je pense, dans les choix à faire, parce qu'on a vu que, pour la plupart, elles ont fait les choix qu'il fallait. Parlons des favorites, Mathieu, du jour. Ouais, avant, on a vu passer Cécile, qui avait marqué DNS. Alors, DNS, c'est pour Did Not Start, parce qu'elle a fait le choix de se préserver pour les courses à venir en accord avec l'entraîneur national. Donc voilà, on n'aura pas de Cécile Calendry aujourd'hui au départ. Les favorites du jour, vous l'avez vu, hein, Tove Alexandersson qui s'était lancé. On a également vu qui part de la dernière partante qui est donc Caroline Olson. Alors que là, nous est proposé, vous voyez, ça vous permet de voir un petit peu l'état de la forêt avec le trait rouge qui s'affiche sur votre droite. C'est la position exacte où passe cette coureuse pour nous montrer un petit peu la densité de cette forêt. On voit que c'est quand même bien vert, comme on dit dans notre jargon. Bien vert, ça veut dire qu'on n'a pas forcément une grosse visibilité. Et surtout, c'est difficile de courir. Vincent, il l'expliquait tout à l'heure, le sol, il y a beaucoup de choses. Et il faut réussir à bien poser les pieds pour essayer d'être le plus efficace possible. Et ça amène aussi un élément qui va être une des problématiques majeures aussi de cette longue distance, c'est les traces que font les coureurs au fur et à mesure de leur passage. Alors ça, c'est vraiment un élément qui est important à prendre en compte.
On sait que, bah, on avait vu sur les premières images, là, la coureuse se trouvait dans une zone où, en fait, on a la végétation qui a quand même poussé, la végétation basse, mais qui n'est pas si basse que ça, du coup, qui lui arrive à la hanche, à la taille, voire des fois plus haut. Et en fait, les premiers coureurs qui vont passer là-dedans, forcément, vont coucher cette végétation. Et ceux qui vont passer derrière, eh ben, seront moins freinés, de moins en moins freinés au fur et à mesure des passages. Et c'est là, on parle en minutes gagnées entre le premier partant et le dernier partant. Donc forcément, les premiers coureurs sont désavantagés, mais il faut savoir là que la start list est faite en fonction du classement mondial, donc les meilleurs partent à la fin, et donc les meilleurs seront à peu près dans les mêmes conditions en termes d'avantages donnés par ces traces. Alors pour l'instant, donc là vous avez à l'écran la Finlandaise Jalava qui est à l'arrivée, hein. C'est le couloir d'arrivée que nous a présenté tout à l'heure Christophe en avant-course. On va parler justement des favorites du jour. Ça va être le moment de se mouiller un petit peu et de nous donner vos différentes opinions sur les favoris. Je vous écoute. Mathieu, peut-être ? D'autres mouillés ? Honneur aux dames. Allez, Cécile. Cécile, à toi, on a longuement évoqué cette avant-course tous ensemble, et donc les favorites du jour, pour toi. Ouais, je suis pas très bonne là-dedans, mais bon, je vais quand même me prêter au jeu. Vas-y. Allez. Je dirais Simona en première. Donc Simona Aberson, la Suissesse. Elle n'était pas trop en confiance, elle a fait un stage là-bas qui ne s'était pas vraiment bien passé juste après les championnats du monde de sprint. Mais a priori, hier, elle a plutôt fait une bonne qualification, donc Simona en 1. Après, je mets une outsider du cœur, Johanna Öberg, je pense, la Suédoise, qui court pour le club de Luné, dans lequel je cours aussi. Et je pense que voilà, on l'a pas vraiment beaucoup vue depuis qu'elle court, mais... Alors à l'écran, pendant que tu parles, hein, on voit partir maintenant, là on arrive dans ce qu'on appelle le groupe rouge, ce sont les meilleurs mondiales, donc, dont Andrin Benjaminson, hein, qu'on a vu très très forte en sprint il y a un mois. Donc voilà, je te laisse poursuivre. Et bah, du coup, en troisième, je mettrai Andrin. Andrin Benjaminson, voilà. Donc on a en ce moment qui nous a été proposé, donc on a revu son départ en fait, hein, et là voilà, on nous propose un premier choix itinéraire qui a été effectué avec une comparaison entre Benjaminson et Paula Gross, la Suissesse. Mais du coup, depuis ce matin, avec tout ce qu'on a vu, la course reste quand même relativement ouverte, on va dire. Mathieu, à toi de nous donner tes favorites du jour avec toujours Andrin Benjaminson à l'écran. Qui arrive au premier poste TV, qui est le poste numéro 4. Ou dans une partie de forêt, par contre, qui est là, pour le coup, assez ouverte, assez agréable à courir. Ce qui n'est pas le cas, loin de là, sur l'ensemble de la course. Mais évidemment, la télé préfère venir filmer ces zones-là, notamment, parce que du coup, on peut suivre les coureurs un peu plus longtemps. Donc oui, alors au niveau des favorites... Alors, Cécile, on n'a pas du tout parlé, mais c'est quand même difficile de ne pas parler de Tove. Mais oui, c'était trop facile. Ouais, c'était trop facile. Donc, Tove Alexanderson, évidemment, la Suédoise, ultra favorite. Parce que déjà, c'est son format de préféré. C'est là où vraiment elle a de la marge sur les autres. Parce que son point fort, c'est quand même... Ça reste avant tout un physique extraordinaire, donc qui lui donne de la marge sur les autres filles, notamment en longue distance, où elle peut se permettre de faire des fautes. Elle sait qu'elle a du temps pour récupérer ça derrière, avec une vitesse de base plus élevée. Maintenant, la petite question, c'est qu'elle n'est quand même pas toujours super à l'aise sur des terrains un peu diffus, avec de la végétation un peu plus dense. Elle a besoin d'avoir des éléments pour se caler, des éléments de relief. Alors sur certaines parties de la course, elle saura très bien faire, comme ce qu'on a vu là avec ce poste numéro 4 au TV1. Dans d'autres parties un peu plus diffuses, comme on approche du poste 5 là-bas, peut-être qu'elle sera un peu en difficulté. Donc on va voir, mais c'est quand même difficile de ne pas la mettre dans les favorites, Cécile. Et ce que je peux te dire, Mathieu, c'est que dès sa première balise, alors certainement que la production nous le remontrera, mais dès sa première balise, Tove a fait une énorme erreur.
Eh ben, ça va être intéressant de voir si, comme tu le dis très justement, et on commence à bien connaître Tove Alexandersson maintenant, on sait que physiquement elle est au-dessus du lot et qu'elle a toujours réussi ou souvent réussi à rattraper des erreurs, mais là, manifestement, elle est déjà très mal partie. Ça, je l'avais vu en bac, donc c'est pour ça que j'ai changé mon... Mais quand on aura tout dit... Donc là, on a vu un point intéressant, c'est Sarina Kiburtz qui s'est retrouvée face à la rivière. Et visiblement, elle ne s'est pas sentie de la traverser. Elle a dû faire tout le tour. Là, forcément, elle a dû perdre du temps. Donc, on a Sarah Ekström. Alors là, c'est... On nous propose effectivement les images de Sarah Ekström. Oui, Sarah Ekström au départ. Une petite interrogation. Elle n'a pas couru la qualif moyenne distance hier. Donc, on rappelle, on n'en a pas trop parlé. Voilà, il y avait déjà eu une première course qui est la qualification moyenne distance qui permet de qualifier les meilleures filles pour la moyenne distance qui sera donc après-demain. Sarah, elle revient d'une compétition, on en a parlé aussi, Loringen, donc la course à étapes qui était en Suède, et elle est arrivée avec un petit rhume, et elle ne s'est pas sentie de courir la qualification de la moyenne distance, alors que c'est un peu sa course phare normalement. Donc là, petite interrogation, à quel niveau de forme Sarah va pouvoir courir cette longue distance, où on sait c'est quand même des courses où il faut être à 100% physiquement. Alors elle va arriver au TV numéro 1, au premier point intermédiaire, vous avez vu son GPS qui nous était proposé, et ouais. Manifestement elle était en avance par rapport au meilleur temps d'Andrin Badiamidson, donc Sarah Ekström qui fait un bon départ, la course est encore longue, donc, mais en tout cas elle est dans le coup. Ouais, on peut continuer un peu avec les filles qu'on attend aujourd'hui, donc Cécile a parlé de Simona, donc Simona Bersolt, la Suissesse. Donc grosso modo, sur un format longue distance, on peut toujours s'attendre à un duel entre Tove et Simona. Simona qui est encore très jeune, mais qui a déjà montré qu'elle était vraiment super costaud sur tous les formats, notamment la longue distance. Et c'est sûr que sur les réseaux, les stages de préparation pouvaient nous laisser croire que elle allait être en difficulté sur ces terrains-là, elle avait du mal à comprendre le cartographe, à comprendre le terrain. Mais bon, ça a l'air de s'être mis un peu en place sur ses derniers entraînements. En tout cas, oui, elle a fait une bonne course hier et c'est sûr qu'elle est à compter parmi les favorites aujourd'hui. Bon, là, on voit le fameux long choix 4-5. Hein, avec, donc ça, c'est une comparaison, hein, pour bien expliquer à ceux qui nous regardent. C'est une comparaison des itinéraires. Si elles étaient parties en même temps, voilà ce que chacune ont fait. Et du coup, ben, on voit que Andrin Badiamidson, alors là c'est en direct maintenant, c'est Sarah Ekström qui est en direct, qui a fait un choix beaucoup plus large sur votre gauche, mais Badiamidson qui avait l'air légèrement en tête. Ouais, alors Venla Riou maintenant à l'écran. Alors, ça c'est intéressant. Voilà, j'en profite parce que Venla, on en a déjà parlé pendant les championnats du monde de sprint, elle revient, elle a été maman, et elle revient plutôt bien, au point que ben, on peut la compter parmi les outsiders, voire les favorites à une médaille aujourd'hui. Elle a montré hier qu'elle maîtrisait plutôt bien le terrain, elle a montré qu'elle était en forme ces derniers temps. C'est l'atout maître chez les Finlandaises pour aujourd'hui. Potentiellement, elle a la capacité d'aller chercher une médaille, ce qu'elle a déjà fait par le passé. Donc là, on la suit toujours pareil, hein, sur l'approche du TV1, donc poste 4, dans cette partie de forêt qui est quand même bien sympa. On vous précise, hein, que toutes ces images-là, c'est du replay, hein, qu'on nous propose. C'est pour bien comprendre où on en est à l'heure, à l'instant T de la course. C'est-à-dire qu'après, on va repasser sur les images en direct et on sera sur les arrivées de toutes les concurrentes. Et donc, évidemment, on sera déjà presque dans le money time. Donc là, la production nous propose un replay de ce qui s'est passé avec ce premier pointage intermédiaire. Et donc, Venla Harju, la Finlandaise, qui est plutôt très, très bien partie, puisqu'on va le voir. Elle passe en tête à ce premier pointage. On va la voir arriver. Elle est encore... Là, voilà. Donc, vous voyez, Venla Harju, la Finlandaise. Elle a suffisamment de temps, donc elle devrait effectivement pointer en tête. Bon, et puis, elle va passer devant Sarah. Et on a vu que Sarah avait fait, sur le long choix 4-5, a priori, a fait un choix qui nous paraît pas très, très judicieux. Partir sur la gauche... Là, on part quand même dans une belle galère. C'est assez long, c'est assez loin du trait rouge. Et toute la phase finale d'approche du poste 5, se fait en tout terrain dans une zone assez dense en végétation. J'ai du mal à croire qu'elle ne perde pas du temps là, sur ce choix-là. Donc, on va voir comment ça se goupille pour elle sur la suite. Mais à mon avis, là, elle ne part pas dans les meilleures conditions, là, Sarah, sur ce début de course.
Sur ce long choix, je pense que ça va être intéressant de voir, une fois que tous les meilleurs sont passés, de voir lequel était le plus rapide, parce que depuis ce matin, on hésite et c'est très certainement pas celui du Nord. Ouais. Alors, manifestement, il y aurait déjà 4-5 minutes effectivement d'écart, 4 à 5 minutes de plus en passant par ce que vous avez vu, le choix du Nord. Je ne suis pas sûr qu'on hésite tant que ça. Il me semble que quand même le choix assez direct devrait, pour les meilleurs en tout cas, être payant. Ensuite, on a un autre choix qu'on n'a pas encore forcément beaucoup vu là à l'image, mais qui est d'enrouler plus par le sud, donc par la droite, en faisant un grand bout de route. Et pour certaines filles, ça peut être payant parce que les filles sont en course en tout terrain un petit peu moins puissantes que les hommes. Donc des fois, ça paye d'aller chercher les zones qui courent bien, et notamment la route, hein, évidemment, ou les chemins. Donc, à mon avis, les meilleurs auront tendance quand même à aller tout droit et à gagner du temps là-dessus. Surtout, et quand on sait que les meilleurs, Tove, Simona, elles sont... Elles ont presque le physique, la puissance que les garçons ont, et le tout-terrain pour elles, c'est vraiment pas le problème. Pas un problème, non. Alors, au point que les traceurs ont, à mon avis, très très peur d'une Tove Alexanderson en forme, parce qu'ils ont annoncé des RK, donc ce qu'on appelle RK, c'est la réduction kilométrique, c'est combien un coureur met de temps pour faire un kilomètre. Ils ont annoncé un temps de gagne chez les filles avec une RK quasiment équivalente au RK des garçons. Ce qui voudrait bien dire qu'ils s'attendent à ce que Tove court plus ou moins la vitesse des meilleurs garçons. Alors certes, elles ont un circuit qui est beaucoup plus court, hein, qui est annoncé avec un temps de gagne de 73 minutes, alors que les hommes ont un temps de gagne annoncé de 96 minutes. Donc évidemment, c'est plus difficile de tenir cette vitesse-là sur une distance et un temps de course plus long. Mais c'est quand même impressionnant de voir que les traceurs estiment que les meilleures filles vont aller à la vitesse des garçons. Ce qui pose quand même une petite question aussi, parce qu'on ne s'attendait pas quand même à ce qu'ils annoncent un temps de course. Donc on va voir si les traceurs, on a vu sur la course d'hier par exemple que les traceurs s'étaient un petit peu ratés sur le temps de course des filles, les filles ont mis beaucoup plus de temps sur leur qualif de moyenne que ce que les traceurs pensaient. Donc on va voir ce qu'il en est pour aujourd'hui. Et celle qui est à l'écran, est-ce que tu l'as mise dans tes favoris? Alors, je l'ai mise, oui. Lina Strand, la Suédoise, que vous avez vu partir et qui nous est. Maintenant, on nous propose son premier intermédiaire en comparaison avec Venla Harju, la Finlandaise, qui est toujours en tête au premier pointage intermédiaire, je vous le rappelle. Hein, avec 10 minutes 31. Oui, alors, on peut en parler de Lina. On l'a vu au championnat du monde il y a un mois être vraiment costaud. Alors, maintenant, le problème pour Lina, c'est qu'elle est. Elle est allée, le problème c'est qu'elle a l'air larguée déjà. non, mais elle est allée au World Games, donc les compétitions qui est un peu assimilées aux Jeux Olympiques des sports non olympiques. Pour les sports non olympiques, voilà. Donc c'est une compétition qui est un peu spéciale, mais qui a une place un peu à part dans le circuit de la course d'orientation. Mais certaines nations décident d'y aller, d'autres moins. Là, les Français ont estimé que le timing de l'été était trop serré, donc ils n'ont pas envoyé de délégation sur les World Games. Mais les Suédois l'ont fait, et notamment en envoyant Lina Strand. Et le problème, c'est qu'elle est revenue un petit peu cramée de son déplacement. Et du coup, il y a quand même une interrogation sur sa capacité à tenir un tempo élevé sur toute une course, ce qu'elle sait d'habitude bien faire. Mais là, bon, je la mets pas dans les favorites à la médaille aujourd'hui, parce qu'il y a cette petite interrogation. À l'écran, Marika Teini, quatrième des championnats du monde en 2019, vous le voyez. Marika Teini, la deuxième finlandaise finalement en outsider. Et championne d'Europe de moyenne distance. Et alors moi, je ne la mets pas sur la longue aujourd'hui. C'est une vraie guerrière, mais elle est quand même plus à l'aise sur les formats moyenne distance que longue distance. Donc chez les Finlandaises, je verrai quand même plutôt Venla aujourd'hui et Marika un peu plus sur la moyenne distance. Donc on nous propose la comparaison pour nous remontrer un petit peu le début de course entre les deux Finlandaises. Et je vous le rappelle, donc Venla Harju en bleu clair qui est en tête au premier pointage intermédiaire en 18-31. Vous avez vu ensuite en deuxième position, c'est Sara Hagström, la Suédoise. Et en troisième position, nous allons nous proposer. Donc là on est à 18 minutes 30 de course, vous l'avez précisé, un temps de gagne annoncé en 73 minutes. On va voir Marika donc arriver... Toujours pareil au TV1, ça c'est
c'est les images. C'est pour nous donner les bonnes bases, pour qu'on comprenne bien ce qui va se passer après sur la suite de la course. Bon, peut-être on peut revenir, là, on voyait avec la carte, là, sur cette histoire de la rivière à traverser. Il y a quand même un gros doute sur est-ce que le traceur avait bien pris en compte que le symbole était infranchissable mais autorisé à franchir. Est-ce qu'il s'attendait à ce que les coureurs aillent forcément chercher les points de passage indiqués sur la carte, ou est-ce qu'il pensait que les coureurs allaient traverser n'importe où, où le coureur veut, ce qui est autorisé, on rappelle. Et du coup, là, il y a quand même un doute, parce que le tracé pouvait laisser penser que le traceur avait fait ses choix en fonction des différents passages pour traverser la principale rivière, alors qu'en fait, le coureur n'est pas obligé d'aller à ces passages-là. Il peut aller traverser n'importe où, ce qui change complètement la manière d'aborder ses longs choix. Donc on a vu Sarah, par exemple, qui allait chercher un point de passage tout au nord, alors qu'elle pouvait, elle n'était pas obligée de faire le détour jusque-là, elle pouvait passer la rivière ailleurs. Après, on a l'interrogation aussi, est-ce que tous les coureurs connaissent la norme, connaissent, savent qu'ils ont le droit de passer une rivière infranchissable, alors qu'à l'écran, on a Tove Alexanderson, on le précise et on nous le redit, 1-1-1, donc sur les trois derniers championnats du monde, voilà, c'est la triple tenante du titre. Grandissime favorite du jour, évidemment, mais ouais, d'ailleurs on va le voir, hein, puisqu'on vous l'avait dit un petit peu en off qu'elle était pas très très bien partie, donc je pense que la production va nous le reproposer et du coup on va se rendre compte que effectivement ouais, ça va être intéressant. Mais moi je l'ai pas vu, donc Cécile avait l'œil, elle avait l'œil rivé sur le GPS. Moi je l'ai pas vu, donc j'attends ça avec impatience. Juste pour la petite anecdote, alors qu'on va peut-être se concentrer on va se concentrer là-dessus. Donc Tove Alexanderson, est-ce que c'était poste 1 est comparé à Ben Lariou, exactement. Ouais. C'était le poste 1. Ah, c'était le poste 1. Donc elle passe complètement à côté. Voilà. Alors il faut savoir que le poste 1, on était surpris de voir que ça faisait autant de dégâts déjà dès le début de course. Oui, et puis là, et pour le coup, c'est impressionnant de voir elle est allée très très loin avant de se recaler. 2 minutes. Mais 2 minutes de perdu. Sur le papier, ça a l'air quand même relativement simple. On a même une petite trace qui amène quasiment jusqu'au poste, mais voilà, probablement que c'est une zone qui est plus dense que ce que laisse à penser la carte, et on a beaucoup de filles et de garçons qui ont raté ce premier poste, et ça c'est vraiment pas bon quand dès le début de course on sait qu'on part pour une longue distance, donc on va être un moment dans la forêt à devoir bagarrer, et paf, d'entrée de jeu on se met un handicap en partant avec une faute. Moralement c'est assez compliqué. Voilà, comme on l'a dit, Tove, elle peut se permettre de faire des fautes, mais voilà, elle grille déjà un premier joker et forcément, mentalement, c'est plus compliqué d'attaquer la course comme ça. Cécile, qu'est-ce que ça t'inspire, cette erreur dès la une, finalement? Ouais. Non, mais c'est intéressant parce que c'est quand même, c'est pas rien, on est sur un championnat d'Europe, elle est triple tenante du titre mondial, tenante du titre de championnat d'Europe, et dès la 1, paf, elle se prend 2 minutes. Il va falloir voir, je pense, comment elle arrive à gérer la suite, a priori, là, pour le poste 4, il me semble, elle a déjà 1:20 de retard sur la première. Si mes souvenirs sont bons, en 2018, sur la moyenne distance qui était en Lettonie, Lettonie, qui est un terrain aussi un peu diffus, assez vert, exactement. On a eu la chance et le privilège de voir Izia Basset. Donc, un grand moment avec des grands souvenirs, et notamment grâce à cette demoiselle à l'écran qui était passée complètement à côté de sa course. C'est ça, donc sur des terrains un peu similaires, on peut dire. En tout cas, très intéressant, puisque vous venez de le voir à l'écran, 1 minute 43 secondes de retard pour Tove Alexanderson sur Marika Taini au premier pointage intermédiaire, ça sera la balise 4, vous voyez qu'il reste encore énormément de balises, mais voilà, ça vous donne quand même déjà une première idée du retard et du débours que Tove Alexanderson s'est infligé. J'ai une petite anecdote juste quand même sur Tove, à la suite de cette course en 2018, donc où elle était complètement passée à travers, et jusqu'au walk de cet été où on a vu qu'elle n'avait pas remporté le sprint aussi en faisant une erreur, hein, on a vu que c'était Megan Carter-Davis qui a remporté le titre, Tove a réussi l'exploit d'enchaîner 11 titres d'affilée sur toutes les courses qu'elle a courues, longue distance, moyenne distance, relais sprint, donc grâce aussi à son équipe, hein, pour les courses relais, le fait qu'elle soit dans une équipe de Suède très très forte, mais voilà, ça vous situe quand même un petit peu le... même si là c'est pas son avantage le petit replay qu'on a en ce moment, mais voilà, ça vous situe un peu le phénomène qui est Tove Alexanderson, et c'est sûr que là elle part avec un handicap,
mais c'est pas un handicap qui est insurmontable pour elle, loin de là. On nous propose maintenant donc le début de course de Simona Habersol, la Suissesse que vous avez bien sûr mis dans vos favoris du jour. Simona Habersol qui est dans les mêmes temps que Tove Alexandersson, vous le voyez. Et donc qui passe au premier pointage intermédiaire avec du retard sur le temps de Marika Teini. Oui, Venla et Marika. Donc il me semble que c'est... les deux finlandaises, elles sont parties en tout cas très très fort. Il me semble que c'est Venla qui était en tête, non ? C'est Marika Teini qui est en tête, Caroline, Marika Teini en tête, Venla Eriu, pardon, en tête, Marika Teini qui est troisième au pointage intermédiaire, et c'est voilà. Sarah Ekström qui est deuxième. Voilà, donc mais vous voyez que Simona Habersol n'est pas forcément très bien partie non plus hein, sur ce premier. Non, sans faire de course. Et sans faire de faute, en tout cas, pas qu'il me semble, ou qui a échappé en tout cas au réalisateur. Donc là, par contre, c'est pas un très bon signal. Peut-être qu'elle est partie dans un tempo un peu plus tranquille, alors volontairement ou pas, on va voir. Alors que là, on a à l'écran donc la dernière partante sur le listing de départ des filles aujourd'hui, Caroline Olsson, qui elle, pour le coup, doit pas être complètement en confiance vu la course un peu catastrophique qu'elle a fait hier. Sur la qualif moyenne distance, elle a complètement dégoupillé sur un poste. Donc, c'est sûr qu'elle ne doit pas être complètement... On ne l'a pas mise dans nos favoris. Non, on ne l'a pas mise dans nos favoris. Mais après, il a fallu ça, ça reste quand même une Suédoise. Ouais, et ça reste solide. Elle est capable du meilleur comme du pire. Donc, hier, c'était le pire. On va voir si aujourd'hui, elle est capable de nous montrer le meilleur d'elle-même. Alors, pour essayer de vivre ce direct avec vous, on aurait peut-être une petite interview de notre Française, la mieux classée pour le moment à l'arrivée. Il s'agit donc de Maëlle Beauvire. On va voir si on peut la voir en direct, parce qu'apparemment, elle était avec Christophe. Ça va permettre d'avoir au moins, pendant quelques instants, son impression sur la course et notamment aussi peut-être parler de la forêt. Donc, on vous tient au courant, mais apparemment, ça va être jouable. Ouais, comme ça, on aura eu toutes les favorites, en tout cas, et le début de course qui nous a été représenté. Et derrière, on basculera dans le... Surtout qu'à la télé, on a à chaque fois cette partie de forêt qui est vraiment magnifique. Oui. Mais je pense que ça donne quand même une assez mauvaise image de ce qu'est la course aujourd'hui. Je ne pense pas que ce soit idyllique comme ça tout du long. Et il y a beaucoup de parties où les filles doivent se battre vraiment fort avec la végétation. Donc, c'est agréable. Oui, c'est sûr. Là, ça donne envie. Là, ça donne effectivement une belle forêt. Presque envie d'y être. C'est donc, sûr. Caroline Olsson, que vous voyez, on nous propose le replay. Donc, la dernière partante, Caroline Olsson, la dernière qui est partie, pardon. Et donc, voilà, vous voyez avec un petit peu de retard pour elle sur le temps de Venla Eriu. Ouais, elle n'a pas fait le même itinéraire que les autres filles. Allez, on va avoir Maëlle Beauvire avec nous en direct, en double écran. Voilà, Maëlle Beauvire. Il y a Juliette, il y a Florence. Christophe, à toi la main, une petite impression de nos athlètes féminines. Oui, tout à fait. Si vous m'entendez, donc avec moi, en fait, les trois filles de l'équipe de France. Donc, je vais leur passer la parole pour une impression rapide sur leur course et puis sur la forêt. À vous, Maëlle. Vas-y, tu peux parler dans le micro. Ah, ok. Vas-y. Mais j'entends pas. Pardon. Alors, la forêt était bien verte, comme on s'y attendait, avec des longs choix où il fallait plutôt privilégier les chemins et les mains courantes. Moi, je fais quand même une petite erreur sur la 5 où justement je suis partie pas dans l'axe en sortie de poste, donc c'était vraiment dès le début, dès la sortie de poste qu'il fallait faire le job. Ensuite il y avait pas mal de traces, on va pas se mentir, dans la forêt à la fin, mais comme les postes sont assez cachés avec toutes les herbes hautes, là ça rend l'attaque assez difficile, donc faut être vraiment précis jusqu'au bout, quoi, jusqu'à l'approche. Ok, donc une forêt verte et puis de la précision nécessaire. Ouais, bah, comme Maëlle a dit, c'était une forêt bien verte comme on s'y attendait, et je pense que sur les longs choix, il y avait des longs moments où il fallait accepter de pas savoir où on était, quoi, et c'est quand même plutôt difficile à réaliser. Et puis c'était une vraie longue, c'était long, et fallait être en maîtrise mentale et technique du début à la fin. Et un peu physique aussi, j'imagine. Ouais, bah, bien sûr, voilà. C'était un beau challenge. Ok, merci.
Juliette. Non, bah, c'était la guerre, hein. C'était la guerre. La guerre. Ouais, wow. C'était vraiment le mot. Au final, c'était pas seulement le verre, il y avait aussi des parties incroyables où on devait nager dans des rivières. C'était irréel. Ah, carrément. Ouais. Et ouais, c'était vraiment dur de garder la forme, la fraîcheur mentale, quoi. Parce que physiquement, c'était vraiment éprouvant. Et puis ouais, moi j'ai eu des petits pépins. Physique, hein, je pétais la main dès le début et j'ai toujours mal au problème de dos, donc voilà, j'ai fait ce que j'ai pu pour terminer, mais okay, c'est bien. Pour rester concentré, mais c'était dur. Ouais, je pense qu'on va rajouter un stage commando pour, pour la préparation de l'équipe de France des filles. Merci bon. Christophe. Merci à vous les filles. Merci Christophe pour cette interview. Bonne récup hein, pour la suite. Merci à toi, et puis on se retrouve tout à l'heure pour d'autres impressions. Merci, alors on repasse maintenant bien sûr sur le direct avec l'arrivée de Olaussen. Marie Olaussen. La Norvégienne. Et donc, alors juste pour bien préciser, donc, on a le meilleur temps à l'arrivée qui est détenu par la Finlandaise, vous le voyez, qui est Eni Jalava. Donc ouais. Avec le meilleur temps à l'arrivée. Et donc, Marie Olaussen, la Norvégienne, qui vient de prendre le deuxième meilleur temps. Alors, pour l'instant, on est en 99,09. On est bien au-dessus encore du temps annoncé. Ouais, ouais. C'est une course où les filles ne vont pas avoir des bonnes sensations. À part les parties caméra où on voit c'est joli, la plupart du temps, ça va être la guerre. Elles ne vont pas savoir si elles sont dans le bon tempo. Elles vont avoir l'impression de perdre du temps en permanence. Là, on voit les filles qui passent la ligne d'arrivée. Il y en a pas beaucoup qui vont être contentes d'elles. C'est difficile de se situer dans une course comme ça. Donc on a vu que pour les Françaises, ça avait été compliqué, ça avait été la guerre. Bon, elles le savaient, hein, elles le savaient. Peut-être on peut dire un petit mot. On a parlé avec Charlie Boischu, l'entraîneur de l'équipe nationale hier soir. Et les objectifs de l'équipe de France finalement sur cette longue distance aujourd'hui, ouais. Tant qu'on a eu une première intervention de nos Françaises. Ouais, c'est ça, on voulait avoir un peu son ressenti, savoir s'il avait mis des objectifs aux coureurs, s'ils avaient discuté de ça ensemble. Et en fait, pour lui, il n'y a pas d'objectif de résultat précisément pour aujourd'hui. Ce qu'il voulait surtout, c'est que les coureurs se concentrent sur la manière et qu'ils soient contents de leur course. Et alors ça peut paraître un peu bateau, mais voilà, c'est sur une course comme ça, c'est assez ouvert et c'est très difficile de dire à l'avance un objectif en termes de place, surtout quand on a une équipe qui n'est pas forcément taillée sur cette longue distance pour aller jouer les médailles. Voilà, on a des coureurs qui sont jeunes, qui n'ont pas forcément énormément d'expérience. C'est difficile de savoir où ils en sont par rapport au Gotha mondial. C'est un petit peu moins vrai chez les garçons où on a quand même un peu plus de certitude. Mais voilà, en tout cas, il n'a pas mis d'objectif de résultat précis et bon, on verra ce que ça donne. Mais surtout, il a envie que les coureurs osent tenter, se donnent les moyens d'y croire jusqu'au bout. C'est une course qui peut être relativement ouverte hein, au final. Alors peut-être pas pour aller chercher vraiment les tout meilleures places, mais pour les accessites et les places dans le top 20, voilà, tout peut arriver. On avait vu ça hein, sur ce type de terrain avec Isia, hein, elle qui était carrément allée chercher une médaille. Donc voilà, faut pas hésiter à y croire, à se battre. Et voilà, lui, il attend de ses coureurs un engagement, voilà, que les coureurs ne baissent pas le bras et qui montrent du... qui montrent qu'ils sont contents d'être là, même si ce n'est pas des terrains où généralement on aime faire de la CO. Ce n'est pas des terrains très très agréables. Mais voilà, c'est une course de championnat d'Europe. Il faut montrer qu'on est content. Alors à l'écran, ça c'est intéressant, puisque Teresa Janosíková, que vous connaissez, la Tchèque, que vous avez suivi sur les derniers championnats du monde, qui va venir prendre le meilleur temps provisoire sur la ligne d'arrivée. Elle va améliorer le temps de Eni Jalava, la Finlandaise. Teresa Janosíková, qu'on connaît bien en plus ici en France, hein, qui court régulièrement chez nous. Cécile, parle-nous peut-être un petit peu d'elle. Bah, Teresa, c'est, je pense elle est vraiment... investie dans ce qu'elle fait, aussi bien dans sa préparation que dans les compétitions. Et au-delà du monde du sport, c'est vraiment une fille qui est hyper agréable pour discuter. Et c'est vrai, c'est assez régulier qu'elle s'entraîne aussi avec nous. Bah, voilà, elle est régulièrement en France. Et on a de la chance parce qu'elle vient du coup aussi augmenter un petit peu la densité sur les compétitions qui peuvent être des championnats de France, etc., sur lesquels elle vient courir.
Après, je ne sais pas du tout comment s'est passée sa préparation pour les championnats d'Europe, parce qu'elle était aussi au championnat du monde de sprint en début d'été. Donc j'imagine que c'est voilà, comme pour tous les autres coureurs qui sont passés du sprint à la forêt, un peu compliqué et aussi de se remobiliser et de retrouver ses routines de forêt. Donc à voir ce que ça donne à l'arrivée, mais a priori, c'est pas catastrophique. Et oui, voilà, on peut ajouter que le passage d'un format urbain à un format forêt, ça n'a pas qu'une incidence sur la technique à mettre en place, qui est évidemment complètement différente, mais aussi sur la manière de courir. Les coureurs se sont beaucoup entraînés sur du dur, sur du plat. Le Danemark, c'était un championnat urbain sur des terrains complètement plats, donc les coureurs ont beaucoup travaillé cette caractéristique-là pour arriver en forme, et d'un coup ils se retrouvent en forêt sur des terrains mous. Donc mous, c'est parce que il y a beaucoup de marécages, hein. On n'en a pas parlé plus que ça, mais tout le bleu, tu avais essayé de nous lancer une perche dessus, on l'avait pas saisi au vol. Alors que Johanna Auberg. Et là, ça va être le nouveau meilleur temps, effectivement, à l'arrivée. Johanna Auberg qui va venir prendre un temps canon. En dessous de, vous voyez, 1h36-42, c'était le temps de Teresa Janosikova. Et donc, Johanna Auberg qui va venir l'améliorer. Oui, c'est pas encore un temps canon, hein, mais c'est sûr qu'en tout cas, ça fait une belle diff par rapport à Teresa. 1h32-43, voilà le meilleur temps. Donc, on est à 90 minutes quasiment de course. On est encore bien au-delà. On est encore bien au-delà de ce qui était annoncé. Pour s'annoncer, hein, mais avec cette petite interrogation, est-ce que les toutes meilleures arriveront vraiment à s'approcher de cette barre de 73 qui me paraît quand même vraiment très très haute. Costume. Probablement. Oui. Et puis on pourra en reparler d'ailleurs de ces temps de course, parce qu'on a des choses qui vont bouger dans les années qui viennent au sujet des temps de course chez les féminines. Donc on pourra peut-être en reparler, mais je saisis quand même la perche. Avec un peu de retard, donc je vais peut-être me casser la gueule. Mais voilà, donc tout le bleu qu'il y a sur la carte, c'est les éléments liés à l'eau, donc des rivières évidemment, mais aussi beaucoup de marécages. Alors c'est quelque chose qu'on n'a pas énormément nous sur nos terrains en France. Mais voilà, toutes ces zones de marécages, et ben c'est des zones. Donc là, on les voit, c'est des pointillés bleus et des tirés bleus horizontaux. Ça, c'est des zones qui sont très humides, même si. Oula, alors là, que Carolson. Là, j'ai l'impression qu'il y a. Alors, soit le GPS est décalé, mais j'ai pas l'impression qu'il soit trop décalé. J'ai pas l'impression qu'elle se soit beaucoup embêtée avec la zone de violine. Ouais. Alors, on rappelle que la zone de violine, les croisillons violets sur la carte, c'est une zone qui est complètement interdite de traverser. C'est strictement interdit. Et visiblement, elle était calée sur la route et elle a pas fait l'effort de faire le tour par la rivière comme on fait l'autre. Alors que là, on nous propose une belle erreur de Andrin Benjaminson aussi. Ouais, alors typique de ces terrains-là, hein, la direction qui flotte un peu, dans une zone avec peu de visibilité, et tout de suite on a une petite erreur de parallèle, elle décale sur le sommet d'à côté, et voilà, c'est tout de suite du temps qui s'envole. Le poste 8-9, c'est celui qu'on a vu tout à l'heure avec la coureuse, il me semble, dans les hautes herbes, on disait que la visibilité n'était pas forcément vraiment optimale et la courabilité non plus. Voilà. Pour finir avec les marécages, on a quand même un été qui est très très sec, donc au final, les marécages ne font pas perdre tant de temps que ça. Les vraies pertes de temps se font plutôt sur cette densité de végétation. C'est-à-dire que si on a un marécage qui est avec de la forêt blanche, donc un marais sur une zone blanche, va courir quand même plus vite qu'une zone sans marais, mais dans de la végétation avec du vert 1, vert 2, donc les différentes couleurs de vert sur la carte. Je voudrais qu'on finisse avec l'équipe de France. On a eu donc trois filles en interview. On a une petite interview qu'on a fait il y a quelques jours. Ça sera intéressant aussi puisque c'est la dernière arrivée, Lucille Clouard, hein, qui le dit elle-même. C'est compliqué pour elle d'être au très haut niveau. Elle travaille à côté, elle, en médecine, donc forcément c'est plus compliqué. Mais du coup, on l'a rencontrée et ça nous semblait intéressant de vous présenter sa petite interview pour justement un petit peu montrer que voilà, c'est pas le plus haut niveau, mais en tout cas, elle essaye, elle se donne les moyens. Alors, on l'écoute et on revient ensuite en plateau.
Oui, c'est une satisfaction parce que j'ai quand même travaillé pour en arriver là. Donc, c'est chouette de voir que l'hiver a payé. Après, il y a aussi un petit peu de ma chance habituelle. J'ai toujours eu beaucoup de chance. Donc, il y a les circonstances, hein. C'est vrai que j'étais remplaçante, deuxième remplaçante à la base. Je m'entraîne au cordeau. Ça demande une organisation quotidienne. Donc globalement, ce que je disais, c'est que je fais beaucoup, beaucoup, beaucoup d'athlétisme. Quasiment que ça au quotidien, c'est enfin, tous les jours, je vais courir, footing ou séance. Donc je fais beaucoup, beaucoup, beaucoup d'athlétisme tout l'hiver, tout le temps. Et ça, pour rajouter la CO, parce que ce qui me manque, c'est la CO. J'avais demandé assez tôt à la Fédé en fait, de participer au week-end de niveau. Et je leur suis très reconnaissante parce qu'ils m'ont laissé venir participer au week-end de niveau. Alors moi, j'ai pas de chiffre parce que, ben voilà, encore une fois, ça fait 10 ans. En 10 ans, tout a changé. Hein. Et donc l'idée, ça va être de faire le max pour profiter de chaque minute et prendre l'expérience, amasser un maximum, au niveau maximum que je puisse atteindre moi en ce moment et partir sans regret par la suite. Alors oui, je l'ai noté dans mon agenda, hein, c'est ce pourquoi j'ai repris aussi la CO à ce niveau-là. Donc je suis super chaud pour prendre tout ce qui vient. Je participerai aux sélections et puis en fonction, je participerai à tout ce que je peux. J'essaierai voilà, d'aller chercher le maximum de CO possible, bijoux, dans le maximum de pays différents et à un niveau aussi haut que possible. On revient donc sur le plateau juste avant qu'on rentre dans ce Money Time. Et donc, c'était important de finir un petit peu le chapitre équipe de France féminine. On a eu tout à l'heure en direct Juliette, Maëlle et Florence, merci, qui nous ont un petit peu parlé de la forêt. C'était important aussi de parler, voilà, que on l'a dit, hein, il y a 6 filles qui sont parties cette année sur ces championnats d'Europe et bah, chacune s'entraîne et fait des fois avec les moyens du bord. Tu nous as expliqué tout à l'heure, Cécile, hein, Folzer, qui est toujours avec nous en plateau. Quand on travaille à côté, c'est pas forcément évident et donc c'était intéressant de pouvoir avoir des interviews. On revient donc sur la course. Et donc, Johanna Auberg, qui a toujours le meilleur temps à l'arrivée en 92-43, 1-32-43. Et là, nous Ouais. sommes. Là, on est avec Vendula Orchiskova. Est-ce que c'est Vendula d'ailleurs? Tchèque. Je ne sais plus. Donc, la jeune Tchèque, mais qui est déjà assez loin. Et pendant l'interview, on a quand même eu aussi à l'écran, donc que vous n'avez pas vu vous, une belle, belle doublette de Tove Alexanderson. Alors, ça fait déjà deux. Ça fait deux. Ça fait deux jokers grillés. Alors, combien de jokers elle va avoir droit aujourd'hui? En tout cas, elle a fait, probablement qu'on le reverra encore une fois sur le tracking. Donc, c'est pas là. Mais elle a fait vraiment quelque chose d'un peu incompréhensible. Alors, c'est pas forcément inquiétant pour sa capacité à aller chercher une médaille aujourd'hui. Plus dans le sens où on a l'impression qu'elle n'est pas dans ses baskets. Parce que là, l'erreur qu'elle a fait, c'était assez incompréhensible. Allez, Paula Grosse qui va en terminer et qui va venir s'intercaler certainement, oui c'est ça, s'intercaler entre Johanna Auberg et Teresa Yanosikova. Paula Grosse, la Suissesse, qui va venir prendre le deuxième temps provisoire. Et pour confirmer ce que tu dis, Mathieu, un pointage intermédiaire à mi-parcours, Tove Alexanderson a 3 minutes 59 de retard sur le temps d'Andrin Banyaminson. Donc voilà, c'est quand même. Ça Ouais, commence bon. à faire un peu de dégâts. Ouais, ça commence à faire. Paula Grosse, 1:29 de retard sur le temps de Johanna Auberg, qui est toujours Alors, en tête. si elle remet tout à l'endroit et qu'elle décide de mettre un coup de gaz, Tove, elle est capable d'aller chercher ça. Maintenant, si elle continue sur le rythme qu'elle a eu depuis le début de course, c'est-à-dire, eh ben, comme je disais, à côté de ses baskets, hein, clairement, elle fait des fautes quasiment grossières à son niveau. Ouais, alors que Sarina Kiburtz, visiblement, on a assez pour aujourd'hui. Espérons qu'elle ne se soit pas fait mal. C'est pas la première à Mais abandonner la course aujourd'hui. C'est vraiment, on a vu, c'est vraiment exigeant physiquement et techniquement. ouais, et Et puis, il y puis a. c'est la guerre, hein, comme disait Ouais. Juliette. Donc, ben, quand on part à la guerre, des fois on prend
Moins une balle perdue. Et du coup, c'est aussi une petite satisfaction et... du côté français de voir que ouais, toutes, en tout cas, filles toutes les filles se sont battues jusqu'au bout. Et c'est ce dont je parlais tout à l'heure avec les objectifs que demandait Charlie Boishu, l'entraîneur national, c'est de se battre jusqu'au bout et d'être fier de finir une course comme ça. Qui est quand même un sacré morceau pour certaines filles, notamment les jeunes de l'équipe, qui n'ont pas l'habitude encore de faire des longues distances aussi difficiles. Vous avez vu donc Sarina Kiburtz, hein, qui a bâché, comme on dit, qui est rentrée malheureusement. Et alors là, c'est intéressant puisque le comparatif entre Venlar, Jussarakström et Andrine Benjaminsen, hein, en replay. Alors, on voit que André Benjaminsen n'est pas forcément. On n'est même pas du et tout. Encore une petite cafouille en approche d'Andrine. Alors que André et Sarah Ekström courent ensemble. Hein. Ça, c'est quand même une bonne information, une grosse information même. On est en direct là. On a repris bien sûr le direct et nous sommes au deuxième pointage intermédiaire. On n'a pas vu à l'image, mais Venla est toujours en tête, hein, sur ce replay. Synchronisées, comme on dit, donc en les mettant un peu au même niveau de la course, alors qu'elles sont à des moments différents en réalité. Alors qu'elle avait peut-être fait une petite faute aussi en approche du poste 10, donc qui était en. Donc ça a l'air d'aller bien pour Venla, elle doit avoir un bon tempo. En tout cas, Sarah Ekström, que vous avez à l'écran, est en tête, et juste devant, vous avez vu Andrine Benjaminsen. Oui, alors que Sarah, on l'a vu, elle a fait un choix d'IT sur le très long choix 4-5. Qui n'était pas optimal, probablement elle a perdu pas mal de temps là-dessus. Ça l'empêche pas pour le moment d'être encore en tête face à des filles supposées moins fortes qu'elle, hein, comme Paola Gross, mais par rapport aux clientes qui arrivent derrière, ça risque de pas suffire. Là, on peut aussi, on a vu Sarina Kiburtz qui est rentrée sur l'arena la tête un peu basse. Il faut savoir qu'il y a une petite épidémie chez les Suisses. Ils sont arrivés relativement en forme, avec des degrés de forme divers chez certains, mais en tout cas, là d'un coup, ils se retrouvent avec plusieurs malades, et notamment chez les garçons. Donc on verra sur la course de tout à l'heure, on a plusieurs favoris suisses qui ne prendront pas le départ aujourd'hui. Donc on verra ça avec la course des garçons, mais donc peut-être que Sarina aussi a des petits soucis de santé. Deuxième pointage intermédiaire avec Sarah Ekström qui vient de prendre le meilleur sur Paola Gross et Andrine Benjaminsen, ce qui est ça, qui vient de passer avec 3 minutes 06 de retard sur le temps de Sarah Ekström. Alors il faut savoir que, alors qu'on a Venla, elle a des, Venla Venla oui, déjà maintenant à l'image, donc ça veut dire ça, qu'elle elle s'est déjà bien rapprochée, hein, parce que effectivement. C'est donc sur le même poste sur lequel on vient de voir passer Sarah et Andrine. Oui, elle est très très bien placée même, puisque Venla Ryu, elle était dans les mêmes temps qu'Andrine Benjaminsen juste avant, et qu'Andrine a fait une énorme erreur, et donc du coup, deux petites plus qu'une grosse, mais en tout cas c'est sûr qu'elle elle a perdu du temps. Donc oui, juste on peut rappeler que je l'ai en anglais, je l'ai plus en français. Le start interval, l'intervalle de départ, c'est pourtant pas compliqué. Donc entre les filles est de 2 minutes pour toutes les premières partantes et passe à 3 minutes pour les 30 meilleures, donc les 30 dernières. Donc voilà, les filles, quand elles se rattrapent, ça veut dire que celle de devant a perdu 3 minutes, comme c'était le cas pour Andrine vis-à-vis de Sarah. Alors qu'elles ont de chances de courir ensemble du coup. Et l'idée, c'est d'écarter un petit peu les meilleurs pour que ça se rattrape moins et que les médailles ne se jouent pas seulement. Alors que là, on a un caméraman qui collapse. Et que du coup, les médailles ne se jouent pas parce qu'une fille s'est fait rattraper, qu'elle a juste suivi celle qui vient de la rattraper. Elle finit à 2 minutes. Et quand on finit à 2 minutes, par exemple, de Tove sur une course normale, on est à peu près sûr d'avoir une médaille. Donc voilà, pour éviter ça, l'intervalle de départ est amené à 3 minutes pour les 30 dernières filles qui partent. Et ce sera le cas aussi chez les garçons. On attend l'arrivée de Venla Ryu à ce deuxième passage intermédiaire. Alors pour bien résumer, on a donc pour l'instant dans le match pour ce titre de championne d'Europe, Venla Ryu qui passe en tête maintenant, Sarah Ekström. Et bien sûr, à l'arrivée, le meilleur temps qui est toujours pour Johanna Åberg, la Suédoise.
On attend donc on attend du coup Tove Alexandersson bien sûr derrière, Caroline Hanson qui était la dernière partante et Simona Halep qu'on a évidemment vu partir moyen. Mais bon, en tout cas beaucoup d'erreurs hein, sur ce premier début de course. On le voit. Alors voilà, là vous avez un vrai comparatif qui est intéressant puisque Johanna Åberg est déjà arrivée. C'est elle qui a le meilleur temps à l'arrivée. Velna Ryu qui a fait une erreur à la balise. Une belle faute, elle met du temps à Tove Alexandersson. Ouais. Et ben voilà, tu nous en parlais tout à l'heure, Mathieu. Qui voilà. A fait une énorme erreur. Alors ça, c'est un peu incompréhensible parce qu'elle est sur un chemin et elle reste sur le chemin. Alors peut-être qu'elle était en train de préparer la suite du parcours, je ne sais pas. En tout cas, c'est une erreur qui paraît assez incroyable pour une fille comme Tove. Mais on voit que Marie-Cataini et Ben Lahariou sont bien en tête. Dans le même coup et bien d'avance. Hein. Ouais, et avec une belle avance. Ouais. Donc là, on est sur des replays, hein, bien sûr. Et puis là, c'est intéressant. On voit le passage de Rivière. Donc on voit effectivement Venla qui est venu chercher le passage recommandé, hein, qui est marqué avec ces deux petits traits de violine. Et la même chose pour entre Johanna Åberg et Tove Alexandersson. Alors que Marie-Cataini et Tove Alexandersson, elles ont fait le choix de passer vraiment au plus direct. Et donc, ça les oblige à traverser la rivière. Ce qui, visiblement, n'a pas l'air de leur poser trop de problèmes. Tove Alexandersson qui est en direct là sur les écrans avec le GPS. Et vous voyez que eh bien, pour l'instant, deux Finlandaises, hein, Venla Ryu et Marie-Cataini, sont plutôt très très bien parties. Ouais, et là, on voyait Venla, c'était la faute dont je vous parlais tout à l'heure, qui ne nous avait pas été montrée. Elle est un petit peu trop basse, dans une zone dense en végétation, et probablement elle a perdu là un petit peu de temps, mais ça n'empêche pas pour le moment d'être toujours en tête. À ce qui m'arrange un peu vis-à-vis du pronostic, mais. Comment une petite alors, question, que Cécile, Simona, avec... elles ne sont pas trop dans le. Non, dans, pas. Une petite question, Cécile, avec toi, comment on réagit? On a vu tout à l'heure Benjamin se faire reprendre par Sarah Hagström. Ça veut dire que, quand on pense à ce moment-là, on peut se sentir qu'il va pousser un peu des ailes quand on rattrape la personne qui est partie 3 minutes, comme disait Mathieu, 3 minutes devant. Et en même temps, c'est pas le moment de flancher. Oui. Alors, je pense que ça dépend beaucoup du caractère de la personne et aussi de la situation de la course, de la visibilité, etc. Là, on voyait. Ouais, juste vas-y, on revoit, ils ont remis Simona là, avec les autres filles, donc ça nous permet de voir aussi où en est Simona. En retrait. En retrait légèrement, mais pas tant que ça, hein, vis-à-vis de Sarah Hagström et Tove Alexandersson notamment. Donc elle est clairement dans la bagarre pour les médailles. Donc ça nous rassure un petit peu parce qu'on n'avait plus trop de nouvelles d'elle après son début de course un peu en demi-teinte. Nous permet de voir encore que les deux Finlandaises sont bien devant. Ouais. Hein. Et j'en connais un qui doit être content. Un Français pour le coup. Ouais. Parce qu'on on rappelle qu'on a, fois, voilà, on a quand même l'entraîneur de la Finlande. Qui est français. Donc, qui est Thierry Georgiou, bien sûr. Et on l'a régulièrement au téléphone, Mathieu, vous le connaissez très bien. Et effectivement, on l'a eu encore ce matin et hier soir, surtout pour parler un petit peu de l'état de l'équipe de la Finlande. Il nous avait bien sûr. Beaucoup parlé de Venla Ryu. Oui, mais aussi Marika. Mais Marika, un cran en dessous, je me souviens, mais en tout cas. Pour oui, Marika, elle a eu beaucoup de problèmes, pépins au pied notamment. Depuis maintenant, ça commence à durer. Et du coup, on n'est jamais. Elle a du mal à enchaîner les stages d'entraînement. Elle a du mal à s'entraîner aussi dur qu'elle aimerait. Et du coup, il y a toujours un petit doute sur sa capacité à tenir sur une longue distance. Pour le moment, en tout cas, même avec des fautes, on voit que Venla arrive à être devant. Donc ça montre qu'elle doit être sur un sacré tempo par rapport aux autres filles. Et si ça reste comme ça, oui, ben, j'en connais un qui devrait être content. Ouais. Cécile, je te laisse finir. On discutait ouais, justement voilà, de la réaction qu'on peut avoir quand on se fait rattraper, comme on l'a vu juste avant, c'est-à-dire Andrin Benjaminsson qui se fait reprendre. Donc plus de 3 minutes finalement direct par Sarah Hagström. Du coup, quand on se fait reprendre, il y a deux options. Soit on a les jambes pour pouvoir suivre la personne par laquelle on vient de se faire rattraper. Soit on n'a pas les jambes et du coup, là, ça simplifie tout de suite la problématique. C'est-à-dire que voilà, on va la laisser partir et puis on va continuer de faire notre propre CO. Après, si on arrive du coup à la suivre et à pouvoir continuer donc, le parcours avec elle, ça va être de soit si on a un peu un cran en dessous physiquement, ou techniquement de rester derrière et toujours bien contrôler au niveau de la carte où on en est, à quel poste on va, etc. Et si après on se sent bien, ça va être comme en cyclisme, on prend des relais un petit peu, c'est un coup l'une, un coup l'autre qui est devant. Mais l'idée c'est quand même toujours de rester au contact avec la carte et puis selon le niveau physique, d'avoir toujours la personne qu'on a rattrapée ou qui a été rattrapée. Oui, on peut préciser, ça dépend quand même pas mal des coureurs et des oui, coureuses. Voilà, c'est-à-dire qu'il y en ça, a qui n'aiment pas du tout courir à deux, qui vont se forcer à faire des choix différents, même si l'autre est parti sur le choix qu'on voulait, on va faire un autre choix.
Des fois, il y en a qui suivent sans vraiment trop réfléchir, d'autres qui suivent, mais en essayant de vraiment bien contrôler pour repasser devant dès que possible. Donc bon, ça, il y a quand même plein de cas de figure possible, ça dépend beaucoup des conditions de course et de partie on se fait rattraper, du terrain, de plein de choses. Alors là, on a quand même... ouais, c'est intéressant, vous la connaissez, on l'a bien suivi. On peut lui faire un petit coucou, ouais. elle nous a fait coucou à la caméra, ben, on en profite pour lui faire un petit clin d'œil, elle nous avait quand même vraiment ensoleillé notre championnat du monde il y a un mois, on est avec sa fraîcheur et elle était venue faire des championnats du monde incroyables en sprint, donc il y a un mois au Danemark. Et bon, en forêt, elle est encore un cran en dessous, mais ça fait plaisir de la revoir. Megan Carter-Davis, bien sûr, que vous voyez, et qui discute avec Cécilie Friberg-Kissner, la Danoise, que vous avez vu arriver sur les écrans, qui a pris le quatrième temps provisoire à l'arrivée. Donc voilà, petit débrief. Ouais, ça c'est classique. Ah, juste derrière, vous avez vu passer Quentin Roturier, qui est notre Français, qui vient d'en terminer. Donc des images vraiment classiques, ça arrive aux élites comme aux débutants. Une fois passé la ligne d'arrivée, tout de suite le nez dans la carte, et on essaie de comprendre où est-ce qu'on a gagné ou perdu du temps. On demande à la copine, bon mais toi, je t'ai vu, t'es arrivé par là, qu'est-ce que t'as fait et tout. Et ça c'est bon, on voit ça c'est chez les élites comme chez monsieur tout le monde, là c'est sûr que... Pour faire le point sur la course, c'est donc Johanna Auberg qui est en tête en 1h32 et 43 secondes. Il reste 7 concurrentes à arriver, avec pour l'instant le meilleur temps sur les dernières intermédiaires pour Venla Harju, mais Marika Teini, la Finlandaise, également juste derrière, et puis le match derrière pour la 3e place pour l'instant, mais bien sûr ça peut encore évoluer. Simona Bersand de la Suissesse, Lina Strand de la Suède, Caroline Olsson de la Suède, on n'a pas encore de nouvelles, la dernière partie. Sarah Hagström que vous avez vu, Tove Alexandersson bien sûr, et Andri Banja-Mintzen un petit peu derrière, mais à voir comment ça évolue. Voilà les 20 prochaines minutes qui nous attendent pour savoir qui remportera ce titre de championne d'Europe, avec pour l'instant donc Johanna Auberg, 1:32:43. On va nous proposer un coach replay. C'est exactement ce dont j'allais te parler. C'est que oui, Marika Teini était derrière jusqu'à cette faute de Venla. Et vous le voyez, donc, Venla effectivement, qui a fait une faute. Et elle remet les autres filles dans la course à la médaille, même si on voit que Simona aussi n'est pas hyper sereine sur son approche de course. Ça fait non plus la super. Simona Bersol est balayée en direct. Là, ça balaye à gauche-droite. Mais là, on voit que c'est une zone clairement qui doit être au niveau de la visibilité vraiment pas évidente. C'est ces fameux verts. Ouais, on a du vert. Mais du vert 2, c'est-à-dire que c'est encore plus dense, et on a ces zones de jaune avec pointillés blancs qui sont aussi des zones plutôt dégueulasses en règle générale, je crois qu'on peut le dire. Donc clairement, ce poste-là, il doit pas être évident en attaque de poste. Ouais. Là, l'image, elle le montre bien. La visibilité, on voit pas plus loin que 10 mètres. Ouais, et encore, là, c'est dans une partie qui est probablement blanche sur la carte, donc on peut imaginer ce que ça donne. Alors que sinon, on a donc Lina Strand qui a repris. On est où ? On est au TV2. Au TV2. Donc, Lina Strand, donc, qui prend le meilleur. Elle a repris Sabine Auswirth. Avec Sabine Auswirth. Et donc Lina Strand en tête. Pourquoi le temps s'est pas arrêté ? C'est bizarre. Non, parce que c'est. En fait, il lui reste un poste. Ah oui, il lui reste encore le poste après. Voilà, ouais, complètement. Ça, c'était le poste 3. Non, 3, qu'est-ce que je dis ? On est au 14. Au 13. Au 13. Donc, poste 13. On vient de voir le 13. Et le 14 sera sur le chrono. Donc, Lina Strand. Ça nous permet de la suivre un peu en forêt, ça c'est toujours sympa. Pour nous, orienteurs, on aime voir commencer en forêt. Hein, On voit que c'est un peu dense, effectivement. Ouais. Alors, pas tant dans cette zone, mais même dans ces zones qui sont relativement ouvertes pour courir, on a quand même un rideau de végétation qui fait que c'est difficile de voir les éléments au loin et de s'appuyer sur le relief, de s'appuyer sur les points d'appui. On comprend bien Mathieu et Cécile, hein, on la voit regarder très régulièrement sa carte, elle est en contrôle, là elle va vérifier les différents éléments qui sont marqués sur la carte et que tout colle. Oui, alors l'idée c'est toujours pareil, hein. On doit aller d'un point A à un point B, le coureur sélectionne l'itinéraire par lequel il veut passer en disant je veux voir tel et tel élément, donc je vais passer sur telle colline, suivre telle rupture de pente, etc. Et ensuite il se lance dans sur l'itinéraire en ayant une direction à la boussole et en essayant de voir les éléments qu'il a anticipés sur la carte, qu'il ou elle, elle en l'occurrence. Sauf que voilà, sur ce terrain-là, il peut dire je veux passer à telle colline, et en fait avec cette visibilité réduite, on peut passer à côté sans vraiment le sentir, et du coup on va être un peu dans le doute, ah mais c'est bizarre, j'aurais déjà dû le passer, est-ce que j'ai dévié, on essaye de corriger, mais alors qu'on était bien, et puis c'est là où
on peut lâcher un peu la boussole, partir dans une mauvaise direction. Ouais. Et là, bah c'est le drame. Lina Strand, donc troisième sur cet intermédiaire que vous venez voir, avec le meilleur temps toujours pour Venla Harju, Sarah Ekström, et donc 53 secondes derrière, c'est Lina Strand, la Suédoise que vous venez de voir à l'écran. C'est bien ce que Maëlle nous a dit tout à l'heure là, lors de l'interview, de pouvoir accepter de laisser un petit peu des fois couler. Au niveau de notre localisation sur la carte, c'est-à-dire qu'il y a des moments donnés où on va plus trop savoir où on en est. C'était Flo qui disait ça. Peut-être. Voilà. Effectivement, il y a des, des moments où pas de souci, mais il y a des moments où c'est plus flou et du coup il faut accepter de se dire que jusqu'au prochain point qu'on s'était fixé, eh ben on saura pas exactement où on est, mais il faut garder le cap avec la boussole. Et bien avoir en tête que notre prochain point, c'est cette colline-là, et il faut l'avoir, quoi. Alors là, c'est intéressant, puisqu'en même temps que tu parlais, Cécile, le nouveau meilleur temps provisoire au deuxième intermédiaire, puisque c'est Mari Kateini, la Finlandaise, vous venez de le voir, qui vient de prendre le meilleur temps en 1h10, 1h11, 41. Lisa Risby aussi à l'écran. Lisa Risby juste derrière, mais Mari Kateini, donc avec plus de 1 minute d'avance sur le temps de Venla Harju. Lisa Risby qui est plus loin derrière, vous le voyez, avec qui sera à plus de 10 minutes. Mari Kateini, nouveau meilleur temps provisoire. Venla Harju, pour l'instant, doublé finlandais. Allez, ouais. Un quart d'heure de l'arrivée. Donc la petite faute de Venla qui l'a fait repasser derrière, mais elle est toujours dans le match. Il n'y a qu'une minute. Du coup, on a toujours nos deux finlandaises en tête. Et puis les favorites derrière, qui galèrent. Alors Lisa, on n'en avait pas parlé. Moi, j'avais dit que sur une course comme ça, elle pouvait être devant. Ce ne serait pas le cas, là, loin de là. On a vu que Simona était en approche de 10, elle était vraiment pas terrible, alors qu'elle a besoin de faire une bonne course maintenant, elle a besoin de limiter la casse, de limiter les fautes si elle veut revenir devant, et visiblement c'était pas le cas sur cette approche de poste numéro 10. On va voir, on espère que le GPS va nous montrer un peu où elle en est. On a vu que Tove, qui est quand même l'archi favorite, c'est pas ça non plus aujourd'hui, ça galère un peu. Elle ne devrait pas tarder, Tove Alexandersen, puisque il vaut mieux pour elle, c'est elle sûr. Il lui reste 1 minute 40 si elle veut reprendre le temps de Mari Kateini sur ce deuxième intermédiaire. Et on attaque toujours Lisa Risby. Vendula Horčičková. Sur l'arrivée. Vendula Horčičková, je le redis parce que je le maîtrise bien, là, ce nom tchèque, qui n'est pas toujours évident. Horčičková, à l'arrivée. Une jeune tchèque qui était très forte chez les juniors et puis qui arrive petit à petit aussi, même si là on voit que c'est encore un peu costaud pour elle sur une longue distance de ce type-là aujourd'hui. Et voilà, et donc moi j'ai hâte surtout qu'on rebascule sur la course des meilleurs, parce que voilà, quid de Simona. Est-ce que Simona a trouvé son poste 10? On a vu que... Pour l'instant, on a des infos, puisque ça fait 7 minutes qu'elle tourne et qu'elle cherche cette balise 10. Pour l'instant, c'est énormissime l'erreur. Donc, on va avoir bien sûr le replay. Simona, qui on peut l'enlever de notre... Et là, Simona Abersold, qui ne sera plus, ou en tout cas pas sur le podium. Tu viens en parler. Elle ne l'a toujours pas trouvé, manifestement. Donc là, on voit, elle attaque le poste, mais c'est pas propre sur l'attaque. On voit ça zigzag, ça part en feuille morte. Et là, derrière, il n'y a pas le choix. Il faut se recaler. Et probablement qu'elle fait pas forcément le recalage... qui va bien. Elle se fait reprendre par Caro Olson. Et donc Caroline Olson derrière, qui plante ça aussi. Caroline Olson, elle a déjà fait ça hier, donc là pour elle c'est stress maximum. Et Simona Bersold qui est en direct là, elle la trouve. Elle est pas loin du poste, mais avec cette visibilité là, on peut être proche du poste et pas arriver à recaler quand même. Et là c'est la panique, où est-ce que je vais me recaler? Pourtant il y avait un chemin pas trop loin, elle aurait peut-être dû faire l'effort de revenir vraiment se caler sur le chemin en arrière, quitte à accepter de perdre un peu du temps pour en perdre moins en fait. Mais ça c'est vraiment quelque chose qui est difficile à haut niveau, les coureurs aiment pas, ils espèrent toujours être quand même proche du poste et arriver à se recaler plus proche du poste que d'aller faire l'effort d'aller se recaler plus loin. C'est intéressant avec Tove Alexandersen à l'écran, puisqu'elle est en train de remonter, puisqu'elle avait plus de 3 minutes de retard au dernier intermédiaire. Elle est en train de remonter, elle va venir s'intercaler entre Mari Kateini et Venla Harju. Tove Alexandersen qui est l'accélérateur. Elle n'est pas encore au poste. On y est bientôt. Elle repassera peut-être pas devant Venla, mais en tout cas, c'est sûr qu'elle a repris du temps. Et c'est comme on disait tout à l'heure, si elle décide... alors évidemment c'est facile à dire, elle décide, mais si en tout cas elle arrive à se remettre dans sa course, à limiter les erreurs et à mettre le gaz qu'elle a l'habitude de mettre, elle va remonter devant. Alors après, est-ce qu'elle sera
Est-ce qu'elles partent de trop loin pour quand même arriver à reprendre les Finlandaises ou pas? On va voir, ça va dépendre de sa capacité donc à ne plus faire de fautes d'ici la fin. Allez, je me suis un peu emballé en disant qu'elle allait s'intercaler entre Aryu et Taini, mais par contre, on va voir si elle peut prendre le troisième temps, alors que Sarah Schwein va venir en terminer. Et là, pour le coup, c'est sûr, elle va venir prendre le meilleur temps sur sa compatriote Johanna Åberg. Sarah Ekström qui va venir prendre le meilleur temps provisoire ici à l'arrivée. On est toujours au-dessus des 1h30. On est toujours au-dessus des 1h30, effectivement. 1h31-23. 1h31-23. Voilà le nouveau meilleur temps, Sarah Ekström, qui vient améliorer d'une minute 20. On vous le rappelle, voilà. Sarah Ekström. Qu'est-ce qu'il y a? Elle nous fait des signes. On repasse avec Tove Alexanderson. Sarah, on sait, elle n'a pas fait forcément les meilleurs choix. Elle était un peu malade. Donc, Et bien, ça on est en direct avec une erreur de Tove Alexanderson qui revenait, qui avait l'air remontée. Poste 14, c'est le poste TV qu'elle est en train de rater. Et oui. Donc, elle n'est pas dans le match aujourd'hui. Alors, non seulement elle ne s'intercalera pas entre les Finlandaises, mais en plus, elle saute du podium. Elle était vraiment. Elle va se remettre. Voilà, elle n'était pas loin, heureusement pour elle. Mais voilà, on le disait à l'instant, ça va être sa capacité à ne plus faire de fautes. Et on voit, elle n'est pas dans son assiette aujourd'hui, elle continue de faire des fautes. Et ça doit être dur. Elle n'arrive pas à trouver son flow. Alors qu'Andrine Benjaminson, maintenant à l'arrivée. Andrine Benjaminson qui va en terminer, qui va être loin. Sarah, très très loin. Elle s'est fait rattraper par Sarah, évidemment, qui n'a pas réussi à tenir. Donc voilà, elle va finir à plus de 4 minutes de Sarah. Alors que juste derrière, ça va être intéressant puisqu'on attend Venla Aryu qui ne devrait plus tarder maintenant. Et si elle veut prendre le meilleur, il lui reste 2 minutes pour arriver à Venla Aryu, la Finlandaise, pour améliorer le temps de 1:31-23, le temps de Sarah Ekström. On la voit. La voilà, Venla Aryu qui va venir prendre le meilleur. Oui, qui va venir prendre le meilleur. Elle va passer sous les 1:30 ou pas loin en tout cas. Mais donc on n'est pas encore à 73 et pourtant 1:29-52. Et pourtant là on sait qu'on a quand même potentiellement la championne ou la vice-championne qui a l'air étonnée. En tout cas, Venla Aryu, ça sent la boîte, hein. Ça sent à minima la boîte, ça c'est sûr. Ouais. Pour l'instant, on le redit, elle est en tête au dernier intermédiaire. Il y a Marika Teini qui a une minute d'avance sur elle. Et derrière, c'est Sarah Ekström, au temps intermédiaire. Donc Venla Aryu qui a amélioré le temps. Pour l'instant, il n'y a que Marika Teini qui peut venir lui reprendre vraiment du temps par rapport au résultat provisoire que l'on a. On va voir si Tove Alexanderson peut reprendre ses un peu plus de 2 minutes qu'elle a de retard. Le problème, c'est qu'il lui reste de moins en moins de temps pour le faire. Oui, bien sûr, hein, bien sûr. Il lui reste, s'approche de l'arrivée. Il lui reste 12 minutes, 12-13 minutes pour arriver à Tove Alexanderson. Et forcément, autant à mi-course, 2 minutes, moi, ça me fait pas peur de dire qu'elle va les reprendre. Autant là, forcément, plus on s'approche de l'arrivée, moins elle a de temps pour le faire. Et surtout, ce qui est plus inquiétant, c'est qu'on la sent pas en capacité de se remettre la tête à l'endroit. Donc voilà, si elle continue comme ça, elle a aucune chance d'aller reprendre les Finlandaises. Énorme course en tout cas pour Venla Aryu, très belle course pour Venla Aryu, tu le disais Mathieu, qui revient. C'est une course un peu par élimination en fait, hein. Oui, on voit fait. Les filles qui font pas de fautes, qui arrivent à... Et encore, je dis ça, mais Venla a fait des fautes, hein. Donc, on compare. Je pense que la seule qu'on a vu ne pas faire de fautes pour le moment, ou de grosses en tout cas, c'est Marika. Marika Teini, effectivement, nous propose et du coup, un sans surprise, elle se retrouve devant, quoi. Avec là, donc, cette balise 12, on va être avec Tove Alexanderson. Ouais, donc ça, c'était avant qu'elle fasse sa faute sur le poste 14, qui était le poste télé, Tove. Donc, elle a dû perdre, du coup, du temps aussi sur Sarah. Donc, mais pour la médaille, c'est pas gagné non pour Tove, là. Il va falloir qu'elle soit costaud sur sa fin de course. Donc là, on va voir en direct la petite. Ouais, elle est juste passée du mauvais côté de la colline. Et elle est revenue. Voilà, c'est pas une grosse faute, hein, mais suffisamment pour l'empêcher de revenir jouer devant. Sarah Ekström qui a fait une erreur sur la 15. Du coup, ça remet Tove devant. Et on vous le rappelle, Sarah Ekström qui est en tête pour l'instant à l'arrivée, qui est deuxième à l'arrivée, puisqu'elle est déjà arrivée, Sarah Ekström. Et donc vous voyez maintenant, on est en direct avec Tove Alexanderson qui est en train de s'intercaler pour la troisième place. C'est ce qu'on appelle du live synchronisé, c'est-à-dire que là on est synchronisé au moment de la course de Tove. On a bien vu, Venla est déjà arrivée. Mais là, au moment où si elles étaient parties ensemble, au moment où Tove est là dans sa course, et ben on voit que Venla est devant. Alors Venla Aryu et Tove Alexanderson. Rappelons bien les noms à chaque fois pour bien qu'on comprenne de qui on parle.
Et donc, le meilleur temps toujours à l'arrivée, Venla Harju, la finlandaise, 1h29 et ouais. 52 Alors, secondes. Voilà, le réalisateur a réussi à trouver deux drapeaux finlandais. Est-ce qu'il veut nous dire quelque chose? Alors peut-être, alors juste on n'a pas beaucoup parlé de cette fin de course parce qu'on ne l'avait pas encore eu au GPS. Mais voilà, il faut voir quand même sur le poste 17 et 18, on a encore deux postes qui sont quand même relativement techniques. Ouais, c'est pas relativement, c'est même beaucoup. Très technique, ouais. Très technique, dans une zone avec une visibilité assez basse, des zones de végétation dense. Oui, c'est pas gagné là, pour les filles qui arrivent derrière, c'est pas dit qu'elles s'en sortent aussi sans faute, donc on peut avoir du suspense jusqu'au bout. Alors, sur cette c'est intéressant l'image qu'on nous montre, puisqu'on vous rappelle que Mari Kateini était en tête au dernier intermédiaire devant Venla Harju, et là, eh bien, vous voyez, là, Venla Harju est légèrement devant si on remet un parallèle entre les deux. Donc, voilà, on est en live synchronisé sur la course de Marika. Marika Teini, qui est toujours un peu derrière. Elle est repassée derrière. Exactement. Donc c'est vraiment que Venla a une vitesse de course supérieure aujourd'hui, parce qu'on l'a vu faire des fautes, alors que ce que Marika n'a pas trop fait, en tout cas on ne l'a pas vu nous à l'écran, et elle est quand même pas capable de repasser devant. Teini, Harju, Hagström, et on va voir Alexanderson également, qu'on attend maintenant, mais qui a l'air légèrement décroché, ne sont plus dans le match puisqu'on n'a pas de nouvelles du tout de Simona Aberson et Caroline Olsson pour l'instant, qui a l'air un peu derrière. Alors sauf si elle arrive sur le deuxième pointage intermédiaire, elle peut encore jouer pour le podium, mais pour l'instant Caroline Olsson, on n'a pas de nouvelles. Ça partait pas très bien non plus. Non, ça partait pas très bien. Ouais. Même quand on voit la faute qu'elle fait avec Simona, on se dit qu'elle doit pas non plus forcément être Et puis on sent qu'elle a fait le même genre de faute hier. On sent qu'elle est pas forcément en maîtrise sur ce type de terrain. Ce serait étonnant de la voir d'un coup revenir dans le match pour la médaille. Un match qu'on avait quand même vendu entre Tove Alexanderson et Simona Abersol. Pas du tout. Et un match qu'on n'a pas du tout. Grosse final, surprise, hein, mais finalement, c'était un peu annoncé ces surprises aussi. Hein. J'ai le souvenir hier de discussion avec Thierry, notamment Thierry Georgiou, qui nous disait le match est ouvert, il y a du monde, il va y avoir des erreurs. Et toi, Mathieu, pareil. Oui, hein, mais quand on voit quand même Tove, elle s'est toujours tiré son épingle du jeu sur. Sur les championnats du monde, il faut revenir à cette moyenne distance en 2018 pour l'avoir vraiment passé à côté d'une course. Donc ça fait un enchaînement quand même de. Hein, on l'a dit, hein, elle avait enchaîné 11 victoires d'affilée en grand championnat. Donc c'est difficile quand même de pas se dire qu'elle va arriver une fois encore à tirer son épingle du jeu. Mais là, on pour le moment, c'est pas le cas. Un passage au travers sur les championnats du monde de sprint, et bien pour l'instant, oui, relatif, hein, parce qu'elle avait fait 6, il me semble. Mais là, on va voir. Pour elle, toute autre place que la première, de toute façon, n'est pas une bonne place. Donc voilà, on l'avait vu faire bien la gueule d'ailleurs sur le petit podium du sprint. Forcément, elle n'est pas habituée à perdre, donc elle n'aime pas ça. Mais nous, ça nous offre un beau match, un match intéressant. Effectivement, avec Marika Teini attend. Marika Teini qui a maintenant 3 minutes pour arriver au pre-warning, donc, c'est-à-dire à quelques encablures de l'arrivée. Marika Teini qui a un peu plus de 3 minutes pour arriver. Ouais, alors les... devant, on a quand même on nous repropose, on a l'impression hein. qu'on se dirige quand même vers un doublé finlandais. Hein. Ils ont quand même une petite marge. Mais alors, pour la médaille de bronze, on ne sait pas trop où on en est. On voit que là, le réalisateur nous montre sur Hagström. C'est pas forcément la seule dans le match pour la médaille. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Mais Tove Alexanderson pour la troisième place. Alors, Tove qui n'est pas si loin que ça. Tove Alexanderson, pour vous donner une idée, elle est au dernier intermédiaire, elle est exactement à 23 secondes du temps de Sarah Hagström. Et Lina Strand, qui est... Ah ben là, voilà. Bon. Vous l'a rajouté. Lina Strand, effectivement. J'allais dire qu'il n'est sans doute pas si loin. Bon, ben voilà, elle est là. Dans le même temps que Sarah Hagström. Et comme on a dit juste avant, ce pose 18, il est pas donné. Donc là, on voit Lina, la direction, c'est pas terrible. On est en direct avec Marika Teini, hein, que vous voyez, et qui est légèrement derrière Venla Harju, et par contre qui est dans presque le même temps de Sarah Hagström. Ouais, hein. Voilà, alors je m'étais peut-être un petit peu avancé sur le doublé, parce qu'elle avait quand même de la marge, mais là, elle passe dans une zone de végétation vraiment dense. Sarah Hagström fait le tour d'ailleurs, on voit bien, alors que Marika Teini, elle passe tout droit. Hein.
Bon, après, là, c'est dégueulasse un peu partout. Hein. Donc faut, voilà, c'est pas dit que Sarah, ça avance beaucoup plus vite. Le traceur, en tout cas, avait indiqué que certains et certaines pouvaient perdre la médaille sur cette approche de poste, parce que c'est une zone qui est vraiment... Qui est vraiment dense et compliquée. Et ben en tout cas, je sais pas si. Alors là, elles vont pas perdre de médaille parce que elles sont toutes les deux à jouer pour la deuxième, mais elles peuvent perdre une place en tout cas. On est avec Simona Aberson maintenant, ouais. Qui là, elle, Simona, c'est très compliqué. Elle va être à plus de 10 minutes. Rendez-vous compte plus. Elle sait que c'est pas son du jour. Temps de Marika Taini sur ce deuxième pointage intermédiaire. Mais du coup, ça va être intéressant pour la suite, hein, parce que là, on a quand même deux des ultra favorites qui, en plus, vont être ultra revanchardes sur la moyenne distance. Pour la moyenne distance, on peut déjà attaquer le teasing. Là, à mon avis, ça va, elles vont vouloir remettre les points sur les i et les pendules à l'heure, la totale. Et bah, les pendules à l'heure pour une Suissesse, ça c'est sûr. Et du coup, je pense que ça risque d'être intéressant. Simona Aberson qui passe complètement au travers de la course et pour Caroline Olson c'est pareil, hein, on n'a pas de nouvelles non plus. Donc les deux dernières partantes, Simona Aberson, Caroline Olson, Suisse et Suède, qu'on ne voit plus sur les écrans. Simona, on la voit, mais vous voyez son temps qui défile toujours et qui va être à une dizaine de minutes quasiment, peut-être même plus, du temps de Marika Taini. Marika Taini qu'on attend sur l'air d'arrivée. Il lui reste Mathieu. Allez, une trentaine de secondes, un petit peu moins de 30 secondes pour le pré-warning arrivé, donc c'est-à-dire juste avant l'arrivée. Marika Taini qui va être un peu derrière et j'ai presque envie de commencer à annoncer la victoire pour Venla Hariu. On va attendre, mais en tout cas, pour l'instant... Ouais, là, je pense qu'on prend pas trop de risques. Là, c'est plus sur la suite des médailles. Et pour la suite des médailles, on verra. Entre Sarah Ström, Marika Taini et Tove Alexandersson. Oui, Elina Strand. Donc là, on a de la Suédoise qui va batailler jusqu'au bout. 10 minutes tout pile pour Simona Aberson. Mais ouais, bon, Simona, là elle finit parce qu'il faut rentrer. Mais on sent au tempo qu'elle ne se fait pas d'illusions sur sa course du jour. Quelques images de drone, on n'avait pas encore vu sur l'arrivée. Ouais, alors avec qui on est sympa. Avec Marika Taini, là, on voit bien les traces que peuvent faire les différents coureurs. Qui sont partis avant, hein. Là on voit, ça fait un vrai petit chemin. Et si vous voulez sortir de la trace, Lina Ström, je pense. On doit être avec Lina Ström, je pense, puisque Lina Ström est annoncée à l'arrivée. Ouais. Et Lina Ström qui est annoncée en troisième position pour le moment. Et là on voit, elle est sortie de la trace. Elle est sortie. Et c'était pas une bonne idée. Et c'est un peu le bouche, ouais, tout à fait. Elle avait pas bien, à l'arrivée, c'est soit Sabina Ausvierd, soit Lina Ström. Ah bah les deux, vu qu'elle s'était rattrapée. En rouge, Sabina Ausvierd derrière. Sabina Lina qui est derrière, Lina qui se bat pour la médaille, donc qui part un peu plus couteau entre les dents. Et on a aussi. Qu'est-ce qui arrive là? C'est peut-être Lina Ström justement. Ah oui. On voit pas de ouais, ça y ressemble plus. Alors là, on est d'un peu haut. Mais... Ouais, voilà, c'est là, voilà, Lina Ström. Qui est annoncée sur l'aire d'arrivée avec elle va être un petit peu derrière évidemment le temps à battre, je vous le rappelle, le temps de Venla Hariu, 1:29.52, elle est derrière, elle va peut-être ça va être chaud avec Johanna Auberg. Oui, mais bon, c'est oui, ce sera pas pour aujourd'hui, mais on la connaît, hein, elle est solide et elle est toujours là dans le match. Ça fait pas médaille à tous les coups, mais en tout cas. Et pour l'instant, ça va être la troisième place, Mathieu. Elle est toujours la bagarre. Lina Ström, troisième place. Malheureusement, je pense qu'elle va sauter du podium avec Marika Taini qui est annoncée dans quelques instants. Lina Ström, Suède. Ah, c'est sympa, on a Max à l'écran. Alors que Maxime Roturier, que vous voyez qui passe, on basculera juste après sur la course. Oui, la course des hommes, qui se courent en parallèle. Alors, c'est Sabina Ausvierd maintenant que vous avez à l'écran. Sabina Ausvierd qui sera derrière, hein, parce qu'elle s'est fait reprendre par Lina. Du coup, sur le drone, je ne sais pas qui en avait. Mais, c'était, peut-être Maxime. C'était filmé d'un peu haut. Sabina Ausvierd. Sabina qui était aussi une habituée de ces courses longue distance où il faut se bagarrer, mais qui est un petit peu en retrait ces dernières années. Mais bon, voilà, elle est toujours là quand même pour jouer placée autour du top 10. Allez, juste derrière, ça sera Marika Taini qu'on attend. Là, voilà, qui est en train de monter. Marika Taini qui sera derrière le temps de sa collègue Venla Hariu. Marika Taini pour
une deuxième place. Oui, elle sera deuxième devant Sarah Hagström et on peut le dire, ça sera certainement le doublé finlandais. Ouais. Alors moi, on va quand même attendre de voir. On va attendre Tove Alexandersson. On sait jamais. Pour l'instant, à l'image, vous avez bien Venla Harju et Marika Teini, 52 voilà. secondes en de retard. Tout cas, ouais. Le doublé pour l'instant finlandais et maintenant, eh bien, nous attendons Tove Alexandersson qui a exactement. Alors c'est officiel, Mathieu. Elle ne peut plus battre le temps de Venla Harju et il lui reste une trentaine de secondes pour battre le temps de Marika Teini. Ouais, eh bien, il suffit de l'annoncer. Tove Alexandersson va déjà être là. Dans quelques instants à l'arrivée. Oh, maintenant, elle, vous avez Caroline Olsson. Alors oui, là, Caroline, faut, là, le réalisateur, faut pas qu'il c'est se trompe de suédoise, de... parce que là, Caro, elle joue plus grand chose. Ouais, ça va être chaud. Normalement, ah, sauf si il nous la montre, bah, c'est peut-être qu'elle est dans le match, mais. Mais ouais, plus 8 minutes au dernier intermédiaire. Ouais, d'accord. Ça, non, ça paraissait bizarre. Caroline Olsson, qui est très loin, effectivement. Effectivement, très, très mais c'est bizarre qu'il nous la montre minutes. Parce que là, on a quand même Tove. Ça chauffe là pour le podium. Allez, on va faire attendre. Confiance à la réalisation, ouais, effectivement. On va attendre. Par et contre, ce qu'on peut déjà Caroline dire, c'est super course de Marika. Oui. Parce que on l'attendait pas à pareille fête quand même sur une longue distance. Et mais là, tu l'as dit quand elle est partie, c'était une guerrière. Ouais, c'est une vraie guerrière, ouais. C'est sûr. Mais avec ce petite interrogation sur sa capacité à tenir sur une longue en entier, parce qu'elle n'a pas pu s'entraîner bien ces dernières années, quoi. Mathieu, il reste exactement 50 secondes à Tove Alexandersson pour arriver et pour venir battre Venla Harju. Eh ben, montrez-nous le dernier poste. On attend de voir Marika Teini. Elle, pour l'instant, elle est deuxième. Elle a 52 secondes de retard sur le meilleur temps de Venla Harju. Alors que Tove Alexandersson est annoncé. Ah, voilà. Alors, voilà. Est-ce que c'est Tove? Est-ce que c'est Tove? C'est possible ça? Ça y ressemble. Ça y ressemble. Là sur voilà, Tove Alexandersson ouais, à l'arrivée. On voit sur le tempo. C'est officiel. Presque pas, presque. Allez, presque, elle, est, presque ouais, elle est dans les temps de Venla Harju quasiment. Oh, ça va être chaud. 17 secondes, vous voyez qu'elle a repris. Tove Alexandersson qui donne tout. Non, elle sera derrière Venla Harju. Par contre, ça sera la deuxième place. Mais c'est fou quand même. C'est énormissime. C'est fou parce qu'on a dit. 4 minutes à un moment de retard. Hein. Ben oui, on a dit là, c'est plus possible. Elle va pas revenir. Et puis voilà, elle a cette capacité quand même jusqu'au bout à se battre et à aller chercher. Et puis ça marche quasiment à chaque fois. Alors là, elle va échouer un petit peu derrière. Mais regardez. Venla Harju, championne d'Europe. Tove Alexandersson qui va venir prendre la deuxième place et donc la médaille d'argent qui va s'intercaler. Tove Alexandersson, médaille d'argent. Cette fille est folle. Ouais, merci, on le dit, cette fille est folle. Elle non, est elle est dingue, pardon. Elle est pas folle. Elle est dingue. Ouais. Non, oui, mais pas que. Là. Elle a. Je veux dire, quand on enchaîne les fautes comme ça, on voit, elle avait la tête à l'envers tout du long. Elle faisait des fautes, et puis des grosses. Hein, mais elle lâche jamais rien. Elle a cette capacité à toujours y croire, à se battre. Et ça paye. Là, rendez-vous elle compte, 4 minutes de retard à mi-course, 4 minutes de retard sur le temps secondes. De Venla Harju, et finalement, eh bien, elle vient échouer presque. Et voilà pourquoi à 17 secondes. On ne peut pas ne pas la mettre à chaque fois dans les favorites, parce que voilà, elle va plus vite que les autres, hein, tout simplement, et même avec des fautes, même dans une mauvaise journée, eh ben, elle est là, elle vient prendre une médaille. Et 17 secondes d'un nouveau titre, avec une course qui est pour elle, je pense. Catastrophique, on peut le dire, ou pas loin en tout cas. Lisa Risbu maintenant à l'arrivée pour Lisa, les places d'honneur. C'était pas son jour, pourtant elle aussi c'est une guerrière. Au-delà de la 20e place. Elle aime bien d'habitude se battre, hein. Elle avait fait des bonnes longues distances sur les championnats du monde. Aujourd'hui non, ça c'est... Aujourd'hui c'est pas ça. Du coup, hein, pour rien vous cacher, ça va être... Il y a un vrai gros décalage avec ce qui était prévu dans les timings de l'organisation avec les temps de course. Ah bah là, c'est donc sûr, je ne sais pas ce qui va nous être proposé si on basculera directement sur la course alors, homme derrière. Mais en voilà, tout cas, on vous rappelle qu'ils avaient prévu en 73 minutes. 73 et on ils est avaient, en 80. Ils avaient très très peur d'une bonne course de Tove. Alors là, bon, pour le coup, c'est, comme on l'a gagné. Dit, c'était pas une bonne course du tout. Et ben, résultat des courses, elle se retrouve très très loin des 73 minutes estimées. Mais qui me paraissait quand même... Un peu beaucoup. Après, il faudra voir le temps qu'elle a perdu aussi sur sa course pour voir. Si le traceur avait visé plus ou moins juste. Exact. On est à quoi? On est à 17 minutes quand même, il me semble. Ouais, on est quand même à 17 minutes. Exactement. Il n'y a pas les 17 minutes je de faute. Je ne pense pas qu'elle soit capable d'aller chercher un temps en 73 minutes. Le podium donc de ces championnats d'Europe de course d'orientation en longue distance, Venla Harju, qui est donc championne d'Europe Finlande. La deuxième place pour Tove Alexandersson de la Suède et troisième place pour Marika Teini de la Finlande.
on voit comment Tove. Ah non, on ne montre pas Tove Alexandersen. Ah oui, en fait, ils ont perdu le GPS de Tove sur la fin de course. Exactement. Donc on était un peu à l'aveugle sur la course de Tove. Donc on nous montre en tout cas Lina qui était pas bien sur son ITI, hein, pas une bonne direction, elle a dû perdre le contact. Et là, ça forcément, ça pardonne pas. Entre Marie Cataini et Sarah Högström qui sont passées vraiment. Elles étaient pas loin, l'une de l'autre. C'est ça. Et on voit que ça fait des différences énormes dans ces zones de végétation. Trouver la bonne petite trace. Ce qui est un petit peu dommage sur une toute fin de course que ça puisse se jouer sur ça, parce que ça introduit quand même un peu un facteur chance sur une fille qui va être à 20 mètres de l'autre, plus à droite ou plus à gauche, va pouvoir gagner du temps. Et ça, c'est pas forcément toujours clair sur la carte. Donc bon, c'est pas toujours recommandé au niveau du traçage, mais les traceurs n'ont pas toujours fait. Le podium en 52 secondes quand même, hein, sur 1h32 course, c'était serré. Venlariu, Tove Alexandersen, Marika Teini, doublé finlandais, enfin doublé podium, double podium finlandais, premier et troisième. Là, je pense effectivement. 2-3 suédoises dans le lot. C'est une vraie réussite pour la Finlande. Les suédoises avec Tove Alexandersen deuxième, 4, 5 et 6, et puis après. Paola Gross en 7ème position, Ingrid Mayam in 16. Petite surprise, hein, meilleure Suissesse Paola Gross, là c'était la grosse cote. Effectivement, Simona Aberson n'est toujours pas à l'arrivée et qui sera très 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 loin à plus de 10 minutes. On va avoir des nouvelles, on va vous donner donc la meilleure performance française qui est donc de Maëlle Bovier. Ouais, il reste encore des filles à arriver. Alors effectivement, il reste encore, ça peut encore se décaler légèrement. Elle va probablement reculer encore un peu. Mais bon, comme l'avait dit Charlie, on n'était pas dans un objectif de place aujourd'hui. En tout cas, on espère qu'elles ont engrangé de l'expérience. Hein, ça, c'est toujours ça de pris. Voilà. Et ça sert, hein, des courses comme ça pour après. Il faut en avoir... tu demandais un peu comment on prépare des courses comme ça. Et ben, c'est difficile de les préparer parce qu'il n'y a vraiment que sur les grands championnats qu'on a des courses de cette difficulté-là, de cette intensité-là, avec... autant d'adversité, d'intensité, et donc la meilleure manière de s'y préparer, c'est d'en faire. Donc là, on voit le replay avec dès le début. Il y avait il y a eu une énorme erreur. Ouais, donc là, ils font toutes le même choix, passer à droite, ce qui est le choix qui paraît quand même le plus logique, hein, en privilégiant les zones qui courent bien, les zones de blanc, donc de forêt assez propre. Tove qui part en chasse, hein, d'entrée de jeu, chasse patate, et d'habitude elle a la capacité à revenir, mais sauf que là elle a multiplié les fautes, et donc à chaque fois elle repartait avec un nouvel handicap. Le long choix, le 4-5, alors là on va voir Sarah alors ce sera intéressant de voir combien de temps elle perd sur ce choix, et si c'est pas là qu'elle perd sa médaille, hein. Tout simplement. Là on a elle est même pas dans les timings, donc elle a perdu plus de 4 minutes, ça veut dire, hein, sur ce poste à poste, puisque c'est Banyaminsen qui a le meilleur temps. Ça me paraît énorme. Ouais, ça me paraît beaucoup aussi. Ça me paraît énorme, mais bon, on a vu. Mais Tove Alexandersen déjà à 4-16, tu vois, sur son temps, donc peut-être juste qu'elle a pas été mise dans le. Non, mais c'est pas sur ce poste à poste, c'est entre le poste 4 c'est entre le 4 et le 6. Alors est-ce qu'elle a fait une faute aussi entre 5 et 6? Parce que là, en tout cas, sur le GPS, elle perd pas. Elle perd pas 4 minutes. Hein. Ah, quoique. Anderson, j'ai à 4,34. On rappelle que la trace, hein, la queue du petit point, est à 1 minute. Donc, ça va peut-être pas être moins de 4 minutes. Alors que là, on voit la faute un peu incompréhensible de Tove, qui s'est endormie sur le chemin. Et elle est beaucoup trop loin. Donc, il repart encore à nouveau derrière. Alors que les Finlandaises, bon an, mal an, elles font leur bonhomme de chemin devant. Et là on va voir, elle fait quand même une belle faute en approche de 10. Alors, ça n'a pas été la seule, hein. On a vu que ce poste il avait fait un peu du dégât. Un peu trop à gauche, mais voilà, elle a la bonne idée de sortir de la zone dense là, en allant chercher le blanc derrière. Et c'est quand même beaucoup plus facile de se recaler quand on est dans du blanc que quand on est dans de la végétation. Du coup, elle limite la perte de temps. Et elle se remet dans le jeu pour la gagne. Et on va voir du coup où Marika perd du temps. Est-ce que c'est seulement au train? Donc là, Marika a décidé de traverser le marais. On a vu qu'elle avait perdu un petit peu de temps par rapport à Venla dans la forêt blanche. Une petite faute sur le poste 15. Hein, Sarah, là aussi, repère encore un petit peu de temps. Dernier poste, au coude à coude. Mais là, Venla a un meilleur tempo sur la fin.
Marie-Catheny un peu hésitante sur l'approche du poste 17. Et c'est là que. Et là, Tové, mais en mode guerrière, elle a découpé la végétation. Ouais, là, c'est impressionnant hein, sur le tempo. C'est le tempo entre la 17 et la 18 où Tové. Et là, là, on voit sur le choix de Tové Alexanderson de ne pas suivre le chemin. On a l'impression qu'elle repère un peu de chemin de terrain sur Venla Riu. Est-ce qu'elle n'aurait pas pu aller la chercher, cette médaille d'or, là, en faisant le choix de rester sur le chemin? Oui, c'est une petite question. On verra si, sur l'analyse, si elle a perdu du temps ou pas sur aussi ce dernier choix, parce qu'on rappelle, c'est 17 secondes, donc c'est quand même pas grand-chose. Magnifique course, avec, cas, oui. Avec des, ouais, une belle... Des rebondissements. Des beaux rebondissements. Des favorites qui passent au travers, d'autres qui passent au travers mais qui reviennent quand même. En mode bulldozer Alexanderson. Simona, hein, quand même la déception. On avait vu en préparation qu'elle n'était pas très à l'aise sur ses terrains. Elle râlait souvent sur les réseaux qu'elle ne comprenait pas bien la végétation, elle ne comprenait pas bien comment le cartographe dessinait tout ça. Finalement, elle a peut-être pas tout compris non plus. Alors qu'on a, Venla. Venla, you're the European champions here, the long distance. You're the new champion. How do you feel? I'm almost quite in shock. I couldn't believe it because it wasn't perfect race. We saw you losing time out there at Control 10 and maybe also other places. How was your race? I like quite much this kind of orienteering when it's quite hard to go through at times, and then also some fast running. But I had two places where I had quite big problems, but I could save them as quick as possible. And did you think about you were running for a gold medal, or did you think, oh, I've lost way too much time to be in consideration for the medals today? Yeah, before race I knew I had a chance for medal, and then during a race maybe I thought that it could be top six or something if I push hard until the end, but this time it was better. We saw, besides you, Marie-Catheny took the bronze medal. How do you think that you Finns were getting along with the terrain today? Yeah, we are. I think we are very experienced runners, Marika and me, and we have been running many jumps and many times in this kind of terrains, also maybe in Finland. So we knew that we can do it. And you seem to avoid the mistakes on the last controls, probably the last five or six controls, going faster than the others, actually maybe winning the gold there. How did you feel on the last controls? Well, it was really tough, really hot day, and I was just trying to push and thought that I, as our coach Thierry said, that fight for every centimeter. So I just tried to go forward. And with two medals for Finland in just one competition, do you think we have more to see from Finland at these European Championships? Yeah, of course. Okay. Thank you. Thank you. Voilà l'interview de Venla Riu, la nouvelle championne du monde. D'Europe, du pardon, monde de l'Europe. Balle, du monde de l'Europe. En tout cas, la nouvelle championne d'Europe. Mathieu, un petit rapide interview. Bah, rapide, ça va être difficile. Essaye, parce que derrière, je crois bien qu'on va avoir l'entraîneur de la Finlande en direct. Elle a dit beaucoup de choses. Alors, juste, alors qu'on voit Simona Bersol quand même, un petit coucou, ouais, la pauvre. Très loin. D'abord, elle attaque en disant qu'elle est choquée, tout simplement. Elle ne s'attendait pas à ça, vraiment choquée. Pourquoi ? Parce qu'elle a dit qu'elle n'a pas fait la course parfaite. Notamment, elle a perdu, on l'a vu perdre du temps hein, sur le poste 10. Mais elle dit qu'elle aime bien ce type de CO un peu où il faut se battre dans la végétation. Donc il y a deux endroits où elle était pas en contrôle, hein, elle a fait des fautes, mais elle a bien géré ces pertes de temps là pour les limiter au maximum et rester dans le match. Elle pensait qu'elle avait une chance pour la médaille avant de la course, hein, donc elle partait
pour jouer la médaille, mais pendant la course, elle n'a pas eu forcément des super sensations, hein, notamment à cause de ses fautes. Et donc, elle pensait, bon, bah, peut-être que je vais pas faire de médaille, mais je vais essayer quand même de faire un top 6. Et donc, elle a poussé vraiment dur tout au long de la course pour ça. Donc on lui demandait, bah, Marika Teini est là aussi, qu'est-ce qui fait que les Finlandaises ont bien marché. Donc elle dit que, bah, avec Marika, les deux ont beaucoup d'expérience, notamment sur ce type de terrain, hein. C'est des filles qui effectivement sont là depuis un moment sur le circuit. Et on lui demandait aussi sur sa fin de course comment ça s'était passé. Bah, elle a dit que c'était difficile, la journée était chaude, mais voilà, tout ce qui comptait c'était de pousser très très fort et de se battre pour chaque centimètre dans la forêt. Ça c'est vraiment on en parle souvent sur ces formats de course longue distance, il faut vraiment mentalement se battre. Et on lui a demandé enfin, on a vu deux Finlandaises, est-ce qu'on va voir encore la Finlande? Eh bien, et elle a dit ça tombe bien. Oui bien sûr. Donc, et on va même être en direct avec le directeur, le grand patron de l'équipe finlandaise que vous reconnaissez tous, Thierry Georgiou. Christophe, à toi la main. J'imagine Thierry plus que ravi avec déjà deux podiums d'entrée. Donc vous êtes bien avec moi là, je suis avec Thierry. Donc on t'entend. Effectivement, question de Robin. Vous m'entendez? Oui, on t'entend, vas-y. Ok, très bien. Donc Thierry, on imagine que tu es plus que ravi avec deux podiums d'entrée sur cette longue distance. Ouais, ça fait plaisir, bien sûr. Pour moi, c'est une nouveauté avec l'équipe de Finlande. Donc je ne vais pas dire aujourd'hui que c'est à cause de mon travail. Bien sûr, le temps est trop court. Donc c'est surtout le travail de l'équipe précédente, Antti Harju, le mari de Venla qui la suit au quotidien. Ronny Koenig-Salmi qui s'occupe un peu plus des dames. Donc c'est un vrai travail d'équipe, mais ça fait plaisir pour une fois d'être sur une arena. On a beaucoup souffert pendant les championnats du monde, donc on ne se prive pas de ce petit bonheur. Ouais. Effectivement, il y a une super ambiance ici. Et un petit mot sur le terrain, on a vu des temps de course qui sont au-delà des prévisions des cadrages de l'IOF. Une réaction sur ce terrain, ces temps de course? Ouais, ben bon, il y a plusieurs facteurs, hein. Bien sûr, le focus cette année, il était surtout sur le sprint pour les meilleurs. Je pense que ça se voit un peu au niveau de leur technique en forêt. Après, c'est des terrains vraiment spécifiques. Je pense que les gens, ils sont pas habitués d'avoir des terrains si plats, si verts. Donc, grosse difficulté. Mais aujourd'hui, j'ai trouvé le niveau d'erreur, il était quand même assez élevé. Je crois que c'est une course qui peut se gagner 6 ou 8 minutes facilement, plus rapidement. Donc nous, on a saisi notre opportunité. Ce n'est pas tous les jours que Dove fait ces quantités d'erreurs. Donc, mais t'es quand même content que le jour où elle passe au travers, ce soit nous qui soyons devant plutôt qu'une autre équipe. Oui, ça c'est clair. Il fallait être opportuniste aujourd'hui, vous l'avez été. Donc bien joué. Robin, une dernière question de ton côté? Merci, ouais, Christophe. Eh ben, écoute, une dernière question avec Thierry. C'est quoi l'objectif pour le reste de ces deux jours? Parce que franchement, ça part fort. C'est quoi l'objectif pour le reste des championnats d'Europe? Là, c'est parti très fort. Ouais, ben voilà, là, donc là, bien sûr qu'on va prendre du plaisir. Il faut qu'on finisse de suivre la course des hommes. Donc ce soir, bien sûr qu'on va être très heureux, mais il faut que là, le timing, il est super serré. Il faut vraiment récupérer de cette course. Il faisait chaud, je pense, musculairement, c'était pas trop dur parce que c'est assez plat. Ils sont jamais à vitesse max dans ce verre, donc je pense qu'ils vont récupérer assez vite. Et si j'avais une pièce à mettre au début du championnat, c'était plutôt sur la moyenne distance pour Venla et Marika, donc ça veut surtout dire qu'elles sont en super forme. Mais après, là, c'est tout ça à gérer le niveau émotionnel. Ce n'est pas tous les jours qu'ils sont sur le podium. Donc, bien sûr, leur téléphone, il va vibrer beaucoup. Les Finlandais vont se réveiller un peu. Donc, moi, c'est là où je vais apporter un peu mon expérience. J'ai l'habitude de ces moments-là. Donc, ce soir, on va être heureux. Mais déjà demain, c'est con quand tu es en forme comme elles sont, de revenir avec une seule médaille, quand tu as les possibilités, même si la middle va être une belle paire de manches. Hein. Je pense sur ce terrain-là, les gens vont vouloir un peu appuyer sur l'accélérateur. Et sur ce terrain, tu as vraiment besoin de respecter la technique avant tout. Donc, ouais, je pense. Et puis, bien sûr, ben, le relais, quand on a 2 sur 3 qui sont déjà bien, ça peut être pas mal. Ouais. Bon, ben, on va être impatients de vivre cette middle distance, ça promet. Merci. Merci, merci Thierry. Merci Christophe. Merci Thierry. Merci pour nous avoir fait vivre ce direct. Quelle course! Déjà, on a vécu une magnifique longue distance avec, comme le dit Thierry, des rebondissements déjà assez incroyables.
Et puis bah, deux Finlandaises sur le podium, première, ouais, troisième, c'est... et Tove Alexandersson qui finit. C'est sympa pour Thierry parce que voilà, il a changé de job, de casquette. Hein. Il est passé de chez des Suédois aux Finlandais et avec un potentiel médaille un peu moindre chez les Finlandais. Et ben en fait voilà dès son premier enfin dans son deuxième championnat après celui de en sprint de juillet ben voilà, il s'en sort avec deux médailles donc je pense que c'est sympa pour lui. On va finir avec toi. Merci Cécile de nous avoir accompagné sur cette course. J'espère que tu as pu vivre ce moment bien sympa avec nous. En tout cas, c'était super de pouvoir te retrouver. Et puis, eh bien, on va basculer sur la course homme. Reste encore un petit peu avec nous et puis ça sera Vincent qui vient venir nous rejoindre dans quelques instants. On bascule sur la course homme maintenant et on retrouvera Cécile tout à l'heure en débriefing. Merci Cécile. Cette course homme, eh bien, ça bascule. Ça bascule directement Mathieu. Il y a des petits changements dans le plateau puisqu'il y a Vincent qui va venir nous retrouver pour analyser. Allez, commence à nous parler de cette course. Eh ben, on a une course des garçons qui est sur le même... la même trame que celle des filles. Hein. On voit, on a ce premier poste très près du départ. Ensuite, un long choix 1-2 qui ressemble un peu à celui des filles, mais qui n'est pas exactement le même. Et là, donc, on est sur ce long choix 6-7 ce coup-ci, qui, là, encore une fois, est assez proche de ce qu'ont eu les filles, mais pas exactement les mêmes. Mais les garçons auront les mêmes problématiques que les filles sur ce long choix. Ici, il y a une particularité, c'est on a un papillon qu'on appelle une patate dans le jargon. Ça permet... en fait, de séparer les coureurs qui arrivent ensemble. On expliquera ça peut-être plus en détail tout à l'heure. Là, une extension sur une zone où les filles ne sont pas forcément allées avant de récupérer cette portion de forêt plus blanche. Là, un poste 23-24 qui est équivalent à ce que les filles ont fait. Et une fin de course, là encore, légèrement différente, mais avec toujours un peu les mêmes problématiques, notamment sur les choix 27-28 et 28-29, dont on a beaucoup parlé sur la fin de course des filles. Puisque bon, on a vu que ça pouvait être décisif jusqu'à ce moment-là et ça peut l'être également chez les garçons. Allez, on est de retour effectivement. Donc juste tant qu'on a sous les yeux, donc pour expliquer un peu la patate, en fait on voit à partir du poste 9, certains coureurs vont aller directement au poste 10 comme c'était là, donc traverser le papillon puis tourner, alors que d'autres coureurs vont d'abord tourner, revenir au poste 9, puis traverser pour aller au poste 10. Donc les coureurs, sachant que les coureurs seront de 3 minutes en 3 minutes, donc pour les meilleurs, et qu'alternativement, un coureur sur deux aura soit la première option, donc de traverser puis de tourner, soit l'option de tourner puis de traverser. Voilà, c'est pour expliquer un peu le concept. Nous sommes donc avec Vincent Coupa qui nous a rejoint. Merci Vincent de nous faire le plaisir de vouloir commenter cette course avec nous, cette course homme qui nous attend. J'imagine que tu as vécu avec attention la course dame. Évidemment, c'était super intéressant de pouvoir vivre ça ici en plus. C'est un moment particulier. Eh bien écoute, ça nous fait bien plaisir. Alors on a basculé, Mathieu a commencé l'analyse du parcours. Parle-nous un petit peu de toi, ton analyse, comment est-ce que tu as vu. On va avoir les propositions des choix d'itinéraire qui vont nous être faits juste après. Quelles vont être les clés à ton avis sur ce parcours aujourd'hui et peut-être tu vas revenir aussi sur cette fameuse patate. On retrouve le circuit masculin est sensiblement quand même pareil que celui des femmes, donc je pense qu'on va retrouver la même problématique avec les deux choix qu'on a sur le poste 1-2 et puis ensuite le poste un peu plus, beaucoup plus long 6-7 chez les garçons. Et que les deux sont joués quand même plutôt en restant le plus proche, on va dire, de la ligne droite. Donc je pense pas qu'il y aura d'autres choix qui seront payants chez les garçons. Je pense que c'est ce qu'on avait déjà vu aussi en 2017 sur le long choix qui était proposé au championnat du monde en 2017. Il fallait rester aussi assez proche du trait rouge, donc de la ligne droite, pour être le plus rapide. La start list qui nous est proposée, la liste départ qui nous est proposée avec, vous l'avez vu, hein, le premier Français qui est parti, c'était Axel Pagnier très très tôt ce matin. On avait ensuite le départ de Raphaël Massilia, on l'a dit, hein, 9 Français engagés sur cette course. Après, vous avez pu voir Antoine Becker, vous avez pu voir Quentin Roturier, Maxime Roturier dans les listes de départ, Loïc Capberne bien sûr, Quentin Moulet qu'on a vu tout à l'heure à l'écran. Et Loïc Capberne, effectivement. Alors pour l'instant, à l'arrivée, nous avons Henrik Johannesson, le Suédois, qui a le meilleur temps, 1h44 et 46 secondes, avec en seconde position Etu Savolainen, le Finlandais, Luis Nogueira, l'Espagnol. Alors bien sûr, et vous voyez Quentin Moulet, notre Français, en cinquième position provisoire. 5-22, on va rentrer tout doucement dans cette course.
On va avoir les images qui vont nous être proposées avec les différents favoris du jour qui sont déjà partis. Ça va vous permettre à vous deux, Mathieu et Vincent, de nous parler. On a vu Victor Svens qui est assez loin alors qu'il avait fait un gros début de course. Donc on était concentré sur la course des filles. Donc probablement ça veut dire qu'il y a eu des erreurs. Ça va être Mathieu intéressant. Perrin, par exemple, Mathieu, deuxième qu'on attendait sûrement un peu mieux. Ouais, ça c'est sûr. Alors on sait qu'il est jeune. C'est pas encore son format de prédilection, la longue distance. Il faut encore qu'il se fasse un peu les dents sur ce type de format-là. Mais c'est sûr que c'est une déception de le voir, notamment derrière Quentin. Il est censé être quand même meilleur que Quentin Moulet. Un des premiers favoris du jour, Eskil Kinneberg. Alors en plus, Vincent, je crois que tu l'as mis toi un petit peu dans tes outsiders aujourd'hui. Ouais, moi je l'ai mis sur le podium. En tout cas, Eskil Kinneberg, qui est un Norvégien et qui a plutôt bien tourné aussi sur la course en Suède la semaine dernière. Et puis qui a de l'expérience, champion du monde de moyenne distance aussi, en Lettonie, donc voilà, qui s'est débrouillé sur ces terrains-là. Et qu'on voit arriver là, donc au poste TV. Donc c'est le replay, bien sûr, on propose le replay. C'est un peu comme on a eu sur les filles. Tout à l'heure, voilà, donc avec leurs avancées GPS et le passage au premier pointage intermédiaire, ce qui nous permet d'avoir un petit peu les temps et la course finalement à l'instant T. Ouais, du coup... Est-ce qu'on ne fait pas un petit point favori? La suite des favoris, bien sûr. Ça s'emballe. Eskil Kinneberg. Alors, on va en avoir d'autres, effectivement. On va avoir d'autres, bien sûr, d'autres coureurs, puisque tous les coureurs sont partis. Eskil, il faut savoir, il avait déjà été champion du monde. C'était en moyenne distance, mais c'était il y a un petit moment. Mais c'est quand même un coureur solide qui montre qu'il est capable d'aller chercher des médailles. Donc, oui, c'est pas une surprise que Vincent puisse le mettre parmi ses favoris aujourd'hui, notamment parce qu'il est plutôt en forme ces derniers temps. Donc son temps au pointage intermédiaire, 22-01. Donc là, c'est le poste 6, à l'image des filles, donc ils s'arrêtent parce qu'on a le très très long choix et qu'ils n'ont pas toujours eu l'occasion d'anticiper en arrivant avant. Et donc, il faut prendre le temps de ne pas faire de bêtises. Mika Kermoula maintenant. Alors, est-ce qu'il fait partie de vos favoris ou pas? Non. Elias Kuka, pardon, excusez-moi. Voilà. Elias Kuka. Alors, Mika Kermoula, oui. Mais là, en l'occurrence, oui. Il partira plus tard. C'est pas forcément quelqu'un qu'on attend, mais voilà, pour avoir vu un peu son début de course depuis une heure, il est plutôt bien parti. Et donc, c'est peut-être aussi pour ça qu'il le montre maintenant à la télé. C'est qu'il a fait un bon début de course, donc ça peut devenir une personne qui peut s'en sortir correctement sur ce terrain. Je pense que de toute façon, d'ordre général, les Finlandais peuvent bien s'en sortir. C'est ce que j'allais dire, donc qui peuvent leur plaire. Tu as raison de souligner que les Finlandais, ils sont pas très très loin de l'Estonie, et c'est des genres de terrain, l'air de rien, qui ressemblent quand même pas mal à ce qu'ils ont, et ils ont la capacité aussi d'aller facilement s'entraîner en Estonie, donc ils sont quand même plutôt à l'aise sur ce genre de terrain. Une heure de ferry entre l'Islande et c'est quand même plus simple que pour certains autres pays. Et puis bon, on l'a vu chez les Finlandaises, ça a l'air de maîtriser le terrain pas trop mal. Donc Elias Kuka qui est à l'écran, alors que je crois qu'on va pouvoir avoir une petite interview pendant ce temps-là, en même temps qu'on découvre les débuts de course des différents coureurs, avec Quentin Moulet qui sera dans quelques instants avec nous en direct pour avoir son interview, en sachant qu'on vous rappelle que Quentin Moulet, c'est le meilleur français à l'arrivée avec le cinquième temps pour l'instant provisoire en 1h40. Voilà, Quentin Moulet. Christophe, si tu nous entends, à toi la parole, donne-nous un petit peu les impressions de Quentin Moulet sur le meilleur français à l'arrivée. Oui, tout à fait, Robin. Enfin, moi, je ne vais pas les donner, c'est lui qui vient de nous donner ses impressions. Donc, Quentin, meilleure performance pour les Français aujourd'hui. C'est quoi tes impressions, ton sentiment? Je suis plutôt content de ma course. Je ne suis pas parti méga vite, je suis parti sur un rythme qui me permettait de bien maîtriser. J'étais bien en maîtrise tout le début. J'ai fait deux erreurs notables quand même à la 20, à la 24. Mais sinon, j'ai réussi à garder un focus quand même suffisant sur la fin de course. Du coup, je suis assez satisfait. Après, c'était dur à la fin. Le terrain, il est vraiment usant. Et je pense que tout le monde en chie quand même. Mais moi, je me suis bien fait plaisir. C'était bien sauvage et tout. Là, il y a une grosse rivière à traverser. C'était sympa. Allez, donc le côté sauvage avait été effectivement noté aussi par les filles, donc on voit que tu l'as apprécié. Et donc effectivement, c'est ta qualité d'exécution qui a fait la différence, tu penses, rester en contact? Ouais, carrément, je pense que j'étais toujours savoir où j'étais.
Et du coup, bah, ouais, j'avais l'impression d'être en maîtrise quasiment tout le temps, bah, sauf les deux fois là où je me plante. Et du coup, ouais, je pense que ça, bah, ça permet voilà, d'éviter des erreurs qui peuvent, bah, où on peut vite perdre beaucoup de temps sur ce terrain. C'est difficile de se recaler, c'est vachement diffus, il y a peu de visibilité. Et du coup, on peut vite lâcher 3 minutes sur un poste. Voilà, un retour à chaud de la part de Quentin. Merci Christophe. Sur cette belle course. Merci Quentin. Merci Christophe, merci Quentin. C'est super de pouvoir avoir quelques infos comme ça de l'équipe de France. Alors que là, peut-être un petit mot. En plus, Vincent, toi, tu connais bien Quentin, vous êtes du même club. Je sais qu'il a énormément préparé ses championnats d'Europe, notamment en termes de simulation. Oui, c'est quelqu'un qui sait et qui aime se préparer correctement. Il a aussi réalisé un stage de préparation de son côté sans la fédération, qui n'a pas organisé cette année à cause du programme qui était très chargé. Donc voilà, il a quand même mis l'accent dessus sur ce championnat d'Europe pour être préparé le mieux possible. Et puis bon, aujourd'hui, ça paye plutôt bien parce que je pense que ça fera un résultat qui sera dans ses objectifs qui étaient de top 30, exactement. Top 25. Donc top 30, qu'il sera, vous avez là, dit. Donc je pense qu'il sera là, pas loin de ça. Vous venez de voir à l'arrivée, c'était intéressant, avec Olli Ojanao, le Finlandais. Olli Ojanao qui a pris le meilleur temps provisoire à l'arrivée en 104 minutes et 39 secondes, c'est-à-dire 1h44. Merci. Et 39 secondes. Encore un peu loin des 93, des 96. Non, c'est pas si loin du coup. On est qu'à 8 minutes du temps attendu. En tout cas, les traceurs seront moins mauvais. Le traceur sera moins loin du temps attendu chez les garçons que chez les filles. On revoit toujours, on nous refait un petit peu le point sur ce qui s'est passé pendant la course dames sur cette course homme. Et là est mis à l'écran Rudolf Zernis, le Letton, qui n'est pas forcément, j'imagine, un de vos favoris, messieurs, mais qui a fait un gros début de course, et donc c'est pour ça qu'on nous le propose. On va peut-être continuer avec le reste des favoris, hein, puisque derrière on va très vite basculer dans la course. Alors on l'a dit, bien sûr, on en connaît un certain nombre, les Scandinaves sont toujours bien présents. Je vous laisse peut-être la primeur de nous dire, de nous dévoiler vos favoris du jour. Ouais, alors je vais laisser Vincent s'avancer là-dessus. Juste, on a quand même eu une liste de départ qui a été un peu bouleversée au dernier moment, notamment, on en avait parlé rapidement, par le fait qu'on avait pas mal de Suisses qui sont restés sur le carreau, malades, et pas des moindres, hein, parce qu'on avait quand même Mathias Kiburt, qui était forcément parmi les favoris, vu son palmarès. On a aussi... Daniel Humann, du coup, qui, on en avait parlé aussi pendant les championnats du monde, et cherche à finir sa carrière en beauté. Hein. Il est plutôt sur la fin de sa carrière, à l'image de Vincent qui nous accompagne. Sauf que lui, il est encore là-bas à se bagarrer, hein, ce qui est assez incroyable au niveau de la longévité. C'est le recordman du monde, le recordman des médailles en championnat du monde. Et là, il n'en fera pas une de plus parce qu'il est malade aussi. Donc voilà, et puis on a aussi les frères Sild qui sont les locaux qui avaient sans doute des grosses ambitions sur cette course à domicile et qui, il me semble, n'ont pas pris le départ non plus. Donc ça fait quand même voilà, quelques favoris en moins sur la liste, une liste qui était déjà pas énorme. On se faisait quand même la réflexion que c'était relativement ouvert pour les places dans le top 6, on va dire, même si on a quelques favoris vraiment pour les médailles, dont Vincent, tu vas peut-être pouvoir nous détailler tout ça. À l'écran, on a le replay de Magne Deli. Justement, Magne Deli, coureur norvégien aussi, comme son collègue Eskil Schinneberg, du club d'Alden, que j'avais plutôt positionné aussi dans mes favoris. C'est un terrain sur lequel il est aussi plutôt à l'aise, et les longues distances aussi, il apprécie ce genre de format. Il a généralement une bonne fin de course, donc voilà, même s'il est un petit peu en retard à mi-course, il peut aussi, il sait finir correctement. Ouais, il est carrément réputé pour ses fins de course, plus que ses débuts de course, il est souvent un peu diesel, donc c'est pas une surprise de le voir un peu décrocher, mais ça veut pas dire qu'il sera pas là dans l'emballage. Et notamment parce que même s'il commence quand même lui aussi à avoir de la bouteille, il est souvent quand même là pour jouer les médailles sur les dernières courses de grands championnats.
Magnodelli, effectivement, alors on nous repasse son image du premier temps, du premier pointage intermédiaire, qui est en retard hein, sur le meilleur temps. C'est toujours le cas. Mais voilà, c'est rarement vu parmi les premiers sur un premier intermédiaire. Dans le même temps que Quentin Moulet. Voilà, sachant que là, en plus, il a fait une erreur de presque une minute sur le poste 1, donc ça l'a, voilà, ça l'a un petit peu, décalé. Alors, nous vous en voilà un gros client au départ, même si je crois qu'il n'a pas fait un super début de course, Vincent. Eh bien non, Gustav Berman qui partait juste derrière Magnodelli, donc c'était aussi potentiellement un groupe qui aurait pu se former avec Magnodelli. Mais pareil, il a pas fait il perd quasiment une minute sur le poste 1, donc après il s'est relancé. Et voilà, ça reste un prétendant, je pense, pour un podium. Mais ouais, son démarrage n'est pas excellent. Et d'habitude, on le connaît beaucoup plus précis que ça sur ses débuts de course. Notamment techniquement, parce qu'on sait un des meilleurs techniciens au monde. On rappelle quand même, il est numéro 1 mondial en forêt. Il est monté en puissance ces dernières années. Il a un petit peu la réputation de passer à côté sur les courses de grands championnats. Il n'a pas tant de médailles que ça en individuel sur les grands championnats. Mais il a pris une vraie épaisseur ces dernières années au très haut niveau. Et maintenant, on attend de lui qu'il soit capable d'aller chercher les médailles un peu sur toutes les courses, en forêt en tout cas. Mais c'est vrai aussi, on peut peut-être ajouter qu'il a mis un gros focus cet hiver pour préparer le championnat du monde de sprint, parce qu'il n'est pas considéré comme un sprinter. Il avait vraiment envie cette année où on avait un championnat 100% urbain de montrer qu'il savait faire aussi, et puis il aime ça. Donc il s'est beaucoup plus préparé pour du format urbain que de la forêt. Alors est-ce que ça joue aussi dans son niveau de forme sur la forêt? Je suis pas sûr. Il a montré quand même à Loringen la course des 5 jours qu'il était quand même là. Il a remporté les 5 jours de Suède. Et, facilement. Donc voilà, ça fait et partie puis, des... Voilà, sur un terrain comme ça, en plus, où il a une très bonne maîtrise de sa boussole, de la direction. Et sur un terrain comme ça où il faut être justement très précis, je le vois mal en tout cas refaire des erreurs. Ouais, c'est intéressant, d'ailleurs on peut le voir maintenant là, hop, à l'instant, c'est un des rares qui utilise encore une boussole plaque. Donc maintenant on sait qu'on a des boussoles pouces, donc des boussoles qui se tiennent avec un élastique au niveau du pouce. Et lui il travaille à l'ancienne avec une boussole plaque, une plaque de plexiglas, ce qui a des caractéristiques différentes mais qui permet d'être un poil plus précis sur des directions à tenir sur des longues distances. Et c'est marrant de voir que le meilleur mondial fonctionne encore avec... Marika Tainy aussi, tout à l'heure, était encore aussi en boussole plaque. Voilà, Marika Tainy aussi. Mais sur ces terrains-là, qui sont diffus, avec des directions difficiles à tenir dans la végétation, probablement que ça joue un rôle quand même et que ça les aide à garder des directions. Ouais. Martine Rekborn qui nous est proposée. Alors après, j'ai une petite question. Je ne sais pas si vous voulez qu'on parle de Martine Rekborn. Oui, quand même. Parce qu'il fait partie des potentiels... coureur à la médaille, et parce qu'il il a montré qu'il était en forme ces derniers temps, et que oui, je pense qu'on peut le compter parmi les outsiders à la médaille aujourd'hui. Moi je l'avais positionné sur la deuxième marche, donc je le positionne aussi sur le devant. Martin Rekborn, oui, à l'image de Thierry, alors puisque on l'a vu tout à l'heure en interview, Thierry, le coach des Finlandais, l'avait lui aussi mis sur la deuxième marche du podium, Rekborn, donc je pense qu'on peut en parler. Donc Martin Rekborn que vous avez sur son replay, qui est venu améliorer le temps de Eskil Schneeberg, vous le voyez. Martin Rekborn qui avait donc le meilleur temps provisoire à ce premier intermédiaire. Maintenant il a été un petit peu battu, notamment par Emil Svenks, son collègue suédois. Mais à l'instant où il est passé, il avait pris le meilleur temps provisoire. Donc effectivement il est plus que dans le match. Un petit peu dommage pour lui, il avait rattrapé Joey Adorn qui partait 3 minutes devant lui, mais il est 30 secondes derrière celui-ci n'est pas resté avec, donc il va continuer sa course tout seul et puis ça peut quand même très bien se passer. Bien se passer, mais voilà, je l'attends en tout cas moi à faire une belle performance sur ce terrain. Allez, là je crois que par contre, on a le champion du monde en titre maintenant, on nous remontre son départ. Casper Fosser, je vous laisse nous en parler. Oui, moi j'ai 2-3 trucs à dire. Alors, on a beaucoup de choses à dire en général sur Casper Fosser. On va être plus léger parce qu'il ne l'avait pas forcément mis dans... Il y croit moins. Et c'est difficile quand même, un peu à l'image d'une Tove Alexanderson, mais il faut savoir que Casper Fosser a quand même écrasé les dernières longues distances qu'il y a eu en grand championnat. Mais vraiment, écrasé, c'est peu de le dire. Et du coup, on a quand même
c'est quand même difficile de pas. Même si là, on voit à l'écran qu'il n'a pas fait un super départ. Alors maintenant, pour contrebalancer ça, parce que c'est là où je dis que j'ai un peu des infos, je suis allé lire un peu sur les sites de la Fédé norvégienne. En fait, il n'a pas pu bien s'entraîner après les championnats du monde format urbain en juillet. Il n'a pas pu s'entraîner autant qu'il aimerait. Et du coup, pour lui, il estime qu'il ne va pas avoir la capacité de tenir un tempo suffisant sur toute une longue distance. Et il ne se voit pas forcément faire sa meilleure course sur la longue distance. Lui, il mise plutôt sur la moyenne distance. Donc voilà, on va voir s'il a, un bon feeling vis-à-vis de ça, mais on sait qu'il est souvent quand même il bagarre avec des petites blessures, notamment parce qu'il a des volumes d'entraînement assez impressionnants, et donc forcément quand on s'entraîne beaucoup, on a souvent des petits pépins, et souvent en fait il est quand même là le jour J. C'était le cas sur tous les derniers championnats, en disant ouais, j'arrive pas très bien préparé. Là par exemple, il a quand même annoncé, je me suis jamais senti aussi mal préparé avant un grand championnat. Alors que là, à l'arrivée, on va reparler derrière, bien sûr, de Casper Fosser, mais à l'arrivée, ça va être le nouveau meilleur temps provisoire avec Eskil Schineberg, le Norvégien. Vous nous l'aviez annoncé. C'est pas une surprise. Il est dans le temps. De combien? Eh bien, 4 minutes, quasiment 5 minutes, bien sûr, sur le temps de Oli Oyanao, 1:39:49. Il est presque dans le temps annoncé de gagne. Ouais. Il y a 3 minutes, c'est en gagne sur presque. Presque. On est très proche quand même là maintenant. Eskil Schineberg, en tout cas, 1:39:49, il faudra aller le chercher. Il faudra aller le chercher. 5 minutes devant Oli Oyanao, qui est quand même pas un super guerrier sur longue distance. On va voir, on va attendre qu'il y ait un peu plus de coureurs costauds pour voir ce que vaut la performance d'Eskil. D'autant qu'on a, on l'a pas. Moi, j'ai pas du tout suivi sa course au GPS, donc je sais pas s'il a fait des petites fautes ou pas. Finir sur les Norvégiens, Vincent, avec Casper Fosser, tu voulais peut-être rajouter un petit mot. Et après, C'est sûr que c'est le meilleur orienteur actuellement, ou en tout cas un des meilleurs orienteurs sur les longues distances encore plus. Je pense que là, il arrive peut-être un petit peu moins préparé, comme Mathieu l'a dit, avec ses petits pépins physiques. Et après. Je sais pas, moi j'avais un peu moins le sentiment qu'il arriverait à maîtriser correctement tous ces jeux de direction, ces zones floues. Voilà, c'est peut-être. Ouais, tu as raison. Mais peut-être que son physique permettra de compenser et puis de. Un peu comme une Tove, parce qu'effectivement, lui aussi a annoncé qu'il avait du mal à bien comprendre, à bien maîtriser le terrain, même si dans ses derniers commentaires avant les championnats, il avait l'air de dire que finalement les choses se mettaient en place. On va parler d'un grand favori peut-être pour vous, puisque c'est Emil Svens qu'on nous propose là sur le replay de la première partie. Emil Svens qui a pris le meilleur temps provisoire sur Martin Rekbord et Eskil Schineberg. Donc Emil Svens en tout cas qui fait un gros départ. Lui pour le coup, faire des gros départs, c'est son habitude. C'est son habitude. Particulièrement sur longue distance, il est toujours là en début de course. Alors moi je sais pas. C'est ce qu'il pourra je sais tenir. Pas avec Emile. Il a déjà montré que sur des longues il était costaud, qu'il pouvait le faire. Mais je sais pas, j'y crois pas trop. Ça fait un moment qu'on l'a pas vu. Il a un peu galéré avec des petits pépins. En fait depuis le Covid on l'a pas beaucoup vu. Il est pas toujours sorti du bois. Donc j'ai du mal à savoir exactement ce que vaut Emil Svens en ce moment. Il a souvent l'habitude d'avoir un petit trou d'air sur un poste comme ça qui peut l'éjecter du podium. Ouais. Alors Svens et Schineberg qui ont fait le même choix d'Itinéra. Alors essayons de parler un petit peu de ce choix 6-7. Finalement j'ai l'impression que vous nous dites il y a pas de choix. Il n'y a pas de choix. En tout cas, il a l'air très clair, avec un peu de recul déjà, depuis quelques heures que l'on suit cette course. Et on les voit dans la patate. Dans la fameuse patate. La fameuse. Donc on voit, il y en a qu'un en fait qui a fait différemment, qui avait la variation différente des autres en fait. Mais on rappelle qu'ils n'étaient pas groupés, hein. Là c'est vraiment, on les compare Rekbord, là, qui... comme s'ils étaient partis ensemble, mais c'est pas le cas. Alors là on est en direct avec Emil Svens, et vous voyez qu'il est en avance sur le temps de Schineberg qui a le meilleur temps à l'arrivée. Vous voyez que remis dans le temps synchronisé, pour l'instant, Kuka interposé. La petite surprise, c'est Elias Kuka. Elias Kuka, qui est le local de l'étape, le finlandais, qu'on a vu tout à l'heure au départ. Quasi-local, voilà comme on dit. Quasi-local. Et puis Casper Fosser. Même si on attend un peu plus Mika Kirmula, qui a montré qu'il est un peu plus de choses qu'Elias Kuka, mais Elias Kuka, c'est un solide coureur, notamment sur ces terrains-là. On revient sur direct quand même avec une petite surprise. Fabian Abersold, et juste pour préciser ce que vous disiez tout à l'heure sur Eskil Schineberg, manifestement, d'après le GPS, il fait une course plutôt très très propre, avec pas d'erreur visible, donc en tout cas,
La vitesse de course. On a vu une tout à l'heure sur le poste 4 ou 5 là, qui fait vraiment une toute petite, mais voilà, pas grand chose. Donc à voir à si Kermoula justement. Bah, alors, voilà, Mickey Kermoula, on en parlait tout à l'heure, tiens, ça c'est intéressant. Qui perd sa minute sur le premier poste aussi. Ouais. Voilà. Décidément, c'est incroyable ce premier poste, autant chez les garçons que chez les filles. Il aura quand même fait de sacrés dégâts. Je suis pas sûr que le traceur. Une des petites qui pourrait expliquer ça, c'est qu'on a tendance aussi à se focaliser sur ce choix suivant qui arrive. Et du coup, de ne pas forcément être très concentré sur notre poste 1 et en se disant que ça va être facile. On est très proche, on peut déjà commencer à lire ce qu'on va faire sur le poste 2. Et puis faire une erreur à cause de ça. Donc, ça peut être une surtout sur un poste qui a l'air facile sur le papier. Là, c'est dommage, le voilà à l'écran. On a l'impression qu'il avait bien remis du gaz. Et à un moment, il a reperdu un petit peu de temps. Alors, il s'est pris une branche dans le nez, visiblement. Il faut savoir qu'au championnat du monde, il s'était tamponné avec un lituanien. Il s'était fait mal à la côte. Et il paraît qu'il a toujours aussi des problèmes de ce côté-là. Il a une côte douloureuse. Donc, c'est un habitué des gamelles. En tout cas, il passe dans le temps de Casper Fosser, 1,02 de retard sur le temps d'Emil Svengs. Ouais, c'est début de course. Donc, voilà. La minute du poste 1. La minute du là, poste 1, exactement. Ah ouais, ça veut dire que le tempo est bon. Alors, ça me permet, là, on le voit, qui marche finalement, et on a vu plusieurs coureurs marcher. Parlez-nous un petit peu, Vincent, peut-être parle-nous un petit peu quand tu as un aussi long choix. On a vu plus de 20 minutes pour le réaliser. On se dit, pourquoi on part pas tout de suite? Forcément, il faut analyser. Qu'est-ce qu'on va chercher? Qu'est-ce qu'il faut aller regarder comme point? Qu'est-ce qui est important d'aller rechercher dans un itinéraire, dans un aussi long choix d'itinéraire? Le poste, il arrive après une zone où il faut quand même, il y a pas mal de lectures. Donc, je pense que les coureurs n'ont pas spécialement le temps de vraiment anticiper ce qu'ils allaient faire. C'est-à-dire de réfléchir à l'avance avant d'avoir à l'exécuter, de réfléchir à l'avance au choix à réaliser. Donc, c'est pour ça qu'il y en a pas mal qui prennent 10 secondes, en gros, pour bien voir toutes les options possibles qui s'offrent à eux. On va essayer de chercher des zones qui courent, d'essayer de faire le moins de distance aussi. Là, le dénivelé, pour le coup, il compte pas parce qu'il n'y a pas vraiment de dénivelé sur ce terrain-là. Donc on va éviter les zones à la végétation forte et puis les éléments qui pourraient être infranchissables. Donc là, on a le ruisseau, mais finalement qui a plutôt bien passé. Qui quand même se franchit, voire qu'on peut courir dedans. Donc voilà, c'est pour ça qu'il y a quand même beaucoup de coureurs, je pense 80-90% des hommes là, qui ont pris l'option centrale pour essayer de courir un petit coup sur la route et un petit peu sur le chemin. Et après en plus, la fin de l'itinéraire est plutôt dans une zone assez propre. Je pense qu'il n'y avait pas vraiment à aller chercher beaucoup plus loin. Le traceur avait vu des options par le nord ou par le sud, mais qui faisait courir 500, 1 km de plus. Et c'est pas viable sur ce genre de terrain. Ouais, moi juste quelque chose peut-être. Oui, alors maintenant c'est peut-être plus forcément le moment. On voit sur la course le développement de la course. On voit qu'Emil est parti fort comme à son habitude. On voit Martin Rigborn dont on a parlé. Petite faute sur l'entrée du papillon. Là, maintenant Martin Rigborn aussi une petite faute en approche de poste. Ça c'est des petites virgules un peu classiques sur ce type de terrain. On en parlait quand on avait la visibilité 15 millième aussi, un peu basse. Avec une carte au 15 millième. Effectivement, notamment, c'est intéressant de préciser. Ouais, échelle 1 15 millième, 1 cm 150 mètres. C'est plus difficile d'être précis, de lire bien les détails de la carte. Pour le moment, c'est bien groupé. C'est serré, hein, effectivement. Ouais, c'est serré. Sur cette zone-là de la patate, on doit avoir aussi des traces en forêt qui doivent être assez importantes. Maintenant, on a plus de 100 coureurs qui sont passés à cet endroit-là. Sur des postes à postes qui sont relativement courts, où on va tout droit. Donc il doit y avoir, je pense, qu'un petit chemin qui s'est créé. Lucas Liland, que vous avez à l'image, le Norvégien, qui est très très loin, puisque vous voyez qu'au dernier intermédiaire, à plus de 18 minutes. Le temps qu'on est, Lucas Liland, qui est effectivement, évidemment, ne jouera pas la gagne aujourd'hui. Je reviens du coup, on le reverra peut-être, mais du coup, je fais un petit coucou à mes jeunes du groupe moins de 18. Vous voyez, quand on a un long choix comme ça, ce qui est important aussi, c'est de s'arrêter au poste. Et souvent, les jeunes qui vont regarder une course comme ça, où ils vont voir les coureurs enchaînés et tout ça, ils vont dire « Ah, il faut que je fasse pareil ». Et bien non, regardez, même les meilleurs mondiaux, quand ils arrivent devant un long choix, ils s'arrêtent. Et ça, c'est quelque chose qu'on essaie de leur répéter. On part pas du poste avant d'avoir fait son choix. Il vaut mieux s'arrêter 10 secondes au poste que d'aller perdre 3 minutes sur le mauvais choix. Et ça, on essaye vraiment de leur apprendre ça dès le plus jeune âge. Et parce que voilà, quand on voit les images des meilleurs mondiaux en forêt, on a l'impression que c'est très fluide, qu'ils s'arrêtent jamais. Si même les meilleurs mondiaux, ils ont besoin de s'arrêter des fois, et la preuve en image. Pour créer et construire cet itinéraire, donc vous avez bien expliqué.
Je pense qu'on peut peut-être faire un petit focus sur notre équipe de France. On a eu tout à l'heure Quentin Moulet en direct, c'était top, et donc effectivement qui fera bien la meilleure performance aujourd'hui. Alors on verra. Ouais, juste, on a vu Martine qui est allée chercher le pont là, alors qu'il y a moyen d'aller sous-outrer et de traverser la rivière. On voit que ça lui a pas fait gagner de temps, mais il est quand même toujours là, la bagarre. On va attendre de voir ce que nous propose là. La production avec en direct à Emil Svengs. Petite erreur, et bien il Rekborn aussi, un peu loin, alors qu'on a Elias Kouka qui est. Ça va être intéressant puisque Elias Kouka était annoncé avec le deuxième temps provisoire sur juste avant l'arena. Et bien effectivement, il va venir s'intercaler entre Schinneberg et Oyanao, mais plus près de Schinneberg. Ouais, bah c'est. Évidemment, et il y a super temps pour Elias Kouka, hein, belle course. C'est costaud. C'est solide. C'est costaud, ouais. En tout cas, les Finlandais qui font une forte impression. Ça va faire un beau résultat. Un beau résultat. D'ensemble. Ouais. Ouais, allez, 35 secondes, voilà. Avec le petit roulé-boulé à la Olav Lundanes. Pour ceux qui se rappellent du coureur norvégien. Elias Kouka. Rudolf Zernis, qui on nous remontre. Au deuxième intermédiaire. Dans le match, non, ça veut dire. Il va être. Non. Non, il est au-delà de la. Il va être. Alors, oui, il va être légèrement dans le match actuellement, mais maintenant, il est à la 20e place. C'est un copain du réalisateur. Je pense. Après, dans les 10 derniers aussi, à s'élancer, donc c'est aussi peut-être pour ça qu'il a encore montré. Quasiment 9 minutes de retard, il va être un peu loin. Alors, juste avant qu'on bascule, effectivement, vraiment sur Money Time et la fin de la course, juste un petit mot sur les Français. On a vu tout à l'heure. Quentin Moulet qui a fait la meilleure performance. On attendait le résultat de Loïc Caberne qui n'était pas encore arrivé. On a un tout petit nouveau. On a un petit nouveau qui participe pour sa première compétition internationale. C'est Axel Panier. On l'a rencontré. On a une petite interview à vous présenter. C'est intéressant d'aller à sa rencontre. Il était d'ailleurs justement depuis Öhringen, ces fameux 5 jours de Suède. On écoute Axel Panier. J'étais un peu dans l'optique de juste courir du mieux possible. On en avait déjà discuté avec les coachs et tout, et je savais que ça allait être une sélection très difficile. Mais j'y suis venu avec un état d'esprit un peu d'outsider et je voulais bien faire, mais sans trop faire. Et donc finalement, ça s'est bien goupillé. Les courses ont été dans l'ensemble plutôt bonnes. Donc ce qui m'a permis d'avoir cette place sur la liste réserve. Alors cet entraînement, il consistait à refaire un petit peu de volume, refaire pas mal de CO pour quand même arriver prêt et disponible au niveau technique sur la compétition, retravailler les bases, retravailler les routines et pour arriver le mieux préparé possible, en tout cas à l'EOC au niveau technique, et après au niveau mental, essayer de se préparer, de visualiser un petit peu ce qui est important. Ouais, donc c'était une compétition que j'avais prévue déjà en amont de l'EOC. C'est complètement une compétition de préparation finale où on peut refaire de la CO de qualité sur des super beaux terrains avec un vrai, vrai niveau et où on peut mettre de l'intensité sur des super tracés et pour faire beaucoup de CO, beaucoup de postes, mais pas générer trop de fatigue et donc pas arriver un petit peu en dette d'énergie au championnat d'Europe. Oui, je me suis déjà fixé des objectifs un petit peu personnels qui sont réalistes, je pense. Donc je sais qu'il va y avoir un très très gros niveau et que je ne peux pas m'attendre à faire des places dans le top mondial, mais je me suis dit peut-être quelque chose comme top 50, top 40, ce serait sur la longue distance. Ce serait vraiment, vraiment super. Et après, sur le relais, juste essayer de faire au mieux. C'est un format un petit peu moyenne distance, donc me convient bien plus. Oui, tout à fait. Déjà, ça va me permettre donc, de prendre énormément d'expérience parce qu'une première compétition en senior, c'est toujours hyper bon à prendre. Et ensuite, ça va me laisser une porte ouverte pour la Coupe du Monde en Suisse, donc en fin d'année, en fin de saison. Car les sélections pour cette Coupe du Monde dépendent des résultats internationaux de l'année. Donc sans cette EOC, je ne pouvais pas du tout faire la Coupe du Monde en Suisse.
Donc, j'ai une possibilité de faire deux compétitions internationales avant la compétition phare qui est donc le championnat du monde l'année prochaine. De retour, voilà, sur le plateau, avec, c'était important de pouvoir vous parler d'Axel Panier, le petit nouveau de cette équipe de France, alors que voilà, nous allons rebasculer bien sûr juste après sur le direct avec Gustave Bergmann que vous avez à l'écran, qui n'a pas l'air, qui est un peu loin maintenant. Et Martin Reckborn. Non, c'était bien Gustave. Et le problème, c'est qu'ils partaient 3 minutes devant Martin. Ils sont 3 Suédois ensemble. Hein. Ouais. Et que bah, du coup, ça veut dire que Martin. Martin Reckborn est très très bien, puisque 26 secondes seulement d'écart avec Schneeberg au deuxième intermédiaire. Et là, pour Gustave, c'est dur. Hein, quand on se fait reprendre 3 minutes par son collègue, on sait qu'on n'est pas forcément dans le match. Donc il doit pas mal cogiter. Là. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse là, pour reprendre en main la course. Et du coup, bah oui, c'est Martin Reckborn qui tire son épingle du jeu chez les Suédois pour le moment. Une bataille encore entre les Finlandais, les Norvégiens et les Suédois, sans grosse surprise. Alors, faut savoir que Martin Reckborn, il habite dans un coin qui ressemble un petit peu à ces forêts-là, qui est avec des forêts un peu sales. Donc, ouais, il doit se sentir plutôt à l'aise, visiblement. Et puis ça, on voit ça aujourd'hui, il est à la bagarre. Martin Reckborn, effectivement, qui a l'air d'être plutôt en avance, ou enfin en tout cas juste derrière le temps de Eskil Schneeberg, alors que là c'est Max Peter Beimer qui va en terminer. Sa fameuse moustache. Et la fameuse moustache de Max. Qu'on a vu au championnat du monde. Qui est loin, très loin. Alors lui aussi, il avait fait un focus sprint sur les championnats du monde. Et il est allé aussi aux États-Unis pour le World Games. Donc voilà, est-ce que ça fait pas, est-ce que c'est pas la compète de trop ? On peut se demander, ouais. On verra. On verra. Il y a encore deux courses pour nous faire mentir. Et juste pour terminer tout à l'heure sur nos Français avec Axel Panier que vous avez vu, et pour leur vous dire que pour la première fois, Antoine Becker également participe à un championnat international chez les seniors. Et puis Raphaël Massilla, effectivement, qu'on a vu qui partait très tôt. On vous donnera tout à l'heure les résultats de l'ensemble de l'équipe de France quand la course sera terminée. Oui, comme on avait dit, une équipe rajeunie. Hein, donc c'est bien d'emmener des jeunes. Voilà, ils vont se frotter au très haut niveau. Ils engrangent de l'expérience. C'est bon pour plus tard. Pour la suite. Puis sur les longues distances comme ça, c'est important de pouvoir commencer à en courir assez jeune parce que c'est ce qui permet de forger un peu le caractère et l'expérience. Ouais. Et c'est ce qui resservira après puisque comme Mathieu l'avait dit en début, on n'a pas tout l'occasion d'en faire souvent des courses comme celle-ci. Longues, difficiles, avec tout ce qui va autour, la médiatisation, donc voilà, la petite pression supplémentaire. Donc il faut pouvoir en profiter pour que ça puisse servir aussi pour la suite. On le rappelle, Vincent, en 2017, sur alors des terrains plus ou moins similaires, c'était les championnats du monde en Estonie. C'était toi qui avais fait la meilleure performance française sur cette longue distance. 15e, pardon, pas dit de bêtises. Donc voilà, il fallait les clés. Donc on a parlé de la boussole, on a parlé du physique, on a parlé de la lecture avec la végétation. Et puis, est-ce qu'il y a d'autres ingrédients à aller chercher sur la longue distance. Il faut toujours savoir gérer un peu des temps faibles et des temps forts, comme on appelle. Ouais. Il y a des moments où il faut un peu relâcher la tension parce qu'on ne peut pas garder pendant 1h40, 1h50 la tension au maximum. Donc il faut savoir un petit peu relâcher les choses. Et puis d'autres moments, par contre, il faut savoir se remettre dedans parce que le moindre petit poste qu'on prendrait peut-être un petit peu à la légère pourrait coûter cher. Donc il faut savoir gérer, osciller entre être bien concentré, relâcher, pour pouvoir tenir toute la longue distance. Et pour pouvoir tenir, donc pour l'instant, 1h39-49, Eskil Schneeberg, on nous a montré à l'écran, qui a 35 secondes d'avance sur le temps d'Elias Kuka, le Finlandais. Et le troisième temps, pour l'instant, c'est toujours Oli Oyanao. On attend dans quelques instants, dans quelques secondes, Casper Fosser, qui devrait nous être montré au poste TV numéro 2. Et puis ensuite, ça sera Emil Zwengs. Et pour l'instant, c'est les deux seuls qui sont vraiment dans la bataille, avec Mika Kermula un petit peu derrière. Mais là, ça va être très intéressant de voir le temps de Casper Alem Fosser. Alors, le poste télé 24-25. Vous voyez Fosser qui est... on nous repropose. Donc on est bientôt avec lui en direct. Sans surprise, il est là dans le match. Hein. Ouais, effectivement. Ouais, il écrase pas la course.
comme il a pu le faire sur les précédentes longues distances de Grand Championnat. On voit qu'encore sur le post 23, il relâche encore 30 secondes. Ouais. Voilà, c'est voilà, le genre de risque. Il n'est pas complètement en place techniquement sur ce genre de terrain, mais il l'est suffisamment pour pouvoir être à la bataille. Et je pense que c'est... Ouais, c'est ce qu'il espérait à minima. Ouais. La déception, c'est plus sur Gustav Bergmann. À chaque fois, on dit, bah, Gustav, ça y est, maintenant, c'est le numéro 1 mondial. Il faut qu'il le prouve un peu sur les grands championnats. Et souvent, course après course. Alors oui, des fois, il sort des bonnes longues distances, mais sur un Ogringen, sur des courses à enjeu moindre. Course nationale suédoise, etc. Voilà, sur les nationales suédoises, il est imprenable. Ouais. Franchement, il les remporte toutes. Mais alors voilà, quand on arrive sur les courses de grand championnat. Quelle est l'explication alors? Est-ce que c'est un problème de préparation mentale? Est-ce que c'est un problème de... On se dit que s'il arrive à le faire aussi bien en Suède, c'est pas une question de technique ou une question de physique, puisqu'il arrive à tenir des longues distances d'1h40 en Suède sur des terrains exigeants. Et est-ce qu'il y a un petit manque de confiance? J'irai dans ce sens-là, mentalement. C'est comme quand on court à la maison en Suède. Voilà, il sait qu'il maîtrise, il sait qu'il a de la marge. Il court plus relâché, il fait pas de faute. Mais quand il arrive au niveau international, c'est des terrains qu'il maîtrise moins. Il a moins de marge sur le reste. Il se met peut-être un peu trop de pression. Et il peut avoir tendance un peu à surjouer. Et mentalement, des fois, il craque. Il peut avoir tendance à baisser les bras, à craquer complètement. Donc il n'a pas encore réussi à mettre en place... sur les courses internationales, ce qu'il est capable de faire chez lui en Suède. En tout cas, ça sera donc pas le jour de Gustav Bergmann, c'est sûr aujourd'hui. Par contre, Kasper Schauffele, vous l'avez vu, avec tout le temps une minute, hein, il est toujours resté à une minute d'écart, très stable, avec le meilleur temps à ce deuxième intermédiaire d'Eskil Schinneberg. 5 minutes du premier poste. Kasper Schauffele. Exactement, la minute du premier poste est encore là. La minute du premier poste pour l'instant, il faut espérer qu'il n'y a pas jusqu'au bout. Alors si on dit que ça a joué une minute et que c'est une longue distance de 90 minutes et plus, c'est joué sur le premier poste, qui est à 100 mètres du triangle, ce serait quand même incroyable. Ça serait incroyable, mais en tout cas pour l'instant, Kasper Fosser qui est dans le match pour la médaille, en tout cas, avec Elias Kuka juste devant lui. Il a perdu aussi un peu de temps, il a perdu un peu de temps, il repère du temps en direct, il est en train de faire une petite erreur. Un peu comme Tove Alexandersson tout à l'heure, j'ai l'impression, c'est le même poste, il est passé du mauvais côté de la colline. Et bon, c'est des petites virgules, hein, mais à chaque fois. Voilà, c'est ça. On est un peu dans le cas de figure de Tove. Il a perdu moins de temps, hein, mais il a aussi moins de marge. Donc, 1 minute 10 de retard pour Kasper Fosser. Et donc, du coup, le meilleur temps ici, hein, c'est toujours Eskil Schinneberg avec 25 secondes derrière Martin Rekborn. Et le troisième temps pour Elias Kuka. On nous propose un petit récap. Alors, ça, c'est les temps entre de la 6 à la 8. Avec le meilleur temps pour Max Peter Beimer, ben voilà, ça va être intéressant de voir par où il est passé. Puisque tous les concurrents. On voit que ça n'a pas fait d'énormes écarts, ce bizarre que Beimer soit le meilleur temps, sachant qu'il est. Ça n'a pas fait d'énormes différences aussi, parce qu'ils ont fait un petit peu tous le même, sauf Martin qui visiblement n'est. Alors les Suédois, je pense, ils ont pas tous bien la règle en tête au niveau de la rivière infranchissable, parce qu'on a vu aussi Sarah faire des détours pour éviter d'avoir à traverser la rivière. Bon, ce qui n'est pas le cas d'Emil Svensk, donc c'était pas des consignes que les coachs ont pu donner en disant il faut pas traverser les rivières. Mais en tout cas, il y en a certains, à l'image de Martin Rekborn là, qui perdent du temps en faisant des détours qui sont pas indispensable. C'est dommage pour lui parce que là c'est quasiment 2 minutes qui s'en vont. Exactement, et c'est vraiment un endroit où il perd beaucoup de temps, sans faire de faute, juste parce que pour une méconnaissance probablement du règlement, où il n'a pas osé. Ça c'est du temps perdu bêtement. Ouais. Alors qu'on voit, il est complètement dans le match. Il est carrément dans le match, Martin Rekborn, effectivement. Il est passé à seulement 25 secondes du temps d'Eskil Schinneberg au dernier pointage intermédiaire. Il est juste derrière. On rappelle, hein, le 13, c'est une minute. Il y a une trentaine de secondes, hein, d'écart pour l'instant. Et on a déjà vu Eskil Schinneberg sur ce poste 28-29. On a vu que c'était pas donné. Par rapport à Elias Kuka, il y avait eu des petites virgules. Normal, où il faut se battre dans la VG. Donc on va voir comment Martin... Rekborn s'en sort à ce niveau-là, il y a peut-être moyen d'aller récupérer ce temps-là. On est en direct, hein, avec Martin Rekborn en bleu, hein, vous voyez, qui est juste dessous l'incrustation de Schinneberg. Et donc Rekborn, hein, qui avait 25 secondes de retard à la balise numéro 24, c'est-à-dire juste il y a quelques minutes. Le choix d'Elias Kuka, on va le voir, il va descendre, prendre le long des petits pointillés noirs, une limite de végète.
Bon, c'était pas si mal. On va voir si Martin Rigborn, non, il a l'air de passer vraiment très rouge. Il faut se rappeler aussi que Martin Rigborn est accompagné de deux autres Suédois qui sont pas là sur l'image GPS. Effectivement, il court à plusieurs, avec Bergman, tout à fait, entre autres. Et donc ça... Peut-être, en tout cas, c'était le cas au TD. C'est confirmé, avec Bergman sur le GPS, donc effectivement, il est pas tout seul. Donc d'accord. Voilà, ça met quand même... Un parachute de sécurité, ah, c'est intéressant. Ça peut aider. On dirait qu'il gratte. Il gratte voilà. Un peu de temps. Vous le voyez en direct. Martin Rigborn qui reprend sur Schinneberg. Il a tenté d'être plus à droite pour aller chercher la limite de végétation de la zone un peu ouverte. Martin Rigborn, lui, fait le tout droit. On va voir. Le problème des skills, c'est qu'il tombe après dans une zone qui est quand même très très dense en VG. Alors que Martin Rigborn va être dans une zone un peu plus blanche. Donc, ça garantit rien. Hein. Il peut très bien. Se tanker dans du VR derrière, on voit que c'est vraiment c'est une zone qui n'est pas évidente. Intéressant, alors que là nous allons basculer, on va revenir sur le deuxième sur le avec Emil Svengs qui était en tête jusqu'à présent, qui course en tête avec plus d'une minute d'avance, hein, avec 43 secondes exactement d'avance au dernier pointage intermédiaire sur Martin Rigborn. On attend Emil Svengs. Il est toujours en tête, hein. Il est toujours en tête pour le moment. Il était. Voilà, ouais, une seconde tout simplement. Ouais. Voilà, autant avant. Donc bien ça. Alors est-ce que la tendance rien va du s'inverser tout. Est-ce qu'il va passer derrière? Vous l'aviez dit. On l'a dit. Qui part fort. Il part toujours très très fort. Et après la difficulté, ben, c'est de tenir ce rythme-là sans exploser. Et souvent, c'est pas forcément physiquement qu'il explose. C'est aussi et mentalement. Voilà. Et ben voilà. On est en direct donc avec Emil Svengs que vous voyez et le temps à battre c'est Schinneberg Rigborn et là il est parti pour un petit moment on dirait parce que c'est le recalage du non il va se recaler hein, mais c'est sûr que il n'était pas précis dans le. Je pense qu'il a pas eu le poste. Je sais pas ce que. Non, il a pas eu le poste. Il a dû passer vraiment très proche. Il pense être à droite du poste. Oui, il a vraiment dû passer. On devine bien. On voit bien ces deux cercles là. Avec sur la gauche de la balise, vous avez effectivement ce cercle où passe Kuka en ce moment. Et il se croit là, et alors qu'il est à droite. Quoi. C'est un peu ce que je disais tout à l'heure. On a une zone d'un temps faible sur le chemin où on peut relâcher un peu la tension. Et là, on rentre dans une zone très diffuse avec. Il y a pas beaucoup de. Il y a beaucoup d'éléments. Mais qui ne doivent pas être très très gros. Et c'est malheureusement et voilà. Pour lui souvent le cas, cette difficulté de rester concentré dans les moments clés sur toute la longueur de la course. Et il a des fois où il dégoupille, hein. On se rappelle de certaines courses, même en sprint, où d'un coup il saute un poste. Où il... Le voilà. On va aller voir, on va voir son temps. Il a dû forcément passer derrière. Ouais, il est déjà derrière, effectivement, il est déjà derrière le temps des Skill Schinneberg, il est derrière le temps de Martin Rigborn. Et il est derrière le temps d'Elias Kuka. Donc effectivement, il a perdu. Alors maintenant, est-ce qu'il va être dans le même temps que Kasper Fosser, c'est-à-dire un peu plus d'une minute derrière Eskil Schinneberg? Même plus que ça. Il doit être un peu plus. Hein. Pourtant, le poste était un petit peu plus visible que d'habitude, vu qu'il y avait les panneaux publicitaires et la caméra. Donc il a dû passer un petit peu trop loin. Emil Svengs, vous voyez, hein, là on est vraiment dans le cœur de la course d'orientation avec un concurrent Emil Svengs suédois qui est parti fort, qui est parti très fort, qui avait du vert à tous les intermédiaires. Et là, sur un petit temps faible, comme tu disais Vincent, et ben, il a perdu un petit peu le fil et bien on perd vite une minute. On est déjà à plus d'une minute. Ça ne joue pas grand chose, hein, parce qu'on a vu sur le GPS, il était quand même dans le cercle, il était vraiment pas loin. Donc, là on est vraiment au cœur de la course d'orientation et il faut rester concentré. Ouais, on voit aussi le caméraman, ça permet de montrer un petit peu l'autre facette. Voilà les nouvelles technologies. Emil Svengs. Qui permettent d'avoir des images en forêt. 1:26 de retard pour lui. Ouais. Cinquième temps. Ah, ça alors, va être compliqué, non? Ça va être compliqué après pour revenir. C'est serré dans le top 5. On voit, ils sont 5 en 1 minute 26. C'est donc il y a encore moyen de récupérer un peu. Il était en avance, hein. Il était sacrément en avance. Ouais, mais encore, voilà, le 19. Voilà, petite cafouille à la 19. Après, on a vu. C'était plus qu'une petite cafouille à la 24. Et donc, ouais, mais c'est la difficulté, hein, comme disait Vincent aussi, d'alterner les temps forts, temps faibles. Et sur certaines attaques de poste, là, il faut être à 100%, surtout dans ces zones de végétation où la visibilité est limitée. On le voit, effectivement, tu le disais, Mathieu, ils sont 5 en 1 minute. Ouais, et on voit, 30. On voit qu'il y a le groupe. Ouais, on voit qu'il y a ce coup-là, du coup, et il joue toujours à jouer la médaille, hein, du coup. Bien sûr, lui il est déjà arrivé, Elias Kuka, effectivement, avec simplement 35 secondes de retard sur le temps des skills Schinneberg. Pour l'instant, c'est Martin Rigborn qui peut encore le titiller. Et Martin Rigborn, on l'attend, le voilà. On voit. Martin Rigborn. C'est vert du dessus.
qu'on laisse imaginer là quand on est passé le poste, l'avant-dernier poste qui était au bord du marais. Il est annoncé, Martin Rekborn. Est-ce qu'il a repris du temps sur Eskil Schinneberg? On suivait ça on l'a vu tout à l'heure. Au GPS, on voyait qu'il avait l'air d'aller dans le bon sens pour lui. Mais bon, ça ne veut pas dire qu'il a réussi à trouver le poste tout de suite ou même à récupérer du temps. En tout cas, il n'est pas tout seul. Il n'est pas tout seul, c'est qu'il est arrivé. Le voilà. Il a repris Rodolphe Zernis, voilà. Magne Deli et. Il y a du monde. Et Martin Rekborn. Martin Rekborn est annoncé en avance sur le temps d'Eskil Schinneberg. Martin Rekborn qui va venir prendre le meilleur temps provisoire avec quasiment une vingtaine de secondes d'avance sur Eskil Schinneberg. Grosse course de Martin Rekborn. Vous l'aviez dit, c'était pas une surprise. C'était un vrai favori du jour. Et bah derrière, il n'y en a pas beaucoup qui vont pouvoir le battre, hein, puisque Emil Svens et Casper Fosser sont un peu loin. On a peut-être bien le nouveau champion d'Europe. 2000. Champion du monde de l'Europe. 22, effectivement, on peut le dire, puisque. Mais ceci dit, on en rigole, mais le niveau est plus élevé au champion d'Europe qu'au champion du monde. C'est généralement plus difficile de faire. Martin Rekborn, avec quasiment une trentaine de secondes d'avance. Rudolf Zernis qui lui pique la vedette. Énorme temps, énorme chrono. 1:39.18. Alors, énorme chrono. En tout cas, il a fait le job puisqu'il prend 30 secondes d'avance sur le temps de Schinneberg. Avec des petites fautes, il me semble, mais pas tant que ça. Un petit peu, mais ça reste léger. Petite virgule dans le cercle. Mais voilà, on sait qu'il est en forme. Il l'a montré sur les courses cet été. Et on sait que c'est un terrain qui lui va plutôt bien. Donc il va falloir aller le chercher et il n'y en a plus tant que ça derrière qui sont en capacité de le faire. Il y en a deux, Casper Fosser et Emil Svens, mais on vient de voir Emil Svens et Casper Fosser un petit peu à plus d'une minute derrière et donc on va voir si tout va se jouer certainement sur ce fameux choix tout à l'heure qu'on a suivi puisque Martin Rekborn avait 43 secondes de retard avec une trentaine de secondes de retard sur Eskil Schinneberg et il les a repris. Il a repris. C'était intéressant de suivre ça au GPS. Ensuite, on a basculé sur une autre image. Mais du coup, j'espère qu'on va nous remontrer cet itinéraire du poste 18, il me semble, ou 18 ou 19, où vraiment. On avait l'impression qu'il allait peut-être reprendre du temps. On sentait qu'il était en train de reprendre du temps, mais on aimerait bien le revoir au GPS pour voir comment ça s'est passé en vrai. Pour l'instant, en tout cas, Elias Kuka et Olli Ojenau, les deux Finlandais qui sont bien là. Olli Ojenau, grosse perf finalement, puisque quatrième, ça va faire top 10. On peut dire que les Finlandais sont quand même. Oui, il y a un sacré paquet. Bien présent et avec des. Effectivement. Et tous à Valenheim. C'est pas forcément des noms qu'on connaît plus que ça. Non, c'est sûr. Notamment, et tous à Savolainen, je ne serais pas trop capable de. De sortir son palmarès. Ça sera l'occasion de revoir Thierry, puisque là. Ils sont solides, les Finlandais. On ne sait peut-être pas qu'ils allaient en mettre 4 dans les 10. Ouais, c'est magnifique. Ça pourra faire 4 dans les 10 quasiment, puisqu'on attend Quentin Fosser. On voit Quentin Moulet, belle perf, parce que ça va être top 20 pour Quentin. Solide, ça va être top 20. C'est costaud. On l'a senti confiant tout à l'heure. C'est au-delà des espérances, on peut le dire, en tout cas des objectifs. Mathieu Perrin, qu'on n'a pas encore évoqué, un peu décevant presque aujourd'hui. On n'a pas encore eu le temps de parler de lui. Je pense qu'il est en capacité de faire mieux. Et même si probablement son objectif de la semaine se situe plus sur la moyenne distance que sur la longue. Allez, on va revoir justement les écarts en direct que vous avez entre Emil Svens et Elias Kuka. Ça se joue donc, on joue pour la troisième place là maintenant. Ouais, Emil qui était largement. Qui avait 35-40 secondes d'avance. Mais en tout cas, qui menait bien sa barque jusqu'à commencer à faire des petites erreurs. Là, il perd 35 secondes ici. Ouais, et on l'a vu déjà faire une petite erreur à la 19, il me semble. Oui. Là, il en repère à la 23. On sait qu'il va en remettre une couche à la 24. Voilà, il a donné le bâton pour se faire battre, on va dire. En tout cas, il n'a pas su garder son niveau de performance qu'il avait en début de course jusqu'au bout. Même si voilà, là il se recale assez vite, mais voilà, le train est passé. Et Casper aussi, pas toujours bien précis. Alors on voit, ça c'est pas très propre à la 25, c'est pas très propre à la 26. Et devant, ça attend pas. Donc pour aller chercher la médaille, ça commence à être compliqué. Ça commence à être dur, effectivement. Il reste pas beaucoup de postes. Hein. On va voir ce fameux poste 28 où Martin Rekborn a repris Eskil Schinneberg. Oui, j'avais dit 18. Deux postes de l'arrivée, pardon. C'était pour les filles qui étaient poste 18, il me semble. On se fait un petit peu des nœuds, mais voilà, l'important, c'est de voir ce que ça donne, notamment avec le GPS. J'espère qu'on
On va y avoir forcément. Plus que le finish de Simon Imart, hein, sans lui faire injure, un peu plus loin. Qui joue pas forcément. Alors, le point à quelques. Wow. Ouais, là c'est très bien pour Simon Imart. Ça, c'est pas un cadeau du réalisateur, ouais. de nous mettre ça. C'est qu'on n'a rien d'autre à se mettre sous la dent. Alors, pour faire un point, hein, on est d'accord. Donc, Martin Rijkaard, qui est en tête et manifestement, qui est parti quand même pour remporter ce titre de champion d'Europe. On va pas s'emballer, mais quand même. Martin Rijkaard, Suède, 1:39.18. Eskil Schineberg, lui, qui est pour l'instant deuxième à 31 secondes, et Elias Kuka à 1:06. Et là, le match est vraiment bien lancé, puisqu'Elias Kuka a perdu un petit peu de temps sur cette dernière partie. Et donc, on attend Kasper Fosser et Emil Svens qui vont venir se battre pour cette troisième place. Et on donne des nouvelles du dernier Finlandais qui est en course, oui, qui est Mika Karmula. C'est ce que j'avais demandé, est-ce qu'on a des nouvelles Mika Karmula, il est un peu plus loin, hein, puisqu'il est passé à 2 minutes 49 à mi-course du temps de Emil Svensk. Alors à voir, mais en tout cas pour l'instant, Mika Karmula qui est annoncé derrière. Ouais, qui est maintenant même, je dis une bêtise, qui est même quasiment à 3 minutes maintenant, hein, du temps de Eskil Schineberg. Donc, ouais, ça reste une bonne course. Une course solide à c'est nouveau pour un Finlandais. Ouais, tout à fait. Donc, ça veut dire que. Ils vont remplacer un bon petit paquet dans les 10. Il y en aura c'était sans compter sur Mika Karmula, qui lui aussi peut s'insérer là-dedans. Et donc, ça serait quand même impressionnant d'en avoir 5 dans les 10 ou 12 en fonction des derniers coureurs arrivés. Petite temporisation. Simon Imart qui a le droit. Voilà. Ça arrive vraiment à un rythme. Oui, bah là, je pense. On est pas habitué à voir ce genre de coureur. Ouais, et je pense qu'il sait qu'il est passé à côté. Ouais. Il veut en garder pour le reste de la semaine. Ouais. Du coup, Simon Imart à l'arrivée. Et donc derrière, et bien voilà, maintenant, pré-warning, on va dire, pré-warning arrivé, on attend maintenant d'une minute à l'autre Kasper Fosser et Emil Svens. Kasper Fosser qui est maintenant derrière Mika Karmula. Une faute à la 16, du coup. Et là, à la 24, ouais. Ça n'a pas l'air de bien se passer. Il est un peu décalé. En tout cas, pour vous dire, Kasper Fosser est maintenant officiellement derrière les trois, c'est-à-dire derrière Rijkaard, derrière Schineberg, derrière Kuka. Il a quasiment une minute maintenant de plus que Kuka. Alors le voilà, Kasper Fosser qui va être annoncé, qui va être dans quelques instants. 1:36. Le voilà sur les écrans. Pas sur les. Qui nous affiche sur nos écrans, effectivement. Là, on nous propose Karmula. Pour le moment, on est sur la course de Karmula. Avec des petites erreurs. Voilà l'arrivée de Fosser, non ? Le voilà, exactement. C'est tout à fait ça. Il est sous la ligne haute tension. On voit la tenue norvégienne. Donc il y a. C'est probablement lui, sa démarche un peu particulière. Avec ses longues foulées. Oh, il n'a pas l'air. C'est pas le Kasper Fosser qu'on connaît habituellement sur des fins de course longue distance. C'est pas le champion du monde en titre, effectivement. On l'a vu mieux que ça. Et donc, on vous l'avait annoncé, Kasper Fosser qui, malheureusement, ne jouera pas de médaille aujourd'hui. Il va être derrière. Ça va être compliqué. Alors, sauf s'il a repris quelques secondes. Depuis le pré-warning de l'arrivée, mais ça me paraît. Non, voilà, il est déjà derrière Kuka. Et donc, Kasper Fosser qui va venir se positionner en quatrième position. Il ne reste plus que. Il ne reste plus qu'Emil Svens. Svens, on sera fixé d'ici moins de 3-4 minutes. Et ça veut dire qu'on était en train de faire une erreur. Avec Karmula qui était quand même pas dingue. Il est l'air loin. Donc, on est quand même parti pour Elias Kuka, la grosse côte. Effectivement. On connaît un qui va être encore content. On va avoir droit à une deuxième interview du coach finlandais. Ce qui nous arrange, vu qu'on n'a pas besoin de faire l'interview en anglais, du coup. C'est sûr. On n'aurait bien pas une grosse journée pour Kasper. Voilà, il le sait. Qui est au second d'épaule. Ouais, c'est pas une mauvaise course, hein. Il est à 1:38. Mais pour lui, vu ce qu'il avait montré sur toutes les longues distances des courses précédentes. C'est vrai qu'on ne le retrouve pas avec ce niveau physique bien supérieur aux autres. Là, il était dans le rythme des autres. Il a l'air entamé. On l'a toujours vu un petit peu derrière et on sentait qu'il n'était pas forcément en capacité d'aller plus vite que les autres. Et Il était fameux poste 29. Il était déjà derrière. Ouais. Non, mais c'était pas avec. On voulait voir Rijkaard et puis. On voulait voir Eskil Schineberg. Il allait dans le vert 3.
Il a perdu du temps ici, Fosser, effectivement. Et donc, eh bien, il n'y a pas eu match, hein, finalement, en tout cas sur cette fin de course. Il a été derrière tout le long, alors que maintenant, Mika Kermoula, le voilà. Mika Kermoula qui va passer au pointage intermédiaire numéro 2. Et ouais, il va être loin derrière. On sait qu'il est derrière. Hein. On l'a vu sur le GPS. Donc, c'est plutôt Emil Svensk maintenant qu'on va attendre pour... éventuellement les dernières places sur le haut du classement. Est-ce qu'il a été capable d'inverser la tendance? On voyait qu'il était parti fort. Il y a quand même un énorme trou entre... Il y a un petit paquet qui est en 1.30 et puis après c'est Oli Onano qui a plus 5. Il est à plus 5 minutes. Il y a un trou de 3 minutes. Effectivement, je voulais vous le faire souligner. Ça fera une bonne course quand même, de toute manière. Je voulais vous le souligner, c'est qu'effectivement, on voit vraiment un groupe de 5 personnes et puis derrière, plus de 5 minutes derrière, c'est Oli Onano. Donc, il y a eu un vrai trou qui a été fait. C'est assez rare de voir ce genre de choses, d'avoir à ce niveau-là, un écart assez important comme ça. Donc ça, c'est le temps définitif au deuxième intermédiaire. Tous les coureurs sont passés. Voilà. Schinneberg, donc, qui avait le meilleur temps, Martin Rekborn, Elias Kuka. Il y a juste une petite inversion pour l'arrivée puisque Martin Rekborn est en tête maintenant. Ouais, mais ça veut dire qu'Emil Svensk était quand même à une petite minute de la troisième place, avec plus énormément de temps pour aller la récupérer. Bon, on a vu que c'était pas injouable, mais le temps presse. Donc lui n'est pas aidé par personne d'autre. Il a personne d'autre pour venir l'aider. Donc, ouais, on rappelle que Martin Rekborn, entre autres. Je ne sais pas si Martin Rekborn a été aidé en forêt, mais en tout cas. Sur l'arrivée, visiblement. Il avait plutôt l'air devant. Ouais, donc, il n'avait pas l'air d'avoir envie d'attendre les autres. Il était quand même en tête du groupe. Restez bien avec nous, bien sûr. On va vivre la fin et savoir si Emil Svensk, pourrait encore venir jouer une médaille. Et puis ensuite, bien sûr, on aura quelques interviews pour finir. On est en train de voir est-ce que ça sera avec la France ou peut-être la Norvège, puisqu'on n'a encore pas parlé des entraîneurs norvégiens en la personne de Damien Renard. Et il serait peut-être dans le coin. Et comme on a quand même un Norvégien deuxième, ça pourrait être intéressant. Et on voit à l'écran deux Français dans le top 25 du coup. Effectivement. À ce pointage-là. Au deuxième pointage intermédiaire. Mathieu avait un peu reculé derrière ou... Et Quentin peut-être avancé. Pour l'instant, effectivement, Quentin, donc 15e à l'arrivée. Et ouais. Mathieu Perrin, on l'a dit, qui est 24e ex aequo. Donc, il n'y a plus que Mika Kermoula et Emil Svensk. Ouais, ça sera certainement 26e pour... Quentin a dû faire une bonne fin de course, du coup, pour... Effectivement. Ouais, tout à fait, pour reprendre... Il était 21e, là. Ouais, pour reprendre des coureurs sur la fin de course, c'est plutôt encourageant, surtout pour un jeune coureur. Et on sait, normalement, ils ont quand même des... plus de difficultés à tenir sur toute la longueur d'une longue distance. On sera donc... Donc bravo Martin Rekborn, on peut rappeler que c'est un habitué, c'est pas un tout jeune coureur, mais il a pas énormément de médailles non plus en individuel. Championnat d'Europe en distance en République tchèque. Il a une médaille effectivement en championnat d'Europe, il avait fait une troisième place. Mais c'est quand même on l'avait dit, on l'avait cité parmi les potentiels à la médaille, donc c'est pas une surprise, mais il n'en a pas tant que ça, donc c'est quand même une bonne course pour lui, évidemment. On nous repasse un replay de la course avec Oui, et on peut rappeler on se demandait s'il avait fait des fautes, alors là on n'en voit pas tout de suite, mais qu'il a quand même perdu du temps sur une traversée de rivière aussi. Il a perdu, c'est quasiment 2 minutes à faire le choix de la zone interdite. À l'aller et au retour. Donc là, sur ce long choix-là, sur le choix 6-7, c'est vrai. Le retour, après la patate, où il a à nouveau fait le détour pour aller chercher un pont, et... Là, je ne sais pas s'il n'y a pas une petite boulette du staff des Suédois sur le fait que je suis un peu étonné qu'autant de coureurs n'avaient pas l'air d'avoir saisi que les rivières étaient traversables en dehors des points de passage recommandés. En tout cas, sur ce long choix que tout le monde a pris à peu près cette même option, mis à part Rekborn qui a fait du coup le tour de la zone. Du coup, ça lui fait perdre... 2 minutes quasiment, ou 3 minutes sur la totalité, et ça fait beaucoup. Ça montre que le reste de la course est Ça montre qu'il a vraiment fait une bonne course, parce que ça n'empêche pas donc de remporter le... Et pendant un moment, Elias Kuka était même en avance, avec quasiment 30 secondes d'avance sur le reste des collègues. Ouais.
Oui, mais là, c'est parce que c'était le seul qui avait la variation courte en premier. Courte, donc c'est normal qu'il était devant. Donc là, on voit Rugburn qui repart au sud chercher le passage, le passage recommandé, alors qu'on pouvait traverser la rivière. Voilà, c'est là où on voit qu'il repère du temps. Il repère pas mal de temps aussi. Donc ça fait quand même deux fautes qui sont dues non pas à des erreurs techniques, mais à de la planification sur cette question des rivières infranchissables ou pas. Elias Kouka, un meilleur résultat, c'était 12e sur le championnat du monde 2021. Et son meilleur résultat, c'était 47e rendez-vous compte sur un championnat d'Europe. Donc Elias Kouka. Ouais, bah 12e sur une longue de championnat du monde, ça, c'est quand même. Commence à causer, on va dire. Ça commence à causer, exactement. Vincent, pour parler, bien sûr. Pour aller, quand donc on commence à taquiner le top 15 sur une longue de championnat du monde, c'est qu'on est quand même. On n'est pas complètement un peintre. Allez, on va être en direct avec Marie-Violaine le temps qu'on termine, puisqu'il reste encore Emil Svenks qui est officiellement derrière. Hein. Il va prendre la 5e place, Emil Svenks, c'est sûr, maintenant, à plus de 3 minutes. Peut-être attendre la fin, là, maintenant on arrive. Et non, parce qu'après, Marie-Violaine va s'en aller, et donc du coup, on n'aura plus personne. Donc on va essayer d'avoir Marie-Violaine, voilà, la voilà avec sa petite interview. À toi, Christophe, ton impression avec Marie-Violaine. Ouais, tout à fait, je suis avec Marie-Violaine. Je proposais qu'on fasse un petit bilan de la journée pour les Français, Marie-Violaine. Qu'est-ce qu'on retient ? On retient la très belle performance de Quentin Boulet, donc quasi dans le top 20. Je n'ai pas les résultats sous les yeux. Ça doit le faire. Ouais. La totalité, voilà. Mais vraiment, voilà, une préparation qu'il a faite depuis sa non-sélection pour le sprint New York. D'ailleurs, avec Mathieu Perrin, préparé un petit peu plus spécifiquement que tout le reste de l'équipe. Et on voit le résultat, parce que Mathieu est deuxième français. Des aléas de course, mais donc des résultats plutôt satisfaisants pour eux. Il y a des choses de bien réalisées pendant la course, sauf que la course était particulièrement longue, dans un terrain particulièrement difficile et avec une préparation moindre, puisque le focus, faut reconnaître que l'objectif principal c'était les walks et le sprint urbain. Et passer de l'urbain en forêt comme ça en l'espace d'à peine un mois, on se rend bien compte qu'il faut vraiment une préparation ciblée. Et puis Marianne, tu me disais que il y a un petit débat dans l'attente des concurrents sur cette rivière qui était pensée infranchissable et qui était franchissable. C'est ça. Alors, on imagine, au regard des passages marqués sur sur la carte, sur la rivière, que le traceur a pu imaginer que les coureurs allaient aller chercher ces passages, supposant peut-être que cette rivière n'était pas traversable, en fait. Sauf que la règle, depuis 2017, la règle de la cartographie n'interdit pas le franchissement, même si c'est plus difficile, et qu'il n'y a que la violine qui interdit réglementairement le franchissement de la rivière. Donc, il y a des coureurs qui, au regard de la première rivière, n'ont pas compris, ont interprété aussi et donc se sont fait avoir et ont perdu de précieuses minutes à contourner. Et donc puis, il y avait aussi une zone interdite là au milieu. Donc un petit débat sur le tracé. Voilà. Mais en fait, donc il fallait non seulement être physique, technique, précis, mais il fallait connaître le règlement. Voilà. Et donc, merci Christophe. Pour les jours suivants. Eh bien, pour les jours suivants, déjà demain, repos, bien mérité, parce que la longue distance aura éprouvé quand même les organismes. Et le mental aussi, donc une bonne journée de repos, donc avec une bonne régénération, un bon kiné, des bons massages, et puis ensuite, place à la moyenne distance. Okay. Et là, merci. C'est à nouveau ouvert. Très bien. Merci Marie-Violaine. Merci Aubin. Merci à vous. Merci Marie-Violaine. Donc, Marie-Violaine Palco, directrice technique nationale de la Fédération française de course d'orientation. Merci à elle de nous avoir accordé ses premières impressions à chaud, et merci encore à toi Christophe. On attend On a vu l'arrivée des Miss Svenks déjà. L'arrivée des Miss Svenks, effectivement, en double fenêtre. Donc, on vous l'avait dit, un cinquième avec 3-19. Ça jouait plus la médaille, mais ça fait quand même une course placée. Une belle, effectivement, cinquième place. Sur un top 6 pour lui. Ouais. Vous l'avez dit, il confirme sa notoriété de partir très fort et de
d'arriver un peu derrière sur la fin. Ouais, on a vu, il a quand même pas mal perdu. On va voir un interview de Martin Rekborn. Martin, congratulations on your victory. How is it to be European champion? I don't think I have understood it yet. I'm so tired. Everything is just empty. And how was your race? Yeah, it was. I think I was felt strong in the start. Then about halfway through, I got really tired, but still felt I had good speed. And then I could see Gustav somewhere ahead of me sometimes, and knew that I had picked 6 minutes on him. And then we called Simon Imark, and in the last part also Dali. So I know this was a good race, and I was really tired, but I still managed to push the whole way. So yeah, I'm really happy with that. And how much do you think it meant that you caught up with Gustav and Simon for your pace, for your speed, and then errors which you didn't seem to make any of? Yeah, when I caught them, I immediately got ahead of them, so I understood that I was stronger, and I caught them mostly by running, I think. So yeah, it was good to get that feedback when you are really tired, and this is a good race. I still have the speed, so it's just to continue push. And you seem to like the terrain, avoiding any big mistakes out there. We've seen lots of runners throwing away minutes out there, but you seem to avoid it. How did you experience your like feeling for the terrain? I saw yesterday that I was in control and was in good shape, so just continue with that today, and be really sure to pick all the controls today. So I checked the code, the number, every control. Yeah, you missed out on the qualification. Did that mean anything for your race today? Did you like feel eager to prove something today? I saw I had good speed and had good technique in this terrain, so I know I tried not to dwell in it too much and tried to steer the anger towards something constructive today, because I know I had a good chance if I just kept it together. And this is probably the biggest result of your career. How does that feel, being European champion? I'm so tired now. I don't believe it yet. Okay, thank you, Martin, and congratulations. Thank you very much. Merci. Donc, Martin Rekborn avec l'interview. Mathieu, je vais te laisser nous faire un petit retour sur ce qu'il a dit. Oui, on me demande de faire plus court, mais j'ai du mal, il parle beaucoup. Donc pour le moment, il dit qu'il n'a pas encore réalisé, il est trop fatigué, il dit même qu'il est vidé. Il avait l'air entamé. Oui, effectivement, ça se voit à l'image. Ouais. Donc on lui demande comment il a vécu sa course. Alors il a dit qu'il est parti fort au début, et puis en fait quelque part au milieu de la course il s'est trouvé fatigué, déjà assez vite, mais en même temps il sentait qu'il avait une bonne vitesse, notamment parce qu'il a repris Gustav Bergmann et Simon Imark, donc c'est ses deux partenaires de l'équipe nationale, et donc et du coup ça lui a donné un bon feedback, il savait qu'il est un bon retour, il savait qu'il était en train de faire une bonne course, et même s'il s'est senti fatigué, il avait pas des bonnes sensations, mais il a continué à pousser dur parce que il a compris qu'il était costaud pour reprendre comme ça de 3 minutes Gustav Bergmann et de 6 minutes Simon Imark. On lui a demandé s'il avait pas fait de grosses fautes, et il a dit non, qu'il était en contrôle, il savait qu'il était en bonne forme, et en fait il s'est vraiment appliqué à essayer de prendre tous les postes, parce qu'il faisait référence en fait à la course d'hier en la qualification de la moyenne, où il était très très bien parti, il était largement en tête, et puis il a sauté un poste, donc il allait directement d'un poste, du poste 10 au poste 12, il a sauté le poste 11, et donc il était disqualifié hier, ce qui ne pourra pas donc faire la course de moyenne distance, mais il a rigolé un peu, rigolé jaune sans doute là-dessus. Mais bon, il savait qu'il avait des bonnes chances aujourd'hui, et quand on lui a dit c'est votre meilleure course, votre meilleure performance en carrière, il a dit ah mais moi je suis trop fatigué pour le moment pour réaliser, donc voilà, et bon ça se sentait, il était vraiment, on sent qu'il a donné aujourd'hui. Ouais. Vincent, une petite analyse, vous l'avez, finalement c'est vraiment pas une surprise, j'ai l'impression, parce que tu l'avais annoncé hier déjà, lors de notre repas d'hier soir et tout à l'heure, grosse performance de Martin Rekborn, c'est quand même une... mais on le sent entamé. Ouais. Ouais, c'est propre. Bon, c'est vrai qu'il avait l'air vraiment, vraiment fatigué. Bon, il va avoir un petit peu de repos avant le relais, du coup, qu'il ne fait pas la moyenne distance. Mais c'est vrai que c'est une très bonne course pour lui. Et puis, il montre qu'il sait performer quand il le faut sur des longues distances. Donc, bravo à lui.
Ouais, et puis deux petites déceptions, du coup, une relative plus que l'autre, avec Gustav Berman, qu'on attend toujours, et puis qui, encore une fois, qui passe un peu à côté. Et puis Casper, bon, vis-à-vis des dernières courses, on pensait qu'il était capable, alors que Mika Kirmula là, est en train de finir sa course, le dernier partant. Et, mais lui, il avait dit qu'il probablement il n'aurait pas la vitesse aujourd'hui. Et ben, effectivement, il se connaît bien, et il se trouve qu'on l'a senti tout du long, il n'avait pas cette capacité d'accélérer qu'il a d'habitude. Et donc, il se retrouve aux portes des médailles, mais sans médaille. Et avec donc Elias Kuka, au contraire, la bonne surprise du jour pour les Finlandais. La surprise qu'on n'attendait pas. Ouais. Avec le retour en plateau de Cécile hein, Folzer, que vous venez de voir, qui nous a rejoint, qui a regardé attentivement également, j'imagine, cette course bien sûr. Évidemment. Une magnifique longue distance. Alors, on va terminer donc avec l'arrivée de Mika Kirmula, quasiment le dernier en course. Il doit rester, il me semble que j'ai vu passer Fabien Aberson au deuxième intermédiaire. Donc, il est très, très loin. Mika Kirmula, donc, qui en termine. Qui finit. Voilà, un top 10, un Finlandais de plus bien placé. Je ne sais pas trop ce qu'il Les Finlandais. Ce qu'il veut nous dire l'arrivée. Mais alors, pour vous donner quand même les résultats des Français, l'ensemble des résultats des Français. Donc, Quentin Moulet, on l'a dit, 16e. Mathieu Perrin, 25e. Donc, on a dit nos deux Français. Alors, non, du coup, 26e, puisque Mika Kirmula vient de s'intercaler. Et ensuite, donc, Maël Beauvire, donc 37e. Maxime Roturier, 38e. Loïc Cadberne, 44. Raphaël Massilla, 57, Florence Hanauer 60, Antoine Becker 62, Chloé Dudoignon 68, Quentin Roturier 69, Lucille Clouard 76, Juliette Basset 82 et Axel Panier 85 et Cécile Calandry qui donc n'a pas pris le départ qu'on retrouvera pour la moyenne distance. En pleine forme, j'espère. En pleine forme, évidemment. Qui sera probablement samedi. Notre meilleure chance chez les filles. On a vu qu'elle avait fait plutôt une bonne qualif hier en moyenne distance. À noter une belle performance, Vincent, parce que tu l'as souligné tout à l'heure un petit peu en off, de Luis Noguera, 15e espagnol. Voilà, c'est une belle perf. C'est une belle perf, mais a priori, il n'a peut-être pas couru complètement tout seul. Mais c'est aussi ça, on l'a dit. Il faut quand même être capable de sortir à une 15e place, même en suivant. Comme tu le dis. Physiquement, déjà, il a au moins la capacité de pouvoir le faire. Voilà, avec Quentin, donc 17e, finalement. 17e, Quentin Moulet, avec l'arrivée de Mika. Mais qui est clairement une très bonne performance. On sait que Besançon, pour un tout jeune coureur. Besançon, ouais. Je pense pas qu'il y ait tant de monde que ça qui fait des top 20 en championnat d'Europe en France, sur des Français. On va voir si en arrière, nos collègues statisticiens Brieux, Clément et Eva arrivent à nous sortir. Glisser ça dans l'oreillette. Quelle était la dernière meilleure performance sur une longue distance pour un Français? Et effectivement, on va pouvoir répondre. Le podium en direct avec la grosse surprise du jour, la belle surprise du jour. Un Finlandais sur le podium. Ça fait déjà 3 podiums finlandais pour aujourd'hui avec Elias Kuka. Ouais, alors 7 Finlandais dans le top 20. Alors avant la course, forcément, on n'aurait pas parié sur lui. Après, quand on a vu la course des filles, on voit que les Finlandaises déjà étaient vraiment costauds. Bon, bah, ça a remonté un peu la côte des Finlandais. Et puis voilà. Retour de la CO finlandaise en avant-course. Sur des terrains qui maîtrisent bien. Ouais. Ils ont peut-être aussi l'avantage d'avoir une équipe qui a pu se préparer vraiment pour la forêt. Vraiment spécifique sprint qui n'est pas forcément avec les mêmes coureurs. Donc ça... Le choix a été fait effectivement de peut-être vraiment faire une spécialisation des coureurs. Ça doit payer. Un petit mot sur Eskil. Hein, Eskil Schinneberg, qu'on a vu rapidement. Il avait dit moi je viens pour une médaille, ce qui était quand même, c'est pas toujours évident d'annoncer ça comme ça. Ben, bravo à lui, là il a été solide et il vient chercher la médaille qu'il espérait. Et donc Martin Greborn champion d'Europe de longue distance 2022. En Estonie. Ah, il est fatigué, mais là, il va quand même finir par réaliser. Il est encore en train de reprendre. Ouais, alors on l'avait mis dans les médaillés potentiels, mais sans que ce soit une certitude, parce qu'il était plutôt en forme, mais ça fait quand même quelque chose de le voir là, sur la plus haute marche du podium, sur une course difficile comme ça. Voilà, il a su saisir sa chance, un peu à l'image de ce qui s'est passé chez les filles. Ce podium donc termine sur cette première journée des championnats d'Europe avec les meilleurs moments qui nous sont proposés.
Alors on a les statisticiens Clément et Brieux qui nous ont donné la dernière, donc en 2021, Fred Tranchant avait fait 13e sur la longue des championnats du monde. Et puis. Des championnats d'Europe. Des championnats du monde. Ah, et Fred avait fait effectivement en 2018 4e sur la longue distance aux championnats d'Europe. Ouais. Voilà. Donc voilà, merci Clément, merci Brieux pour, et Eva pour ces infos. Oui, Fredo, ah, Mathieu Perrin qu'on avait à l'écran. Ouais. Fredo, on n'en a pas parlé, hein, mais. Au même titre qu'il avait fait l'impasse sur les championnats du monde de sprint urbain en juillet, là pareil, il est toujours focalisé sur sa saison de trail, mais il devrait revenir plus tard dans la saison. Et on lui fait un petit coucou parce que lui, c'est notre spécialiste aussi des longues distances. On a vu sur le palmarès que c'est lui qui avait les meilleures perfs françaises des dernières années. Tout à fait. On va donc se quitter avec cette arena en Estonie pour cette première compétition de ces championnats d'Europe qu'on a vécu tous ensemble. On va refaire un petit saut en Estonie avant vraiment de terminer, nous, de conclure en plateau avec Christophe pour prendre les dernières informations et les derniers mots sur place pour voir un petit peu l'ambiance finale. Dès que vous avez Christophe, vous nous dites. En attendant, Cécile, Vincent, qu'est-ce que vous avez pensé de cette première journée? Est-ce que c'est prometteur? Est-ce qu'on a vécu des surprises? Voilà, une belle longue distance, j'imagine. Bah, on voit que les garçons qui sont bien préparés pour ça donc, et qui sont allés sur le terrain, Quentin, Mathieu, je pense qu'ils ont couru à la hauteur de ce qu'ils attendaient. On sait que Mathieu, son objectif, c'est vraiment le championnat du monde universitaire. Donc, je pense qu'il doit être content de sa place. Et puis bah, chez les filles, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure, il n'y a pas la place, mais en tout cas, elles ont toutes fini leur course et puis c'est déjà une belle petite victoire. Vincent ? De l'expérience engrangée, je pense, pour la plupart. Comme on avait dit, c'est une équipe qui vient assez jeune, donc on apprend. On voit ce que c'est des courses difficiles et sur lesquelles il faut se battre, il faut être à 100% pour arriver. Et donc voilà, c'est quelque chose qui pourra leur servir pour la suite. Et puis bah, voilà, on peut encore féliciter Quentin pour cette belle course qui a bien lancé en tout cas sa semaine pour lui. Ouais, effectivement, et je reviens sur ce que tu disais, Cécile, il y a quand même un truc intéressant hein, là qui ressort, c'est que mine de rien, entre les Finlandais qui ont été quasiment la seule nation à pouvoir faire un vrai stage là à un peu plus d'une semaine, et nos deux Français, Quentin et Mathieu, qui sont allés faire des stages là-bas en Estonie, bah, finalement ça paye, on le voit. Alors bien sûr, on l'a dit, il y a eu un gros calendrier, il y a plein de choses qui font que c'est pas forcément évident, mais en tout cas, ouais, manifestement, ces terrains si spécifiques, c'était intéressant. Ouais, on en a parlé, l'importance en course d'orientation de se préparer pour des terrains spécifiques, d'un terrain à l'autre, on n'utilise pas les mêmes techniques. D'orientation ni même de course à pied, hein. Faut habituer le musculairement le corps, il travaille pas pareil quand on est sur de l'asphalte ou quand on est sur un marécage en Estonie. On fait un dernier petit point avec toi, Christophe, si tu nous entends, avant de conclure ce direct. Si Christophe, est-ce que tu nous entends? Oui, tout à fait, je vous entends. Oui. Alors nous aussi, un petit mot avec toi pour finir. Merci déjà à toi, tu nous as bien fait vivre cette première journée avec des interviews de Français, avec Thierry en plus. Quelle est toi ton analyse un petit peu à chaud là sur cette première course? Je vous perds. Est-ce que tu m'entends à nouveau? Ouais, ça coupe un peu là. Quelle est ton analyse toi à chaud sur cette première course là, vécue de l'intérieur? Ah ben vécue de l'intérieur, d'abord on voit clair. Pas le gros réseau. Les fans coup sur la ligne d'arrivée, donc c'est eux qui gagnent à la plus bête. Ouais, vous m'entendez pas bien. Si, c'est bon, vas-y, tu peux reprendre, on t'entend bien. Moyen. Bon, c'est pas grave. Non, je disais, ouais, les Finlandais, clairement, ils savent se voir. Allô. Allez, vas-y, on fait un dernier essai, à toi. Ok, ouais, donc je disais, les Finlandais à l'applaudimètre sur la ligne d'arrivée, c'est eux qui gagnent, mais ils gagnent aussi sur les résultats, très clairement. On a l'impression que ces terrains, ils les connaissent. Moi, ce que je retiens aussi, c'est le terrain. Les mots-clés, c'est un peu combat, fight, voilà. Merci, Christophe. Merci pour ton analyse. Ah, il faut y aller, quoi. Et puis, il fallait... Ceux qui gagnent aujourd'hui, je crois que c'est ceux qui ont tout simplement fait une course quasi parfaite en étant tout le temps en contact avec la carte comme il se doit.
Merci Christophe pour ton analyse et on se retrouve samedi pour voilà, et on se retrouve la moyenne distance. Samedi pour la middle, ouais. Exactement. Ça fait avec plaisir. Eh bien écoute, bonne récup. Christophe. Bonne journée de récup. Ouais, moi je fais le sprint demain, allez. Merci d'avoir... Vas-y, Mathieu, tu voulais dire quelque chose? Non, pas de récup pour Christophe, il enchaîne. Alors, juste pour finir là-dessus, justement, une journée de récup, comment ça se... Concrètement, comment il y en a qui ont besoin, on a l'impression qu'ils ont besoin de bien récupérer. Comment ça se gère, cette journée-là? Qu'est-ce qu'on va faire demain? Je pense déjà qu'il y en a qui sont déjà à l'hébergement, en train de... Qui sont déjà douchés, qui sont de regarder la fin du live à l'hébergement, se reposer, les premiers massages aussi avec le kiné, bien se réhydrater parce que ben, ça tape quand même. Manger aussi correctement, puis demain, voilà, ça va être journée tranquille, peut-être un petit shooting pour certains, de nouveau un massage, parler de la course qui va arriver le samedi avec la moyenne distance, donc réunion, et voilà, ça va être... Après, c'est quand même bonne ambiance, il y a pas mal de choses en équipe qui sont faites, des petits moments, des jeux, discuter, etc. C'est plutôt bonne ambiance et décontracte. Donc c'est évident qu'ils sont fatigués, là, après une course comme ça. Maintenant, Thierry le disait, c'est aussi un terrain qui finalement tape moins dans les organismes. Il y a quand même moins de dénivelé. Ouais, c'est un terrain relativement souple. Donc voilà, sur le coup, c'est évident qu'ils sont musculairement, on n'est pas fatigués. Sur de la casse comme un terrain exactement. En Suisse où on va avoir de la casse musculaire et le lendemain, on a des courbatures. Voilà. Là, ça sera pas. Donc là, ils vont bien récupérer. Le kiné est là pour ça. Donc normalement, il devrait être sur pied déjà pour la moyenne distance sans problème. Eh bien, parfait. Merci Cécile, merci Vincent de nous avoir accompagnés tout au long de cet après-midi. C'était un réel plaisir et puis d'avoir vos analyses techniques et puis aussi vos anecdotes, les retours sur vos connaissances. Donc voilà, un grand merci d'avoir vécu avec nous cette première journée. Merci avec pour l'invitation. Mathieu, on se retrouve pour une moyenne distance qui s'annonce quand même assez costaude, je pense. Ouais, là aussi, il risque d'y avoir des rebondissements. Parce que sur un terrain comme ça, il va y avoir des fautes. Et c'est sûr, hein, Thierry, on l'avait eu, il nous a déjà un peu teasé la moyenne distance. Et les coureurs vont vouloir mettre du gaz. Et aller vite sur un terrain comme ça qui est diffus, il va forcément y avoir des fautes. Donc, il devrait y avoir des rebondissements et donc du spectacle. Du spectacle, effectivement. Ça sera donc samedi, dans deux jours, samedi 6 août, à partir de 11h45, la prise d'antenne sur 8 Mont Blanc et 100% outdoor. On vous retrouve en attendant. Bonne journée de récupération à tous, nous aussi. Et puis, eh bien, on se dit à samedi. Ciao, bye bye. Salut.